saga. Suffit d'une balle, suffit d'une rafale pour te mettre à mal. Boy, je sais que l'instru paraît calme, je découpe pas le beat, mais viens assouvir mon âme, boy, c'est Dylan et je les laisse dans le gaz. Pour un kicker, ouais, je suis à la page. Ouais, je vais me les faire sur ma pile tasse. Prends-moi quand qu'un conflit, les que filles de tasse. Je record et je le refais, je me resserre et je le remets. Nigré toute la journée, les journées se reflètent dans ce verre de lit, mon reflet. Prochaine fois que j'encaisse la vraie maille, prochaine fois que j'encaisse le vrai alcool. Je suis défoncé sous Jack dans la couva, donc je passe au LTD, je traîne avec Soa. Putain, je suis défoncé, je crois que je viens d'en abuser. J'ai mélangé substance, j'ai le faussaire à distance. J'ai tapé dans la cesse, je crois que je suis sous codé ou sous la mer, ou plutôt dans la merde. Il y a 5 minutes, j'étais dans un concess, merde. Je suis dans la poche. Dans le cas, je suis dans Kai Kai Man. Dans le cas. J'accélère et je vais les battre. Dans le rap, on m'idolâtre. J'écris une monnaie, je fais du sale. C'est le second effet du plat. Je crois que je suis défoncé dans le caïman. Donc j'accélère et j'aime la flicaille. Gros 3, 2, 100 accélérateur à balle. J'ai visité les autres structures du rap. J'ai constaté qu'ils étaient tous bancals. Je laisse une flic pour fuck les cops. Je lui mets dans le mille, je lui mets dans le hall. Elle redemande ma queue, elle veut que je l'élimine. Oui, c'est possible. Oui, ma jolie, passe à forum. Je te ferai goûter échantillon des suites. Je te ferai goûter échantillon jésuite. Je crois que je vais me faire flasher. Putain de voiture volée. Deux minutes que je trip et je vais me faire péter. Boy, boy, faut que je descende du Porsche, je suis trop foncé. Une que c'est, je peux plus m'arrêter. Mon gars Uzi, faut que tu viennes m'aider. Merde, on a tous une vie et c'est pour la kiffer. Dans le cas, je suis dans le Kai Kai Man. Yo yo yo. Le double cheval. Déchirant. Yo, allez, à bien. Salut Elio, comment ça va? Yo, masque à foutre. Oh, j'ai bien. Oh, ça fait quoi là? Wow, ouais. Ouais, ça fait quoi là? Quel bail? Hein? Ça fait quoi? Ça vend? Non, on peut même pas vendre. Jure. Oh, pas toi. Ah ouais, jure. Yo, Jace. Les clicos là. Et... Yo, yo. T'as payé mes meilleurs en clic, ils veulent pas prendre. Vas-y, vas-y. On est écoulé là ou pas? Attends, je vois. Il en reste 500. Ok, ok, moi je le ferai. Je vendrai. En haut à droite, il en reste 500. Ok, ok. Ouais, 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 salut. Salut Zef, salut Léo. J'ai avoir le nez bouché en viteuf au début. Je sais pas pourquoi là, j'ai éternué, ça y est, c'est reparti comme en 40 là, sa mère. T'as vu le GF sur la weed? J'étais pas là, ça rêve, j'avais des problèmes de PC. J'étais en train de fixer un peu le PC pour avoir plus de perte de FPS. Donc j'ai rien suivi. Je sais qu'il y a une histoire avec un bus. Non, même pas, j'ai même pas dormi en plus, je suis en nuit blanche là. Je suis en nuit blanche de fou. C'est juste, j'ai éternué, mais je suis en nuit blanche là, j'ai pas dormi cet après-midi. J'ai pas dormi hier soir parce que je suis trop décalé, donc je suis en bonne grosse nuit blanche à la merde. Espérons que ça va pas avoir un truc de ouf ce soir parce que je vais casser ça. Tout le monde chill tout seul. Non, j'ai le nez bouché quand je me. Tu sais, les rhumes de l'été là. C'est la coque. Ouais, voilà, on aura un noir. Ajouter des points de chaîne. Si, faut que je le fasse. Dans les points d'agriculteur là. Les maras ont niqué les familles et les keufs ont niqué les maras. Ouais, bah ouais, comme d'hab, hein. Ça se barre, y'en a un qui gagne et les flics qui viennent terminer derrière. Comme ça, les maras, ils ont niqué les familles. Je suis pas au courant de ça. Ah, c'est vrai, mon ordi il était KO. J'ai essayé de faire d'autres trucs pour pas avoir de freeze. Donc dites-moi si vous avez plus de freeze, moins de freeze que d'habitude. Dites-moi. Bon, normalement là, je suis au quartier donc ça risque pas d'avoir de problème, mais si jamais y'en a, dites-le moi quoi. Que j'essaie de voir ce qui je peux changer pour que ce soit plus agréable pour vous. Yo Mourad, ouais, ça va être. Il n'y a pas de fixe, c'est la mort. On est quelle heure, la 21h? Quel bail. Hey Jace.
Ouais. On a niqué les maras cet après-midi. Ah, ouais, vas-y, explique. On était sur traitement d'huile. Allez, à qui là? Les talags dans notre mine. Et en gros, bah, les maras sont arrivés, hein. C'est bien, on les a chauffés. On Ouais. leur a envoyé des photos de comme quand on était dessus. Ils Ouais. sont arrivés, on les a couchés. Et après, tu connais les cops, hein, les cowboys, hein. Ça, tu connais, hein. Pas besoin de Bien. t'expliquer. Il y en avait beaucoup, c'était combien, vous êtes combien contre combien? On est deux, là on est avec MD, on est re le convoi si tu veux Jamal. Je crois, nous, les F, on était plus ou moins 8, là, les familles, en fait, Ouais. ouais. Et eux, ils étaient pareils, plus ou moins. En vrai, pareil, plus ou moins. C'est kiff-kiff. Mais vous avez vraiment gagné ou tu me dis vous avez gagné pour faire la com? Non, non, on a gagné. Jure. Techniquement, on a gagné. Bon ça techniquement. Bah, moi, là, Twinkie, on s'en est sorti. On est donc déjà 3. On a perdu des guns encore. Ah, ouais, on en a perdu. Des barres, les maras aussi je suppose. Ouais, Ils en ont yo les perdu mecs. blindé. Ils ont pris plus que nous. Ils ont pris plus que vous. Yo Ouais. mec. Ils étaient plus que nous au sol. Ils étaient plus que 8 au sol. Ils étaient 8 à l'hôpital, déjà, je pense. C'est comme ça, ou en 11. Ok. Bah alors Ryan. Bah alors Ryan. Ouais. Yo Yount, viens. Oh un noir. Hein? Non j'ai dit il y a un noir. Attends je vais me prendre un petit pochon voir quand il y a des On clicos. peut. Ouais, vas-y. Ouais, je prends un petit pochon. Je vais le faire sniffer à Jamal. Bah Ah, je l'ai pas vu, je dis, d'habitude je suis soit je suis là en off en stream, soit je suis là pas vraiment mais je vois ce qui se passe ou j'ai les retours mais là ce soir c'était compliqué, enfin cet après-midi c'était compliqué. Bah alors, je croyais que les Marines avaient défoncé. C'est pas ce qu'on me dit. Bon reste du RP donc ça se trouve il me ment mais. Normalement niveau RP vous avez gagné. Mais sont la guerre sur la weed y'a pas de rentabilité. Qu'est-ce qu'il y a comme rentabilité à se tirer dessus là où tu fais de l'argent? Déjà tu te mets dans la merde donc Bon bah tant mieux, ouais. Après on fait d'autres trucs avec les marins, hein. Tant mieux. Ouais les armes, bah ouais. Ah faut que j'appelle les numéros, ça me fait penser. C'est bien avec Mourad, c'est qu'il est plus au courant que moi de ce qui se passe dans mon groupe, donc ça c'est cool, hein, on va se mentir. Oui c'est les flics qui ont gagné, c'est comme je disais, si c'est... Enfin voilà, que ce soit les marins ou les familles qui gagnent entre guillemets le 1 contre... Enfin la... Le truc, bah c'est toujours les flics qui gagnent derrière donc. Alors. Les maras ont gagné. C'est les filles qui ont couché tous les maras. Ah bah, les mecs. Si vous continuez à étonner que les flics se fassent coucher par les maras, je peux pas vous aider, les mecs. Hein. Enfin, les maras ou les familles, hein. Chez moi aussi, ça a dû se faire tirer dessus par les flics, hein, croyez pas. Hein. On a le même problème, hein. Après les flics au final ils se font chier donc comme ils se font chier. Mais vous étiez. Eh je sais pas si. Bon, vous étiez pas tous là hier c'est sûr mais checkez ma rediff. Vraiment. Checkez ma rediff. Et allez voir quand on voit les étasses. Regardez les clips avec les étasses. Regardez les clips qui ont été faits avec les flics. C'est du. Attendez, je vais vous les montrer. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous les montrer. Attendez, en bas, je vous les montre. Vu que là, il n'y a pas de flic. Attendez, pour ceux qui l'ont pas vu hier. Attendez, parce que ça, on en a pas parlé, ça. Mais attends, 2 secondes. Je vous montre ça en bas. Attendez, c'est ça? Je vais vous enlever le son. Parce que le son, on est en train de gueuler comme des cons à faire les commentaires qui vont sécher. Ouais, 10, mais t'inquiète, 10, c'est pas grand chose par rapport à hier. Quel bail, il m'a dit 10. Il a cru 10, c'était beaucoup. Attends. Oh, je pense qu'ils ont pas spécialement là. Quand ils vont sur la weed, ils font juste leur job, tu vois. J'ai détruit vos oreilles. Hier, tu veux dire? Ou maintenant? Attends. Celle-là. Yo, Rolex, bien quoi, frérot? Alors, les clips, c'est là. Ici. Clip de ma chaîne. Mais moi, je suis con comme ça, alors qu'ils sont sur mon Discord. Toi, je suis con. Je suis là, je me casse le cul à aller chercher dans mon truc Twitch, alors qu'ils sont sur mon. Alors que Soso il s'est cassé le cul à me les clipper genre. Quel type de gogol aussi? Le Curtix. Hier ah ouais j'étais trop chiant. Hop regardez. Donc en gros, pour remettre dans le contexte, nous on était en mode. Déjà je jouais pas la scène, donc je suis vraiment un débile mental. Donc déjà comme ça.
Bon bref, en gros, pour ceux qui savent, en gros, nous on avait vu des tirs et on n'était pas beaucoup et on se faisait chier. On s'est dit, on va aller voir ce qui se passe, mais de loin. Donc on était carrément au niveau de la messe banque. Vous voyez, on est super loin. Et en gros, juste là, c'est clippé, mais on voit les étasses, ils viennent d'arriver par le toit. Enfin, HRP, c'est les étasses. On voit les étasses qui sont sur le toit et ils commencent à quadriller ceux d'en dessous, tu vois. En bas, les quadrillent ceux d'en dessous. Je laisse voir. Je sais pas si vous voyez bien. Il fait nuit, mais ouais, ça va. En gros, les flics, ils arrivent, ils mitraillent, tu vois. Ils mitraillent et il y a les étasses qui sont en dessous, qu'ils ont push déjà, tu vois. Vas-y, va regarder. Ah bah ça. Allez, ils sont là, ils arrivent, ils les traitent. Hein. C'est. Regardez. L'escadron de la mort, regardez les étasses en dessous, ils courent et tout. C'est la guerre, mec. C'est la giga guerre, mec. Attendez. Quel bail, tac. Allez. Donc là, eux, ils se sont fait quadriller. Ils se sont terminés au sol déjà. Ils se sont fait terminer. Donc là, c'est après en fait. Qui sont arrivés. Là, ils font ce qu'ils ont à faire, les flics, normal. Il y en a encore un qui est tombé là, il y en a qui sont partout, enfin bref. Et ici, c'est la guerre, il y en a en haut, à gauche, à droite, enfin vraiment. Et là, pour moi, le meilleur moment, celui que j'ai le plus rigolé, c'est celui-là. Celui-là, il est incroyable. Regardez, en gros. Merde, je suis un con. En gros, là, on voit les états sur le teco. Et on dit, ouais, attends, les flics, les états sont beaucoup, ils peuvent encore faire quelque chose et tout. Et là, il y a un escadron, regardez. Quel moment, t'as une chance. Regardez. Non, après, normal, c'est normal que les flics viennent soulever les états, par contre, là, hein, c'est légitime. Hein. Ils sont juste défendre, mais ils sont arrivés à tellement. Oh là 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 là. Quel bail. Aïe aïe aïe, je te jure. Enfin bref, hier on a eu ça de marrant parce qu'on se faisait chier, mais en vrai on a rigolé grâce à ça. Mais voilà. Oh! C'est vrai, il y a des flics. Enfin, il y a des flics. Ouais, si, il y a des flics. Ça va, les mecs, hein, si vous voulez écouler un peu avant que le temps que ça arrive, tout le monde. Sratouki et Soura. Sratouki, j'ai pas envie d'aller voir sa rediff de toute façon. Je crois qu'il faut être sub. Et Soura. Je crois qu'il faut être sub aussi de toute façon. Ça va être combien aujourd'hui? Bah, un maximum, moi je peux pas te dire à l'avance. Regardez celle de Raiden pour cet après-midi. Mal, on fait des supérettes. Vas-y. Oh, les remis ça tire plus souvent. Hein. Je la regarderai peut-être après, là, juste on a un petit peu envie de teuf là, le temps que on discute. Non, j'ai montré une POV vite fait. Tu les as sur mon Discord. K, là, de toute façon, s'il faut. Et c'est un ouf. Je la marre, ma bite. Ouais. Non, mais en balois, tant mieux si on fait des trucs avec Mara. Mais après, faut pas. Sans vouloir faire le mec, tu vois, le chevalier blanc, mon cul là. J'ai juré, les flics, je les comprends, gros, ils sont trop yesh. Arrête, ça justifie pas de venir tirer comme des oufs, mais ils se font yesh, gros. Ils se font autant. En fait, nous, on se fait yesh. Mais eux, c'est pareil. Ils se font trop yesh. Le problème, c'est que vas-y, tu joues flic. Donc, bah, flic, malheureusement, tu peux pas arriver et tirer comme si t'étais un gangster. Encore plus sur la weed, en fait. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas qu'ils tirent, tu vois. D'ailleurs, qu'ils tirent quand. Qu'ils tirent en pleine ville, tu vois. Non, mais je dis pas, mais même, je te parle d'un point de vue, je peux comprendre qu'ils ont envie de participer, tu vois. Mais bien sûr, ça se fait chier quand même, mais 3-4, alors quoi, c'est pas toujours les mêmes flics qui sont les gars, soyez pas délusionnels. C'est pas toujours les mêmes flics qui sont sur les mêmes zones. Je parle d'un point de vue objectif, tu vois. C'est juste qu'en fait, voilà, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Déjà, les flics, ils perdent rien, tu vois. Ton perso au feu négatif, moi j'ai même pas me faire rigoler. Sauf maintenant, je sais que j'ai le seum de la. J'ai le seum, j'aurais dû faire AMP, je le sais. J'ai fait l'erreur de prendre un pet, maintenant je l'ai, nique sa mère, hein, si je te dis. Bref.
Qu'est-ce que je disais moi avant qu'on se foute de la gueule de mon pète de ma charpée là? Regarde la scène du bus, tu vas câbler les flics, vas-y, je vais regarder après. En bas, là, je disais quoi? Ouais, en gros, le truc c'est que bah, quand t'es flic, tu paies rien déjà. C'est-à-dire que c'est pas punitif. C'est ultra pas punitif. Les flics, déjà, ils sont là pour gagner de toute façon. Pas se mentir, hein. Les flics, ils sont juste là pour gagner. Sachez-le, hein, pour moi. Franchement, j'ai juré, tu connais quoi. Donc en bas, déjà, pas se mentir, c'est. Tu connais. Après, truc, c'est que moi, il y a une excuse que j'entends chez les flics qui est bonne, je trouve. C'est l'excuse de, ouais, on vient sur les tirs parce qu'il y a des citoyens qui sont. Citoyens qui sont en galère, nanana, tu vois. Ça, pourquoi pas? Mais frère, par contre. Oui, je sais, il y a des flics qui abusent, mais vas-y, tranquille, je te dis juste, voilà. Moi, ce que je comprends pas, c'est sur la weed en fait. Sur la weed, c'est un endroit, ils savent que c'est la weed. Donc, ils savent qu'il n'y a pas de civil sur la weed, tu vois, c'est de la récolte. Donc. Les flics qui ragent, si, ça peut rager, mais gros, les gars, vous êtes des. Vous commencez pas, vous êtes des. Tu peux rager, c'est pas la question. C'est juste, arrête, faut être honnête avec toi-même, frère, c'est tout. Ne dis pas, genre, t'étonnes pas de te faire tirer dessus si tu fais des trucs comme ça, c'est tout. Quel bail. Pourquoi vous rentrez en direct? Non mais ça c'est de la merde hein. Je suis d'accord comme tout le monde que c'est de la merde hein. C'est de la merde, bien sûr que c'est de la merde. T'es là, t'arrives banal et tu viens dans un gunfight sur une récolte de weed entre deux gangs alors que t'es policier. Si tu tires à vue. Et bien sûr que c'est de la merde. Attendez, on va regarder la POV. Je vends juste les petits pochons là, j'en vois un peu. Il y a le nouveau téléphone. Bah non. Il y aura une annonce. Pichu va faire une annonce, je pense. Bien sûr que c'est de la merde. Je vais regarder la POV de Raiden après, attendez. Il y en a, ils sont fous, je suis d'accord, ils sont malades. Ouais, je fais juste de vendre mes trois pochons, les mecs, et on y va. Vous avez qu'à vous sub en attendant, hein, bande d'enfoirés. Je vends mes trois pochons. Et on va voir. Envoyez-moi un MP le nom du mec ou on met dans le chat, je sais pas c'est quoi son blaze là. Ouais, après voilà, faut pas comparer non plus IRL parce que sinon tu vas plus jouer. Hein. Mais au-delà de ça, tu connais. Oui, bah après ceux qui parlent G, c'est des merdes, mais il y a pas que chez les flics, tu vois. Ça vend pas à forme, ça vend bien à forme. Hein. Raiden Tabogota. C'est. Ok, ouais, ça marche. Je vais regarder après. Hop, ça vend bien, ouais, ça merde. On va aller voir ça en bas, tranquille les mecs. Reste un pochon. Je sais pas si ça y a un truc de prévu. Ça va dépendre des autres groupes surtout, mais. Ah, c'est Lanzo. Ouais, les filles qui tirent à vue, c'est pas normal, mais bon. Vas-y gros, c'est pas faute de leur dire. Squall. Ah c'est Squall là en dessous. Je suis perdu, moi je crois que c'était. Oh là là. Alors, on va aller voir ça. Ça se passe comment les familles, vous êtes beaucoup moins. Que dalle, c'était juste hier. Hein. Là ça va aller, ça va revenir. Ouais, ton toc, ça va quoi frérot. Quel bail, vous m'avez dit. Quel bail. Comment il s'appelle lui? Sa mère. Je commence même à me spam de Raiden, c'est bon. Raiden Bogota, ça je suppose.
Alors, qui est cet individu? Ah, mais c'est un marat, je crois que c'est un flic, je suis un ouf, moi. Ok. Quel bail. Alors. C'est T'as vu la Wii? Attends, 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 attends. T'as vu sur la Wii? Sur la Wii? C'est sur la fin, non? Ouais, bien sûr, bien C'est sûr. avant ça, je suppose. Ça va être. Je le baisse sa grand-mère, la reine des Vas-y, putes, vas-y. c'est bon, bah. Vas-y, vous... dès que vous êtes prêts, vous nous le dites. Dès que vous êtes prêts sur le truc plage. Nous, on va faire contourner ici. Bien, faut qu'on commence à faire des trucs comme ça, Rafa. Apprenez. Est-ce qu'on fait pas notre meilleur stream hack pour pouvoir Visez pas anticiper sur les son strats? endroit. Faut qu'on éclaire plus. Vas-y, Hey, demi-tour c'est encore. le 4 les toits, à ton moment ils y sont déjà. Ouais, je sais, c'est pour ça, nous, faut qu'on soit vif. Moi, j'ai juste envie qu'ils me regardent, non, tu as Va compris? doucement, va doucement, Pablo, arrête de. Vas-y, dès que vous êtes vers la plage, vous nous dites. Et essayez de. Faites attention qu'ils ne sont pas derrière vous sur le parking, un truc comme ça, vérifiez tout. Et vérifiez aussi les petites buissons. Eh Rafa, écoute, hey, tu me couvres de toi, tu me dis s'il y a quelqu'un, je descends et je Rafa les pneus, c'est bon? C'est qui fait C'est la bon, com ok. là? Vas-y, guide pour moi. C'est qui fait la com depuis tout à l'heure là, il a dit Rafa, Le nanana. coffre là dans le C'est parking à qui? droite. Vas-y, vous êtes prêts? Yo, Vous êtes ils aiment prêts? bien, ça fera. Attends. Dis-moi quand vous êtes prêts. Là c'est Selec, putain. Je suis un ouf. Et insultez Guignette dans le chat parce qu'il est là sur le chat s'il vous plaît. Insultez Guignette s'il vous plaît. Insultez Vas-y, tout vous ça, êtes prêts? insultez tout Vas-y, ça, c'est You là attends, qui est là dans le attends, chat. attends. On dit Vas-y, qu'on est tire pas prêts. le feu, je tire maintenant, je tire Ah si, maintenant. vas-y, tire. Selec le crack. Ouais. On arrive de l'autre côté. C'est sur Vas-y, toi, c'est sur casse-toi, toi, c'est casse-toi, sur toi. tire Ouais, dessus, je tire casse, dessus, je casse, je casse. Je vais à la Attendez, mara, attendez qu'on ouais, soit tous là bah pour vite ouais. tirer. Attendez qu'on soit tous là. Ah c'est Soyez vrai, prêts. ils sont sur les toits comme j'ai dit. Baisez les mecs sur les terrains. Baisez les mecs sur les terrains. Ah c'est bien. Ouh là là là, Un ouah, down, un down, un aïe. down. Ah, il a mis Tarish, hein. Il a pris chaque fois c'est Spencer, mais. Oh je suis pas sûr qui c'est. C'est qui? Ah, il a pris une. Oh là là, il a pris la foudre. Je reconnais. En face, en face, en face. Reculez, Il y a déjà reculez, les reculez sirènes, un il y a peu. déjà les sirènes, Dis-moi, je suis reculez un peu, mort. reculez un peu. On va retaper après. Reculez un peu. Arrêtez d'essayer de vouloir, je sais pas quoi. Un touché. Vas-y, check toi, Iker, check toi. Un touché. Je crois que j'ai down Uzi, j'aurais préféré tuer. J'ai down Uzi, ça... je suis mort. Un down. Derrière, Wow, wow. derrière. Ah ouais. Aïe, sa mère. C'est des flics ça derrière? Derrière nous, Non. derrière nous. Je jure, c'est des flics? Non, c'est pas les flics là, sa mère, j'ai c'est. Bien, bien. Non, ça c'est les mains, c'est chez nous ça, c'est chez nous ça. On va encore au milieu ou quoi? Non, c'est chez nous ça. Sa mère, j'ai mal. Go pêcher, go pêcher ensemble. Je suis derrière toi, vas-y go. Ah, Rien, il a rien, dit rien. go pêcher. J'ai juré, go ticket les gars, c'est bon, screené. Il a dit go pêcher, on va ticket. Baisez-lui sa mère. Down, down. Avancez, il a dit y en a down, un à go gauche, ticket. À droite. Ah, sa mère. À gauche, à droite. Ok, un mort de plus. Yet. Un mort de plus, yes. un mort de plus. Il a dit un mort, il a dit un mort, go ticket. Un petit. Ah bah. Fils de pute, me tire pas dessus. Ok, gardien à terre. Attention la guardia, les piquez pas les gars. Ouais, Guignette, regardez, insultez. A ta droite, il y a une voiture de guardia, tu sais. Oh la Guignette. Attends, attends, elle me tire dessus, là. Attends. Encore un Tu m'as dit quoi, MJ? Elle t'occupe de tirer, attends, je prends ses chargeurs. Mais il restait une niasse sur le. Allez, bah, vas-y, vas-y, on bouge alors. Côté nord, les gars, il faut que les motos. Y'a la guardia aussi, hein. La guardia avec vous les fumez. Y'a la guardia, eh, côté nord, faut les baiser. Il est nul, Guignette. Ouais. Ah, sa mère, je suis mal. Ah, piste. Pareil, j'ai mal là. Je vous fais confiance. Ah, sa mère. Il reste qui, les gars? Ah, sa mère, faut venir m'aider là. Je suis dessus là. Je peux pas m'échapper, ils vont me baiser. Ah, j'ai mal. Ah, sa mère. Ah, je suis mal là. Pareil, pareil. Ah, fils de. En vrai, là, il se laisse tomber, c'est légit. Hein. Il aurait ah, dû se laisser tomber. Hein. Il aurait dû jouer son pain, il se laisse tomber et tu vois, il. Je sais pas, genre, parce que là, vraiment, il a une barre de vie, il va jamais s'en sortir, tu vois. Ouais, ils vont tirer dessus. Autant qu'il joue le mec en mode il a mal et au moins, tu vois, il peut peut-être s'en sortir, mais je sais pas. Parce que là, vraiment, il était au fond du trou niveau. Moi, je peux plus bouger, on attend qu'ils arrivent. Niveau HP. Ah, en terre, de Poyos. Ah, ça me bien. Eh, te défends pas, t'es tombé, c'est tout ce qu'on voit. On est sur un chat Twitch, là, on est sur Twitch. Hein. Tu crois qu'on va écouter des excuses? Eh, t'es tombé, c'est tout. Ils vont pas avancer là, vite, non mais.
Ah oui, en plus, le mec il a un pixel d'HP, il pique sur deux flics, ce fou. Il pique en plus, hein, il continue à piquer. Hein. Mais il reste derrière ton buisson, ça l'enculé. Oh sa mère. Mais lui, pourquoi tu piques, wesh? Mais lui aussi. Logique, frère. Je pouvais pas. Dommage. Putain, j'étais trop mal, frère. Parce qu'en fait, là, si je courais juste là, je courais, juste devant moi, je me faisais baiser, frère. Parce que de toute façon, dans tous les cas, j'étais baisé. Iker, ah ouais, Iker, dommage, frère, il s'est fait baiser. Il est mort là, non? Ouais, là. Dans tous les cas, je me faisais baiser, frère. Je pouvais rien faire, gros. Ouais, voilà, c'est une puce, ouais. Dommage. Bon, ça, c'est du loot du mec qui te met les uns sur les autres, on connaît. Ça, les médecins. Le bus. En plus, le bus, ça fait un bout de temps. Hein? Attends. Ok, il baille. C'est là ou c'est avant? Attends. Donc, ouais, merci JS de m'avoir fait passer général. Ouais, je vais niquer tes mères avec ça. Ouais. Quoi, Gnut? Ouais, je vais le descendre, Gnut, il sert à rien. Quoi? Ça c'est une... Non mais y'a Magic. Putain. Ça y est, qu'est-ce qu'il fait? La vie de ma mère, tu fais le tête de ma mère, c'est ça, tout seul lui. Voilà, bon. Je pensais que vous étiez des hommes chauds, moi. D'accord. Allez, dépose-nous à le Bengsu. Vous connaissez pas, moi j'ai un coup que je vous dépose au quartier. Hein. Vas-y, porte tes couilles. T'as pas les couilles. Qui pense que c'est une salope qui va pas le faire? C'est une grosse salope. Pourquoi y'en a pas un qui se lève, il se met à côté de moi juste pour montrer un peu de comédie là? Eh, la vie de ma mère, maintenant je vais me lever et je vais braquer à droite. Braque à droite, tu vas faire quoi? Braque à droite. C'est carré. Avance, fils de pute. Continue, encore. À gauche. Braque à droite, Accélère, à droite, voilà. Ouais, merci. Ça, pareil. Ça n'a aucun sens. Ça, pareil, bloquer une voiture de. Bloquer un bus avec une voiture, je comprends pas, mais bref. Mettez des claques là, un peu dans ce bâtard là. Je comprends pas en fait. T'arrêtes pas. Même sur l'autoroute, fais pas ça, wesh, c'est un bus, wesh. À gauche. À gauche encore. Non, ça va rafale. Oh, elle a tiré. Je l'ai vu, le clip du flic, je l'ai vu, les gars, je l'ai vu. Je vais commencer à alimenter du drama, mais je l'ai vu, c'est n'importe quoi. Continue. J'ai vu. Il lui dit pit, et l'autre dit pit. J'ai vu. Gauche. Alors qu'en vrai, la scène elle est rigolote, genre tu passes un moment là. Même t'es. Tu peux pas niquer sa mère, vas-y, descends. Non, tu te racontes, arrête, continue. Tu vas mourir, ils vont tirer dessus. Espèce d'enfoiré. Oh merde. Oh, vas-y, ça y est. Mais c'est un bus, frère. Ça y est. À gauche, gros coup à gauche là, foiré. Ça y est, frère, j'arrête. Faites le freiner, c'est bon, Ouais. Non, en vrai, le vrai bail son, frère, c'est... Vas-y, tranquille, je bloque pas avec le bus, wesh. J'aimerais qu'il réussisse à se barrer de débat.
Je sais pas, gros. Moi, je comprends pas pourquoi. Ouais. Bref, comment. Je sais pas, les mecs, je vous jure, je sais pas. Quel bail. Bon, vas-y, je vais appeler Liam. Parce que... Hello, Dice. Hello. Ouais, excuse, j'ai tiré de... Ouais. C'est quand j'ai les Beretta Man, parce qu'on en a besoin, c'est la galère. Ouais, ce soir... Oula, attends. Mmh. Réessaye, prends un manteau en balle. Ouais. C'est mieux, là. Ouais. Dans la logique, ce soir, c'est bon, en soi. Vas-y, ok, bah... Je sais pas, okay. Putain, il est déjà 20... Oh là là. Bah... ouais, bah, plus tard dans la soirée, tu vois. Allez, c'est mon courant, vas-y. Yes, vas-y. Plus tard. La grande tante a Jamal. On est d'accord. Lui, il arrive à écrire, genre. Spencer, viens, va faire une supérette. C'est bon, viens, juré. Elle est à quelle? Viens, quartier, bloc. Viens, bloc des 4 là. Quoi? Ouais, on va faire une supérette en balle. Jure, t'es d'accord? Je bouge si je veux, connard. Demandez de pas parler radio, LG, merci bien. Il y a les, si vous voulez, il y a les Vagos, il faut une supérette là, celle de Vinewood. Oui, bah les couilles. Et bah les couilles de Vagos, clairement, on s'en fout de leur vie. Déjà, je croyais qu'ils étaient dans leur barrio. Tellement rare en ce moment. Bon. On les a frappés aujourd'hui, on a gagné un territoire contre eux. Il y a c'est une qui heure. Qui a utilisé la Turismo Air Custom là? Eh, vos mères dans la radio là, vous parlez trop là, vous rendez fou là. Clairement, fermez vos gueules, hein. C'est pas votre vie hein, ici. Hein. Clairement, fermez vos gueules. Voilà, dis-leur. Voilà. Ok. T'es où, Spence? Les voir la maison dit. J'ai juré ce petit sale. Ouais, c'est trop leur. Ouais, insultez Ross aussi. J'ai juré, insultez-le là. C'est bon, y a la moitié des familles, c'est des DVM aussi. C'est bon aussi. Je vous tolère, mais c'est bon aussi. Ça va. C'est trop. Quel mec. C'est mon terre-terre, c'est à moi ça, logiquement. Là, je vous jure, on en est là quoi. Vas-y, le temps que tout le monde se réveille tranquillement, là, il y a quelques personnes encore qui vont arriver là d'ici 5-10 minutes. Vendez tranquille et faites de supérettes. Et vas-y, on change. Racontez pas vos vies dans la radio, s'il vous plaît. Agile, c'est un MJZ. Tu sais que je sais même pas c'est quoi un MJZ. MVP, c'est eux, il y en a une deuxième. Je suis tellement pas au courant des trucs, je sais même pas c'est quoi. Je sais pas à quoi ça correspond, je sais pas c'est quoi, genre. Vas-y, t'as un réussir, parce que moi j'ai une amende de 10K à payer là. Man, je suis imprenable. Stop. Ah bah j'espère pour toi. Voilà, ça fait très très longtemps que j'ai pas été tapé sur une supérette. Hein. Sinon j'ai l'ONI là qui m'a appelé pour me dire que c'est bon, ils reprenaient le business de la coke. Okay. Et qu'on avait 500 de coke pour nous ce soir. Ouais bah ils nous aiment maintenant vu qu'on leur a rendu un vrai service en vrai, hein. Pas croire. Hein. Hmm, on leur a rendu un sale service. Hein. Bah ouais, bah c'est 500 mais il faut les payer quoi. Yeah, yeah. Bah voilà. Vous me trollez quand vous dites ça là? Ça veut vraiment dire ça? Je vous crois pas. Ça veut dire je l'ai baisé. Je vous crois pas, vous êtes trop là. Okay. Et j'ai eu Liam, les guns ils vont arriver ce soir normalement. Ok, loin. Chez qui? Madrazo ou... David, ah, oui. Mais c'est grave. Non, je crois pas. Tu peux répéter? Non, les Madrazo c'est dans un ou deux jours à peu près. Ok. Il y a MD qui m'a dit ça s'est encore tiré sur la wood là. Oh ouais. Quel bail. Les marins et. Ils sont venus nous assaut, ces enfoirés. On les a niqués, on les a soulevés. Jure, tant mieux alors. Attends, les marins, après les cops, hein, comme d'habitude. Hein, ouais, venus... ouais, bah, je me doute bien. Et après, on s'est retrouvés dans un bus. On s'est évadé, mon pote. Enfin, jure. On a fait une tentative. Ouais, t'as pas réussi au final. Ah ouais, bah, allez, tu connais. Va faire l'argent, Spencer, là. Allez. Attends, tout le monde là. C'est grave. Passe des cubes là actuellement. C'est vraiment dire mon gros. Mais... Vas-y, on va le vendre nous aussi. Hein, donc. Ouais, tranquille, dans 5-10 minutes, il y a du monde qui arrive encore et puis c'est bon, on bouge. On fait si des balles. Il y a une deuxième Turismo R à voler. Hein, place des cubes. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Non, je sais pas, il y en a joué. Non, t'inquiète, une c'est suffisant, large, t'inquiète. T'inquiète. Je vois qu'il y a des fans. Oh fils de pute que tu es. Je l'ai vu, la grosse. Ok, c'est MK. Un suceur de marin, ça met du bleu
Et ici, ça fait le bonhomme. Sur Vinewood, ça travaille dans une putain de supette. Mais t'as pas pu être recruté par les marins parce que t'es une petite merde. Du coup, tu travailles comme une merde. Bah, moi, je vais tout vous ont baisé, ouais. Peut-être, du point de vue de Quincy, j'avoue, ils ont baisé. Hop là. Tranquille, hein, c'est un prêté pour un rendu, comme on dit. Donne-moi ta thune, fils de pute. Il crache ou pas? Ah, laisse-moi négocier avec lui là. Oh, c'est bon, ils sont pas pressés là. Je sais pas, je te mouche. Quoi? Ouf. Alvaro, c'est bon, je rigolais, t'inquiète. Arrête, Alvaro. Je vous crois pas, mon Rosy, c'est trop. Non, je crois pas. Non, c'est trop. C'est trop, non, je vous crois pas. De quelle maille? Non, je vous crois pas. Je vous crois pas, mon enfant. Cherche de la cam là, à vendre là. Comment ça, mon gros zizi? Quel bail? Quel bail, mon gros zizi? Mon gros gag, ouais, c'est ça, ouais. I love you, my boy. You and me. Ah, y'en a, c'est comme des VM, hein. Des VM, on me donne deux versions, hein. Bah, je sais pas, t'es là pour mettre des coups de pression au quartier, y'a du monde, hein, mais pour faire peur à Alvaro. Qui a pris notre primo là, les gars, vous cassez les couilles, hein. Mais ils ont couché personne. Bah c'est la vie hein, des fois t'arrives à coucher, des fois t'arrives pas. C'est ça le jeu hein, on peut toujours gagner frère. Yes, hein. Secours. Tu veux que je le fasse que tu m'as l'air pas ouf. T'es où German? Ouais bah je t'entends frère, mais t'es en galère là. Yes. Viens on va voir mon jeu là, c'est bon. Là où on était. Il veut mon cul. Arrête sur la wii, c'est plaisir, vraiment plus ça. Facile d'attaquer que de défendre. La dernière fois qu'on avait attaqué contre les maras, c'était beaucoup plus simple pour nous. Hein. Quand ils sont bloqués dans la réalité et tout, c'est une galère. Quoi, quoi. Heureusement qu'ils gagnent, en réalité. Oh, enfin, mon frère, reste tranquille, reste flex, tranquille. Oui, reste flex. Vas-y, viens, Spencer. Yeah. Restez mais flex, arrête de gueuler, gros. Viens, on va avoir Manjula. Lui, vas-y, t'arrives pas, lui. Il va me niquer, yes. Un secours, je peux pas sortir, il m'a pris en otage. Vas-y, quel. Allez. Yes. Au secours! Il te braque là, je le vois, il te braque! Oui! Et j'ai pas peur, j'ai pas peur des armes, je suis en familise. Hop, voilà, c'est bon, allez. Ouf. Allez, on va faire vraiment de jouer là. Ça la rêve normalement. Hein. Tout le monde a la rêve dans le chat, à mon avis. Bon, tu vas me faire des thunes là, Spencer, ou c'est comment? Quoi? Tu vas faire des thunes ou c'est comment là? Là, tu fais le gangster, t'arrives pas à mettre des. Moi, je suis en vacances, ok? Ouais. Moi, je suis en vacances cet après-midi. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça. Ouais, là, si tu savais les galères que j'ai eues, laisse tomber. Ah, bah ça. Putain, dépression, frère. J'ai pas dormi, je suis dans un état. Laisse tomber. Moi aussi, je dors jamais. Non, mais ça fait 25, plus de 24 ans, j'ai pas dormi, sa mère. Et j'ai mon cerveau, il. Non, c'est tranquille. Je suis pas bien. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme, Diaz? Ticket, de toute façon. Bien, ce soir, on fait la Pacific Bank. Moi, je suis grave chaud sur un flic aggro. Et je suis en train de réfléchir à un plan où on va être tous dedans, j'ai juré. T'inquiète. De toute façon, je vais l'imposer et t'auras pas le choix de dire non ou oui, les autres non plus. Baise leur mère. Eh les gars, je veux trop faire une flica, mais une vraie flica avec tout le monde dedans. Ou... Pas juste une flica où tu fais comme d'hab, tu fais 2-3 mecs dedans et je vais vraiment faire une flica avec tout le monde pour que tout le monde puisse participer. Mais vas-y, frère, c'est galère de fou. Et les flics en plus, ils rigolent pas. Hop là. Mais arrête, j'ai pas signé pour ça, moi. Vas-y, frère, c'est qui brage 26 de pute. Je veux juste ta thune bébé. Oh bébé. Oh bébé. Oh bébé. Yes. Un peu comme tiré dessus. Je crois que c'est pas autorisé de fliquer en même temps, Flo. Je suis pas sûr mais. Y'a v'là les keufs au truc où il y avait les Italiens là où on s'était fait péter là. Tu veux en dire plusieurs? Putain, à ce moment, moi je m'en bats les couilles. Enfin... Le truc de Vespucci là. Ouais. Ah, moi je veux pas me faire rafale, je veux faire un plan où justement tu peux jouer un truc intelligent, tu vois. Allez Spencer, vas-y, courage. Ouais, mais.
Elle est trop love de moi. Elle veut mon cul. C'est trop, hein. Adiez. Ouais. Et je vais me présenter aux élections. Jama, je crois qu'on va bouger. Tu penses que tu veux être élu? Je vais devenir le gouverneur de cette ville. Pourquoi tu veux bouger, mec? Chien. Les cryptos, ils me la prennent pas cher. Là. Truc de ah, vas-y, moi j'ai beau là. Tu veux pas déjà ta classe super, t'as pas, on verra. Ah, c'est bon. Ah, elle veut pas cracher, hein, sa mère la pute. Y'a un mec sur son téléphone en face là, de toute façon. Si vous voulez, j'ai vu un balas vente pas loin du quartier là, près du Béniz. Ouais, tu sautez-le, hein. Il va s'enfuir banal. C'est chez nous, hein, vers le Béniz. Je suis pas loin. C'est derrière le chantier en fait, là où il y a des rails. Je mets la farce et vélo. Hein, hein, tu prends des photos, ça? Tu prends des putains de photos sur moi, c'est ça, mec? Ouais, ouais, bah c'est ça, t'es sur ton téléphone en train de prendre des photos sur moi, c'est ça? Ouais, je suis en train de téléphoner, gars. Ouais, t'es en train de téléphoner. Fils de pute. Un mec intéressant, encore une fois. Ouais, tu le retrouves, tu l'écrases. Prends l'autre côté, LG. Oui, d'accord. Yeah, yeah, bien sûr. Prends l'autre côté. Ah oui, bien sûr. Oui, ouais, t'inquiète, c'est ce que j'ai fait. Je l'écrase. Il arrive là. Bien sûr que tu vas l'écraser. Bien sûr, ouais. On l'écrase. Ouais, mais il va pas s'arrêter. Logique. Logique. Faudrait déjà qu'on croise les gens. Regarde, après 50 tentatives, j'ai enfin mon permis. Jure. Eh ouais, Néo. Tu veux pas... vous êtes tombé sur le balas, là? Ouais, on est trop autour. Il tourne autour en moto, il s'est arrêté. Ouais, il s'est arrêté, c'est bon. Non. Ouais, bah, il pédale, frère, il pédale. Ouais, bah, je suis le jusqu'à qu'il s'arrête, hein. Ça va pas livrer des centaines de trucs. Bon, oh, mais là, il se fait tirer dessus, il arrive pas à la passer. Hein. Courage, Spencer. Il se fait tirer dessus tout à l'heure. Ouais. Hey, il veut pas. Bah ouais, mais. T'abandonnes, hein, si t'en as marre, hein, si t'as pas le mental. Hein. Incroyable. Pas le mental, ce garçon. Ouais, faut qu'il y a Nord-Sud, mais bon, tu connais. Moi, je voudrais réfléchir à un truc, mais. Pff, c'est pareil, gros. Lui, c'est. Le problème, c'est que c'est punitif de ouf, gros. Tu peux pas y aller avec trop de guns. Oh, on fait quoi? On lui met un pied bouche ou c'est comment? Il s'arrête. Non, pas, non, 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 non. Vous le mettez pas de pied bouche si vous êtes en moto, ça pue sa mère. Ah, il veut pas s'arrêter, on l'entoure, on le bloque et il continue. Vous êtes vers où? Vous êtes vers où? On est parking rouge. Bah, y en a un, il va chercher un gun. Vous passez à côté de lui, tu lui mets le pétard. Non, mais il y a du renfort, c'est bon, c'est bon. Il y a du renfort, c'est bon, allez, c'est mort. Vas-y, viens, on bouge et c'est bon, viens, on bouge. Vas-y, on va arriver avec MJ, prenez des guns, c'est bon. Go, les choquer, c'est bon. Vas-y, pareil. On va faire pareil, on arrive. Vas-y, dis. Calmez-vous, commencez pas, radio. Écoutez, tranquille. Ceux qui sont en moto, là, qui suivent le balas, là, regardez-le en vue. Même s'il y a des renforts, faites en sorte de pas vous faire péter quand même, mais tranquille. Et les autres, allez vous équiper et on va les sauter, c'est bon. Ils vont faire un retour quartier. Ouais, ils font pas de retour quartier. Ouais, frère, deux primo, trois bécanes, frère. C'est pas grave. De toute façon, vous allez tous fermer vos gueules maintenant. C'est pas la radio de votre père ici, donc vous allez tous rentrer au quartier. On va tous s'équiper tranquille. Maintenant, on va commencer à reprendre les choses sérieuses. Tu viens de contre-coup ce que demandé. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de nous barrer à moi. Ils gardent le visuel dessus. Ils voulaient garder le visuel dessus, mais vas-y, voir tranquille. Ah, mais faut rentrer au quartier, man. Ah, mais s'il y a une moto derrière, ils diront pas faire un retour, c'est ça que je veux te dire. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'il y ait une moto qui reste derrière. Mais vas-y, nique, t'as ton. Mais s'il y a toujours une moto sur place qui a un visuel, voilà, en fait, comme Jamal l'a dit, vous gardez un visuel là. Dernière info, place des cubes. Vas-y, bref, on va les choquer ce soir. J'ai. Aïe, c'est hyper. Sinon, tout le reste, tous ceux qui sont pas concernés, vous allez tous vous équiper. C'est fini la vente, maintenant, on reprend les choses sérieuses. On va niquer le DMR. C'est carré, je range la voiture. Je l'ai en info RP avec les Irish, ils sont plus copains que la Santa et tout. Si. La vente au quartier, essaye de privilégier les gradés. Ouais, non, mais je sais, non, j'ai vendu juste un gramme là, c'est parce que c'était à côté, t'as vu. Attends, je te bloque. Pas trop. Non, c'est le seul que j'ai vendu, j'étais pas. Elle est pleine ton équipe ou pas, Jamal là? De quoi? Elle est pleine ton équipe? Non, mais c'est dans son équipe de base, de toute façon. Ouais, mais je demande quand même. Un peu con lui, cherche. J'ai entendu balas, tir, hop, on y va. Non, tu peux pas passer, je te bloque. Si, je te bloque.
Si, je peux passer. Non, non. Il faisait quoi le balas, il vendait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah c'est bon là, ils ont fait un retour quartier, ils sont garés à Groove Street là. Attends, on va ranger la caisse. Je peux la sortir la mienne de caisse là? Comment? Vas-y. Je la sens. On doit aller chercher en fourrière. Hein. Vas-y Jason, tu peux. Mais pourquoi il manque des véhicules? Vas-y, bah, go voir alors. Pour ceux qui manquent, moi j'en ai une là. S'il faut aller chercher en fourrière, il me faut juste quelqu'un et je vous les ramène de la fourrière. Viens je suis chercher, en moto, je passe prendre. Ok, vas-y, t'es où? Carwash. Vas-y. Vas-y, bon, du coup. Oh, on n'a pas l'info sur. T'es où, Cody? On va attendre tout le monde. Okay. Carwash, j'arrive après le convoi. T'es où? T'as pris des balles ou pas? On va attendre tout le monde. Non, j'ai rien pris du tout. Je pense. Non, après le convoi, bien. Il y a un backup. T'es où, Yo? Je suis carouche aussi, j'arrive. Derrière toi, frère. J'arrive, je suis à Yep. Du coup, je vais attendre ma voiture. Ouais. Comment ma voiture? Moi, j'ai déjà mal à la gueule. Okay. Alright. Ouais. You skip. Je sais pas, j'ai pas vu. Je récupère. On commence à tourner comme ça parce que. Des maisons égyptes. Je vois rester skip, il est un peu con. Il y a du monde derrière, mais j'ai pas vu skip. Genre début de ruelle qu'on voit. Bah, y a un noir là. Sanchez. Ça doit être un de ces noirs par ici. Putain, le seul noir qu'on cherche, on le trouve pas, hein, c'est grave. Voilà, tellement de négro massif, incroyable. Bah ouais mec, hein, faut bien qu'ils sortent. Ça me parle ça. Et merci à toi Spencer. Ouais. Et moi Spencer? T'as pas d'armes toi? Si. Y'a que moi le bouffon de l'arme. Du coup c'est bon, vous avez tout récupéré, y'avait quoi en fourrière hein? On peut te le faire avec Young. Ouais ouais les mecs, bien, ouais, au calme hein. Hey Spencer, y'a ton daron. Hey papa. Très papa. C'est moi qui ai ou il y a un mec qui ressemble à Uzi il y a moins 20 ans. Bon, dans le garage. Non, il nous faut deux personnes. Forme de motors. Vas-y, je vais aller à pied. Tu vas à pied. Ouais, ils déposent les deux là. C'est Forum Motors LG1, donc à pied c'est loin. Ouais. Forum. Ah non, c'est l'autre. Oui, non, vous êtes à l'autre. Ouais, c'est l'autre. Ouais, c'était là. Non, en tout cas. Pas mal. On prend en compte ta détermination et ta réactivité, LG. Il aura oublié dans 2 minutes. C'est bon, t'es que LG. T'as corrigé de. Oh, on n'attendait pas de moins que lui. Je suis même pas sûr qu'il sait comment allumer sa radio. Vas-y, comment c'est toujours que d'orange là ou. Non, normalement c'est bon. Normalement. Ouais, normalement. Ok. Puis vas-y ramène ton cul, tu vas monter avec la weed et tout. Ah tu connais hein, là il va y avoir un mec qui va tirer sur un pigeon dans la rue et... Ça va être code rouge. Ça va être code noir hein. C'est ça, mais c'est tout le temps ça de toute manière, chaque fois qu'il y a des tirs ils mettent le code de je sais pas quoi là. C'est pour donner bonne conscience. Ouais, c'est pour tirer à vue après. Pour qu'il soit dans les règles de l'art. Vas-y prends la caisse qu'il faut. Ouais. Y'en a une autre ou pas? Y'a que celle-là? Je sais pas où il va Moon mais il est un peu... Eh, y'a d'autres caisses à sortir ou pas? Oh, Young, ta grande tante. Je parle pas en radio. Et il est à côté de toi. C'est bon, j'en ai ramené une. Vas-y. Voilà. Je suis relais qu'on voit, viens. Bah, monte. T'es où, j'ai un mal? J'arrive au quartier là. Tranquille, on arrive avec 3 primos là. J'ai ma moto 10. Allez, go. On arrive à récupérer tous les primos là.
Ouais, ouais. Je suis là. Venez devant du coup, skipper. Vas-y, moi je suis un peu clos. Ouais. T'as bien vu, skip. Vas-y, comme ça, moi je fume. Vas-y, si t'as le temps, de toute façon, je pense. Ça va dans le temps? Parce que moi je fume un peu clos aussi. Le truc, c'est que les balas, on allait baiser, mais. Ouais, ils sont ils ont là, ils ont été appelés pour un barbecue au quartier, c'est ça. Entre autres. Qu'on a le temps de fumer. D, je suis heureux aujourd'hui. Vu comment t'étais casse-couille hier, tu sais pourquoi je suis heureux? Parce que sur la console, ah ouais, j'ai gagné 4 parties d'affilée. Waouh, incroyable! Tu avais dit que ça tournerait? Ouais, attends, faut pas trop savoir ça. Bah, ça a déjà tourné, 4 d'affilée, c'est bien déjà. Si t'en fais 4 d'affilée, une perdue, tu montes. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est va fumer ta clope avec Jamal, faites-vous un spa là. Qu'est-ce qu'elle est moche sa voiture, ouais, c'est grave. J'hésitais à descendre et à shooter au pétoir. Hein. Mais pourquoi tu l'as pas broqué? Parce que j'avais pas les. Ah, du coup, là c'est bon. Attends. Bah, moi je lui dis, on est tous armés. Et il suffit juste, tu veux quoi? Tu veux qu'on sorte? Il parlait pas, le mec. Je mets rien. Bah, ok, bah, je me tais alors. Parce que j'écoute ma musique. Okay, jure! Oh les grosses cernes que t'as, Jace! Oh là là! Tu dors pas un jour, t'as pas dormi. Tu dors pas, attends, ça se voit, hein! Depuis... Ça se voit, tu dors pas, fils! Ouais, je t'ai vu, je traîne au quartier, je t'ai vu! C'est qui t'appelle fils? Non, derrière! Jamais, toi, jamais! C'est là, avec ton gazon sur la tête, là, tu vois! Oh! Ouais, c'est vrai, t'as raison! Bah, il a raison, c'est Logi! Ouais, il a toujours raison! Faites déjà vos équipes, les gars, s'il vous plaît! C'est bon, elles sont pas ton équipe! Par contre, faut dormir, hein, je suis en dépression quoi! Il bigle pas un peu? T'inquiète, là, ouais, j'ai le mental, hein. Je les tiens les nuits blanches, je rends pas fou. Ouais, on verra dans une heure ou deux. Ça va pas tirer en l'air, ça va faire une Spencer. Spencer? Ouais, frère, me comprends. Ouais, tu connais. Comme ça, ils disent. Ici à qui? Comment ça, tu les connais pas? Ils sont où, Skip et Diamal? Ils sont dans ma voiture devant, ils sont prêts, pas de problème. C'est devant, ok, ouais, bah, vas-y. Vas-y, bah je vais prendre MD. Ils prendre... sont Tech9, Uzi, il va se réveiller. Il y a Uzi, il va arriver. Ils vont arriver, donc tranquille. Oui. On fait déjà ça, on va dire bouger, et puis tranquille, on bouge à 4 voitures et c'est bon. Ouais, go les choquer là, les passes. Vas-y. Hein. Je vais ranger une de Climo là, cette là. Jace, Uzi, il est là, il est juste en train de parler. Toujours gentil. Ouais, il avait déjà les journalistes. Mais file lui sa Primo, non? Ouais. Il y a un problème. Problème. Ah, c'est pas celui-là le numéro. Ah, normal. Hein. Allô. Ouais. C'est le Family's là. Bon, c'est un peu galère ces derniers temps. Là, vous êtes disponible ce soir ou pas? On va pouvoir, ouais, là on a un petit truc à faire vers 23h, on peut se faire ça. Ok, ça marche. Vas-y, go caler ça à 23, vas-y. Vas-y, 23, je te rappelle pour confirmer si jamais 22h30, je te rappelle s'il y a une galère. Ok, vas-y. Vas-y. Non, 43 ça peut aller, mais c'est seulement bien, si. seulement si on est beaucoup, tu vois. C'est là, et bah c'est bon, non. Ok, vas-y, bah hop. C'est juste au journaliste, du coup, ça. Du coup, ouais, je pense. Putain, avec qui, moi? Mais t'es en connivence avec personne, toi. En gros, ils ont fait une connivence et vous permettiez de manquer de respect à la team smoking, tu vois. En gros, vous étiez en connivence. Excuse-moi, Spencer. Depuis quand je parle sur le dos des gens, moi? Ouais. C'est ta caisse, là. Toi, tu parles pas, mais c'est ce que l'autre a insinué. Donc, t'es sûr ou t'essaies de foutre la merde? Elle a baisé ta caisse, c'est ce qu'on m'a dit, négro. Non, ça va, elle roule encore. Sinon, je te le dirais pas, je m'en fous, moi. C'est bon, vous baillez de tir, là. Bah non, on va le niquer, on va l'attraper, de toute façon. Parce qu'il est pas malin. Parce que Cody dit que je parle dans le dos, donc je vais lui fumer sa grand-mère, ça va être fait. Oh là là, c'est faux, pourquoi tu fais c'est faux, le mec c'est vénère. c'est faux, arrête. Young, avec ta vieille casquette, tu sais rien faire à part rappeler. Young, viens avec ton équipe, Young, tu viens formateur. Tu pas dans la merde pour rien, vas-y. T'inquiète, on va planter un Jace. Ah, ouais, un Jace, on va planter ça dans le camembert, t'inquiète.
Vous avez fait Cody. Les équipes sont faites là. Il y a juste l'équipe Tech9 et ils doivent récupérer Uzi qui est avec les analystes, sinon pas bouger. Pas ce qui se passe. On devait pas. C'est un zombie. Jamal, tu veux conduire ou pas? Jamal, tu veux conduire? Vas-y, laisse le devant. Ah, tu veux pas conduire? Non, je veux conduire. Elle le laissait pas conduire. Il a fait une nuit blanche. Mais frère, vous croyez que je suis quoi? Vous croyez que j'ai 8 ans quoi? Oh, tu conduis? Oh là 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 là. C'est vraiment des noirs idiots. Attends, ils veulent la bagarre. C'est vraiment des noirs pas intelligents. C'est. Calme-toi, Jason, calme-toi. C'est vraiment les mecs cons. Il t'a dit hey! Hey, il a pas. Hey! On va où là? Je sais pas pourquoi tu les suis. Bah, je sais pas s'il part, c'est qu'il y a une raison. Hein. J'ai rien entendu. Yeah, c'est au coup les mains bien. Radio, il y a eu un coup qui a été fait là parce que vous partez du quartier chacun dans son coin. What's up, t'es où? Ouais, ouais. Écoutez, Los Santos. Écoutez, chacun tourne où il veut, on se disperse et on tend. On va essayer de chercher des mecs qui vont en priorité des balasses. Ok. Toujours pas ce saut, j'ai pas la réponse. J'attends la réponse, mais je l'ai pas. Et si je tue des balasses ce soir, je serai le plus heureux de la Terre. Clairement. C'est qu'ils ont fait quoi en fait? Vas-y, tu me va au quartier, prépare-moi une primo, j'arrive avec LG. Vas-y. En gros, il y en a un, ils vendaient, je crois. On arrive au forum moteur, ils sont tombés à 3 sur lui, le mec s'est barré en vélo et il le suivait en moto, mais il s'arrêtait pas. Non, je t'ai dit, je t'attends. Okay, après, il y a d'autres balas qui sont arrivés, ils sont partis. Et ils sont retournés. Une de quartier. Ok. Mais non, le gang des taxis. Putain. Le gang des taxis. J'ai une carte de fidélité chez eux. Ouais. Parce que je suis un super client. Un super client. Super client. Lourd. J'ai le grade super fan chez les taxis. T'as le VIP plus. Et ouais. C'est surtout qu'on avait pas tourné en vrai. Un jour. Genre quoi? On avait pas tourné. Un jour qu'on avait pas tourné quoi en gros. On tente tous les jours. C'était une blague, qui est con lui. Oh t'es bête hein. Attends. Ah ça fait longtemps on n'avait pas tourné. Ça fait longtemps qu'on a pas tourné. Hein. Ouais. On a pas tourné. C'est vrai que ça fait si longtemps. Wow. Ça date. C'est vrai, ouais, ça date quand même. Il y a de la populace dans la rue. C'est... Wow. Ah, c'est bondé hein. C'est bondé. C'est bondé, soirée bondage. C'est drôle, c'est excellent. J'ai attaché un LDA, ça va faire du sexe. Sexe. Tu veux que fasse du sexe, German? Non, ça va, moi. Je me suis branlé tout à l'heure. Ok, moi aussi. Là, on tourne, mais toi, tu vas dans des villas, quoi. Je vais tu vas chercher orange. Qui ici? Ah, tu vas aller à la boule orange. Pourquoi tu critiques comme ça? Tout le temps en train de critiquer. C'est ça ton problème. Tu dis je vais à la boulot, je me suis perdu. Oh, c'est là. C'était à droite. C'est quoi ce GPS là à l'observatoire? Je sais pas mec. Qu'est-ce que tu dis, c'est individu? Yo Manu, aïe aïe, putain. J'espère qu'on va avoir un peu d'interaction de gens à croiser là parce que. J'espère qu'on va tomber sur 18 000 mecs armés d'AK. Waouh! Ah oui, il dit pas aussi. Je sais bien que j'ai entendu une moto. Sale noir. T'es un malade toi, hein? C'est un noir. Ça bande de sale noir. T'es zinzin, toi. Je supporte plus. C'est toi, t'es zinzin. Oh putain, tu es bien. Ah, bien tu vois, tu fais quoi avec ton doigt là? Hein? Ouais. Comment il Google ce mec? C'est vrai. C'est pour ça que c'est ton neveu, quoi. Ouais. Ça, ouais. Enfin, il est adopté, on l'a trouvé dans une poubelle, mais. T'étonnes même pas. Eh, déjà bébé, il se piquait dans les poubelles. Il est né crackhead. Il mangeait des rats. Ouais. Il kiffe, hein. Ça, son maillot, tout ça. C'est le roi des rats. Oh, lui, comme gênant, dans Assassin's Creed. Il est gênant. C'est pas le roi des rats dans Assassin's Creed. C'est quoi? C'est le roi de. Pas le roi de la fortune, un truc comme ça.
Je sais pas, en tout cas, c'est un rat, il vit dans les égouts. Non, Kirito, bah, t'es plus, viens plus. T'es là, aussi, quel bail. Le roi des pauvres, je sais plus c'est quoi. Le roi des cons. Le roi des fripouilles. De la Corée. Le roi des villegredins. Le roi des brigands. Quel bail. Bon, bon, bon. Yeah, yeah, boy. Yeah, boy. Ouais, y'a plein de monde au tatouage, déjà y'a la queue. J'avais vu. Putain, c'est bondé là. Bondé. Ouais. J'ai envie de croiser un convoi de Mara ou un convoi, je sais pas quoi, il nous prend en chasse et il veut nous tirer dessus. Et là on se retourne, drift. Ah là on s'est bagarre avec eux en plus, ouais, avec MJ. Ah, avec MJ, avec MJ. Mais vous avez pas fait un truc sur la weed aussi? Non, enfin moi j'étais pas là, mais ouais, ce qui est possible. Mais tout à l'heure là, il y a même pas une heure, on avait Isco, il était en train de vendre là. Il lui a baisé sa race, après il y avait... Après Isco c'est un peu un con, on va pas se mentir. Il y avait je sais plus qui et qui sont venus, ils nous ont baisé après. Isco c'était marrant, il s'est tiré dessus, je l'ai appelé et il avait les morts. Il avait la mort, clairement. Il était pas content. Comment il s'appelle le marin qui crie tout le temps là? Il crie tout le temps. Ouais, genre il crie. C'est pas le frère de Cristobal? C'est Marco Polo là? Ah, c'est peut-être Marco, je sais pas. Je sais pas ce que son nom. Il y a un nom de chercheur, là, cheval là. Bah ouais, car Marco Costo il s'appelle, un truc comme ça. Il a... Hey, il a un nom de. Hey, à l'osso, son nom c'était Marco Costo. Il a un nom de... d'explorateur cet enculé. Je te jure. Il va chercher des pépites dans les rivières. Il a découvert le Congo en 2000. En 2001. Mais là, les ballas, on va plus les recroiser de la soirée, attends, mon gars. Ils sont quand même sortis hier déjà, c'est bon aussi. Non. Si, si, on va les croiser à 4h. Hier, c'était là. Hein. Oh, chien. Hier, c'était massif, hein. 3 voitures t'as en bas, là. Comment ouf. Boah. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Fils de pute. T'as toujours le code sur la ville ou pas? Normalement, non. Okay. Après, bon, à tout moment, il appuie sur un bouton et. Code muscolore. Ah ouais. Bah, ça, c'est comme ça que ça marche, non? Les codes. Je crois, ouais. Ça marche comment, les codes? Code rouge et tout là? Ouais, il fait quoi? Il dit je veux le mettre et il le met? Bah en fait, il voit des mecs et il dit dans sa radio code rouge et il tire. Buchaner, Ballas, traitement. Ah, allez go. Vas-y, bah, okay, on va commencer. On est en train de la suivre. Tout ce traitement, toi tu la gardes et tu nous fais les Pawn Shop. Communication. Pawn Shop, vers club de golf, Hermont. Tranquille, tranquille. Oubliez pas tout à l'heure, il y avait d'autres voitures qui sont arrivées. Ouais, il est pas tout seul. Attention, on trappe quoi. Sois vite. Il veut continuer la com parce que là c'est plus clair pour nous là. On sait plus où ils sont. La com. La non, com. C'est au niveau du golf. Ouais, j'y vais là mais. Après. Eh, part direct autoroute ouest, pardon. Très bien. Direction sud. Attends, on va arriver sur autoroute. Ouais, direction sud. Par le pont, c'est ça? Enfin, le tunnel? Pas encore. Là, elle se dirige vers le tunnel. Vas-y. C'est de la cut. On va attendre la sortie. Quand tu me dis si elle rentre dans le tunnel ou pas, très important. Ouais, je te dis. Attends. Elle rentre dans le tunnel. Ok, ok. On est juste au-dessus du tunnel. C'est à gauche. Non, Jay, c'est à. Tu veux qu'on fasse le pneu? Ah, le tunnel, c'est à droite. Ah. Non, Jamal, ah, le pneu. Ah, ouais, c'est, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien conduire et tout faire. Non, moi, je suis chaud, hein, parce que tout à l'heure, ils ont pas voulu s'arrêter. Au moins, ils vont s'arrêter. Tu vas à gauche et l'autoroute à droite. Ouais, écoutez, c'est... un col de Jamal là. Où ah, les... voiture là-bas, voiture ballast. On a une voiture ballast qui passe devant le. Avec elle passe Little Seoul maintenant. Écoutez, écoutez, il y a une voiture Ballas et une Sanchez Ballas qui sont passés commissariat direction Little Cello aussi, donc à mon avis, vous connaissez. Okay, attends, 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 attends. Arcadius. Bon, j'ai posé juste le mec et je vais. Allez, s'enfuir. Récupérant un car wash. Arcadius, je vais reposer. Il y a un Primo Ballas qui temporise autour de nous. Au niveau de l'autoroute. Il temporise, hein, 100%. Ouais, il temporise, mais. La weed. On a la hauteur, on couvre. Ouais, on va bouger. Attention, en face, les gars, il faut vraiment qu'on se rassemble parce qu'en gros, ils sont en train de temporiser. Ils veulent se mettre au-dessus du pont. Donc, on va se rassembler tranquille. Juste, il y a qui pense une voiture là, toujours. Nous, hôpital du bas. On passe le tunnel, hôpital. Ok, vas-y. On arrive. On va recoller sur lui. Bah là, du coup, la primo Ballas, ça est parti. Ouais, nique sa mère, la primo Ballas. Ouais, mais bon, si on voit des Ballas et à chaque fois on les lâche. Enfin, ah, faut... En fait, on a un focus, Jamal. Je sais pas, c'est... t'avais dit Buchaner d'abord. Moi, j'ai dit Buchaner. Buchaner, là. Derrière. On a une voiture Ballas au nord, Little Soul qui part du centre-ville.
Ah bon, là pour le coup, sur le tour, ça a été compliqué de taper, tu connais. Je suis pas sûr qu'ils aient tapé. Vas-y, bah écoute, German, tu donnes tes calls. Bah ouais, mais là on l'a plus, nous, frère. Je sais pas, il y a toujours une. Voilà, il y a toujours une voiture qui est tiède. Ça commence comme ça. Eh, hey, arrête de. Continue tes infos. Hein, bah ouais, mais bon. Eh, Gonex, Gonex en fait. Il y a pas de Gonex, ça enchaîne tout le temps sur des actions. Okay. À tourner vers Arcadius. Alors, pose au quartier, on arrête. Bah, qu'est-ce que je te dise, moi. Non, mais reprends et vas-y. Là, on a des coteaux. Reprends. Arcadius, yes. Ok, équipe Tech 9, on arrive vers la mission. Du coup, ils vont se regrouper, les Ballas, 100%. On passe devant les Hawkins. Donc, on est juste devant eux au niveau de la pharmacie, nous. Donc, tous sur la voiture au niveau de la plage. On arrive au niveau de Hawkins aussi, on est au-dessus le pont FBI. Meuf, elle a fait un tour. À ta droite. Ah, oh, voilà. En haut, du coup. Arcadius encore. Tournez à droite vers Little Seoul. Tu peux aller. Donc, elle était descendue. Yeah, yeah, ouais. Yeah. Je vais faire le tour. Vas-y, on va rester par là, nous, à mon avis. Ouais, ouais. Vas-y, attends, Comico. Il y a les flics qui commencent à nous poursuivre derrière la voiture. C'est pas grave, tranquille. Laisse-moi conduire. Je sais pas c'est quoi, c'est à nous en face. Ok, Vespucci. J'ai tout l'info. Vespucci, on passe pas loin du coiffeur. Ok, retourne vers Comico. Nous on se fait contrôler l'équipe. Marina. L'équipe Tunki. Enser, Luigi. Il passe de Vespucci à Marina. Ouais, il n'y aura rien pour nous, tranquille. Marina, Little Seoul. Ammunition, Little Seoul, on passe devant. On remonte vers Vinewood, elle accélère à mort, là, elle nous distance un peu, on la voit encore. Vers où? Vers Vinewood, Darnell. Ancien Gouve. On fait les pneus ou pas? Non, j'ai lu non, ça rien de faire les pneus. Ok, il fait la tondeuse. chez José, elle passe pas loin de chez José. Elle a tourné à gauche. Vas-y, continue ta com, c'est parfait. Elle est passée derrière chez José, elle fait le tour. Anticiper, hein, parce que sinon, jamais elle passe pas loin du parking qui est chez José, elle rentre chez José. Ah ouais, carrément. Spencer OJ, c'est quoi le col là? Si on la bloque, si on lui fait les pneus, c'est quoi le col? Spencer et tout, ils sont contrôlés. S'ils répondent pas, c'est normal. La com, elle est simple. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de se coordonner et quand on a une opportunité, on tape. Parce que sinon, pendant 3 ans, on va tourner pour rien. Elle passe Arcadius. Donc, on va essayer de se regrouper et de la bloquer sans évidemment lui rentrer dedans. Donc, essayez de suivre la com. Ok, Arcadius vers place des cubes. Et dans ces cas-là, les autres véhicules, là, les autres voitures, là, recollez-vous pas loin. Là. Donnez un endroit pour vous recoller et partez en convoi. Elle remonte Vinewood là, direction de. Vas-y, je te laisse comme MD. On a recollé nous derrière les deux primos là. Enfin, c'est pour reprendre la com. Équipe Lawid, on a recollé derrière les primos. Et on passe devant chez Hawkins. Ok, on a droit d'écouter la com de la course poursuite là et vous les rejoignez et vous bloquez. Il repasse Arcadius. Ouah, il fait des trucs le mec. Il a fait un saut. Little Seoul, tunnel pont Little Seoul. Bon, où le guet-apens? C'est ça, guet-apens, on dirait. Il y a moyen que ça vous fasse les pneus à tous. Donc préparez-vous aussi, regardez bien les pneus comme ça. Tu prends une autre route et tu les backstab. Ouais. Ok, remonte vers le nord de Little Seoul, vers Darnell. Ça sert à qu'on la suive comme ça, on va juste jamais l'attraper, faut juste qu'on anticipe en fait. CNN maintenant. Ah bon, bah on va leur mettre la pression comme ça, eux ils vont faire l'heure. Le Huntley là, essaye de rejoindre les autres là maintenant. Huntley, ils sont en contrôle. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'il. En fait, faut qu'il nous guette à pan. CNN. Point shop. Que peu importe la trash qu'on prend, même si on passe devant lui, on pourra pas l'arrêter. Sauf si, ouais. Ok. Rester derrière et backup, hein, c'est tout. C'est ça. Elle est passée pas loin du Bahamas. Il y a deux voitures de cops dans qui sortent de chez José là, faites attention. Ils sont partis vers Darnell. On est Vespucci là. Elle tourne à gauche vers Comico. Ouais, je sais pas ce qu'elle cherche. Elle fait 10 fois le tour. Ça fait longtemps qu'elle fait des tours là. Faut qu'elle aime bien, elle aime bien la police. Et nous on est postiche Arcadius, on anticipe vers là-bas. Va à part côté Arcadius. Ouais. On va certainement passer devant un parking rouge. Je sais pas. Parking rouge. Je veux faire une poésie. Ok, on passe devant Arcadius. Passez pas devant l'animation au niveau du pont de chez nous, hein. Ils vont faire les pneus, vous connaissez les bails. Qui c'est qui nous rentre dedans? Il me dit Huntley après.
Il ose dire ça. Ok, on merde, pas les rails. Passe devant le Franchi et Van Wood. Tribunal, on passe devant le tribunal, on repasse devant l'hôpital. Ils font quoi avec nous hein? Je sais pas. Tu essaies peut-être d'anticiper, je sais pas. Tu vous dis de lui continuer la com parce qu'on l'a perdu, non? Parce qu'on était derrière. Ok, on repasse comme... Arcadius. Ok. Ça commence à devenir fatiguant. Arcadius vers l'hôpital. Reviens en arrière, Pierre. Ah bah non, il est par l'hôpital seul. Oh, il y a... Le mec il veut juste tourner, mais j'aimerais qu'ils ont même pas les pneus là, ils font rien, hein. Ils s'en foutent, tu vois. Juste fais pas baiser. Je sais pas, il y avait plein de voitures. Hein. C'est pas logique qu'ils font rien. Ok, elle repasse vers Comico. Ouais, mais en fait, elle veut que les flics arrivent quoi. C'est de prendre des positions là où elle tourne depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, elle fait presque le même chemin. C'est ce qu'on et fait faites les pneus, genre, nique sa mère. Ok, pas okay sur on l'a suivi Spucci encore. On est passé devant une voiture de cops. Ok, ok. Vas-y, trace, tu t'en bats les couilles. Elle est tournée à gauche vers. Bingo Ballas, je suppose. Bingo Ballas. Info, info. Ok, elle continue vers Little Seoul là. Ammunition Little Seoul. C'est bon, on la récup. C'est de pas leur rentrer dedans parce que sinon. Allez, je vais vous faire la com. On se fait courser par les cops. Hein. Enfin, c'est pas grave. Au pire, faites-vous contrôler, vous. Faites-vous contrôler, c'est pas avant là, nous, la voiture. Non, contrôler, tu déposes ton gun. Vas-y, carré, on fait ça. On va parking rouge là avec la chaise Ballas. Sa caisse, il suivait avec quoi chez nous. Parking rouge direction place des cubes, place des cubes à part. S'il y a, on est Marina, hein, s'il y a un problème. Ouais, dépose ton gun dans la voiture. Elle mais... part côté hôpital, la voiture. Mais ils ont vu que tu chassais. Elle reprend côté Little Seoul. Elle repart côté Little Seoul. Par le nord, Little Seoul. Ok, il y a une voiture Ballas qui arrive au niveau de la Marina, au niveau des man qui se font contrôler là. J'ai fait juste des trois, je sais pas. Elle est passée devant, triste, hein. Elle est passée genre vers le Bingo Ballas. Là, va passer devant le Comico, la voiture Ballas. Ok, et en fait, je crois qu'ils sont en train de se regrouper dans les canaux Vespucci là, les man. Tu veux qu'on les rejoigne, non plutôt. Ok, vas-y, on lâche tous la voiture Ballas, on va tous vers les canaux, tout le monde. Ou derrière le Bingo Ballas, c'est passé bizarre. On va chercher. Écoute, le point de rendez-vous, Bingo Ballas. Bingo Ballas, tout le monde. Et dépêchez-vous, hein. Ouais, il y a une primo Ballas qui est partie dans les canaux. Un canot, on va la chercher du coup. T'as vu la route qui descend dans les canaux derrière leur Bingo là. Ah, vous êtes lent, elle a pris le premier pont, le deuxième pont en bois. Voiture Ballas en face de nous, Bingo Ballas. Équipe Tech 9, on arrive. C'est lent. On est dans l'ammunition de l'Italie. C'est lent. Après, contrôle fini. Tu sais pas où ils sont. On repart. Ouais, bah je leur ai dit de prendre des positions là où ils sont à peu près, frère. Ouais, mais je suis histoire Cadus, mais pas encore arrivé. Je dis pas qu'ils sont rapides, mais tu connais. À mon avis, ils vont vous attendre au bout du deuxième pont. La com là sur la voiture qui est en course poursuite là encore. Il est con quoi. Vas-y, lui il comprend rien. Vous avez lâché la. Ça a été comme. Hein. J'ai pas entendu. Été comme et on a dit on retourne. On est bingo. Donc vas-y, bah écoute, passe, vu que tu sais où ils sont, passe avec ta moto devant, on arrive. Vas-y, viens. Après, j'ai. Ouais. Oula. Vas-y, on se faisait contrôler, on est là, on arrive dans deux secondes là. Vas-y, attends, on va attendre les derniers là. C'est bon, on peut aller comme ça, on y va comme ça. Vas-y, avant comme ça, il nous rejoindra. Au pire, il sera sur un second timing, c'est pas mauvais de toute façon. On fera un backup. Il y a plein de voitures de corps dans la zone, les gars. Hein. Ouais, vraiment plein. Attends, on va prendre large là, 30 secondes. Juste s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, juste taisez-vous. Il y a 3 voitures de corps derrière notre combat. 3 qui nous suivent. Ok, bah écoute, okay, vas-y, le malade. Décroche, Dinote, et vous allez me suivre. Décroche, Dinote, va spot et vous allez me suivre. On va juste faire ce qu'on a à faire avec les flics. Juste me suivez tranquillement, vous roulez banal. Et s'ils mettent les girons, on s'arrête, on fera ce qu'on a à faire. Ils sont normalement, de ce que j'ai vu, ils doivent être vers ta colibré, les Ballas. Parking bleu, ta colibre, si vous voyez ce que c'est. On va juste faire un tour, on va repasser de l'autre côté parce qu'il y a les 3 voitures de police en question là, elles partent direction ta colibré, enfin 2, et une autre qui repart direction Bingo là. Il est sérieux lui? Il est sérieux lui là ou quoi? Il faut juste que je lui rentre dedans en fait, comme ça il peut m'arrêter. Il est attardé ou quoi le mec? C'est grave. Il a dit quoi? Pardon, radio. Je sais pas que j'ai ma radio lui, putain. Bon, on va faire le tour. Demande à Ginette où il en est au niveau du spot, vu que nous on a dû le faire. Comment Ginette, la com là? T'as des infos sur les voitures? Ouais, ils sont deux primo, ils sont au niveau du. Ouais, ils ont. Attends. Je pense qu'il va prendre son temps. Ouais, non, il y en a une qui a bombardé Burger Shot. Il y a une voiture de keuf entre eux. Ouais, il y a une voiture de keuf entre les deux en fait. Ouais, c'est bon. On en chope une qui va vers traitement. Primo Ballas.
Allez, tous sur celle traitement, tout le monde. Et il y a les cops derrière vous. Ouais, on va les ralentir, on va les ralentir, les cops. Nous, la dernière voiture, on va les ralentir, on va rouler doucement, vous tracez. Elle a tourné rue au-dessus du Bahamas. Oh, on n'a plus que deux voitures. Alors, on suit de loin, nous, avec l'équipe technique. Pas les mêmes directions, mais on vous suit. Vous hein, voulez qu'on continue l'école ou pas? On l'a comme, s'il te plaît, Jamal ou Ski. Info, Jamal. Vas-y, on est CNN, là, on part côté est, sur la grande rue CNN. Si on était plus, j'aurais pu me mettre devant, là. Enfin, essayer de le grouper, quoi. Pas tranquille. On part ancien Gouve. On redescend au niveau Plaza. Non, elle passe devant ancien Gouve. Elle rentre à hôpital. Medical Center. Hôpital Plaza. Medical Center, ok. Elle redescend vers Arcadius. Alors, non, elle repart vers chez José. Plaza. Elle va passer devant LS Custom, José. Direction direction nord. Elle tourne direction magasin Vinewood. Elle passe dans le parking souterrain du tunnel. Plaza. Ouais, du tunnel Plaza. La captation là-dedans. Elle ressort par magasin. Magasin Vinewood. Il y a une cops, voiture de cops qui est à la sortie. Il tourne côté Vinewood et remonte. Toujours il monte, il monte. Vers où Vinewood? Il est à Ammunition Vinewood là. Il repart côté ouest. Et redescend magasin de vêtements. Ouais, je sais pas pourquoi ils nous font tourner s'ils font pas les pneus. Tranquille, rentrez pas dedans. Dis-leur vraiment que à l'usure. Hein. C'est à l'usure ou s'ils font un guet-apens. Ça redescend, change chez Hawkins. Elle prend. Parking Bledard. Ah ouais, tunnel en dessous de l'hôpital. Tunnel, ouais, en dessous de l'hôpital, ouais. À mon avis, elle va passer. Elle passe ancien Comico. Ouais. Elle passe parking ancien Comico à côté. Ouais, je vais la toucher là. Parce que... Elle va devant l'ancien Comico. Elle fait des trucs bizarres. Bah, elle va peut-être passer par ici. Elle prend le pont direction ouest, direction Mara. Qui prend la droite pour aller à gauche. C'est est. Direction ouest, ouais. Vous avez 4 primo ou pas les autres là? Ouais, ouais. Elle passe récolte de weed. Nous, deux primo, on arrive au pont. Vas-y, la première voiture, reprenez la com. S'ils sont deux, laisse-leur devant, ils vont plus vite, hein, ça se voit. Hein. On remonte vers Vinewood. Faut juste attendre qu'il fasse un accident, au bout d'un moment, hein, ça va bien arriver. Ah, au bout de ce café. Jusqu'à ce que les flics arrivent, quoi, parce que. Du coup... Vinewood, direction magasin de vêtements. Ça temporise dans la zone Vinewood. Hein, donc... La moto, guette-moi bien, hein, Vinewood, s'il n'y a pas de déplacement. Elle fait toujours pareil. Ça va tourner à gauche, direction Chantier Hawkins. Là, limite, elle cherche pas à nous semer en fait. Elle fait toujours pareil. Faudrait prendre une pause et se faire tourner. On dirait un robot. Qui suit et nous on fait un plan parce que on sinon. On passe Arcadius. Écoute, la team Huntley là, qui galère à suivre parce qu'elle a Huntley, là actuellement, on va essayer de vous précom où est-ce qu'elle va aller et vous allez essayer de faire les pneus, ok? Pour le moment, okay. Elle se dirige direction Forum là. Elle prend le parking du parking rouge là en face. Ok, ben on y est là. Parking en face, ouais. Ouais, le parking. En face. Parking rouge, direction passe, Little Seoul, direction Little Seoul. Essaye de te mettre devant. Elle tourne direction Plaza. Elle repart direction Place des Cubes, au-dessus de Little Seoul, en face de vous. Doucement au frontal. L'escadron de la mort. On va direction Vinewood. On passe derrière chez les Hawkins. Essayez de prendre un toit entre Plaza et Vinewood là oui, parce que c'est par là qu'elle tourne le plus souvent là depuis tout à l'heure. Trouve-moi un toit okay, dans les blocs là, devant chez, tu sais, au niveau du chantier là. Et faites-moi les pneus là. Des infos. Ok, continue vers le. Elle refait la même route que tout à l'heure, elle va repasser ouais, toujours vers le même parking route. Rouge là. Ouais, elle repasse. Ah, on parking est passé rouge, Arcadius non si jamais. Elle okay. Repasse parking rouge là. On est Arcadius. À la tape. On peut lui faire des pneus. Elle a pas tapé. Elle continue Little Seoul. Elle a tourné à gauche direction pont Little Seoul. Ok, elle passe le pont Little Seoul. Bon, il nous tire dessus ou pas là? C'est genre. J'attends que ça.
Elle a tourné à gauche après le pont Little Seoul. Elle remonte sur le côté nord Arcadius. Arcadius bientôt. Non, elle a tourné avant Arcadius. Le parking rouge. Elle a tourné à droite avant le parking rouge. On tire dessus, on se fait tirer dessus, on se fait tirer dessus. Ah, c'est nous. C'est nous. On vous l'a dit, on est Arcadius. On la colle en plus, les gars. Bon, c'est bon, allez, dame, allez, dame, allez, allez, roupe. Moment, cavale. Arrêtez-vous à côté d'eux. Attends, il y a le Vida. Non, non. Attends. Ah ouais, mais. T'avances, t'arrêtes pas. Mais je voulais bloquer la route en fait. Arrête-toi. C'est bon, on en a deux. On en a un, il y en a un autre qui est parti de l'autre côté qui est descendu vers. Il y a un fake à un mec là. T'es où, Tech9? Vas-y, c'est bon, on a le deuxième, c'est bon, tu peux monter. Vas-y, go, on bouge. Vas-y, monte. Le tracé là, le Huntley. Ce qu'en loin là, vous tracé, avez. Tracé, on tempo les flics nous. Il y a deux voitures de cops derrière, Pépère. Trois voitures de cops. Tranquille, tempo les flics et je vous aide pour les flics derrière s'il faut. Attends, arrête-toi à côté d'eux. Eh pas. Vous avez 4 patrouilles au moins. J'ai essayé de parler avec eux, leur dire qu'on a des otages, mais vas-y. Mais non, on va pas dire des otages. Vous êtes où? On vous a perdu, nous voiturions. Le Huntley, si tu peux essayer d'échapper. Ok. Vas-y. Il y a trop de patrouilles. Qui a des trucs, des manoplumes, mis à part l'équipe JS là? La Twinkie. On a deux voitures sur nous avec la team JS là. Ok, Huntley, vous avez quelqu'un sur vous? Ouais. Ok, tourne alors, tourne, vas-y, tourne, je vais faire le pneu de ton truc là. Tu peux m'appeler la team des mecs qui fasse les pneus des voitures là? Ouais. Mais okay. Moi j'ai un bas là, elle a lâché. Elle a lâché le Huntley. Le Huntley, ça a lâché là. Je sais pas si t'as fait la com Jamal, mais t'as pas entendu. Ok, le Huntley partait à l'endroit que. Allo, patrouille. Allo, allo. L'équipe JX normalement. On a besoin de vous pour faire les pneus à des cops là. T'es où? Ok. Je vais aller me mettre. Ouais, vous avez tiré tout à l'heure. Je vais les mettre sur l'autoroute la freeway là. Je vais prendre la partie la plus haute. Et ouais, vous allez venir. Vous voyez comme si on faisait le plan chantier Séoul. Attends, parce que Guinette, j'entends pas vu qu'il y a Jamal qui fait déjà la com au téléphone pour des pneus avec son téléphone. Donc attends. J'ai besoin d'une com précise et claire pour savoir où je dois aller, c'est tout. Ouais, vas-y, on fait plan chantier Séoul. Mais si là. Vas-y, t'inquiète, c'est connu, mais vas-y. C'est bon, il y a déjà Jamal qui va me faire une com, t'inquiète, Guinette. Il y a déjà la voiture avec Nike qui s'occupe de moi, merci. Ok, vas-y. Vas-y, dis-moi, Jamal. Attends, qu'est-ce qui se passe? En gros, il m'a refait à Arcadius comme tout à l'heure avec les balasses. C'est pas le moment, Russ, là, je suis occupé. Là. Je suis en train de conduire. Dis-lui. Ouais, mais là, j'ai. Le truc, c'est que. Je suis seul à la piscine. Cercle, on arrive et hein, tu connais. J'ai un balas avec moi. Mais m'appelle pas moi, je suis en construite. Appelle genre un mec qui est pas en construite. Je suis en train de conduire, moi. Ah, on est sur l'autoroute, là. Vas-y. C'est comment pour vous dire si on verra la pause. Une journée banale. Roule pépère, dit Ice. Ah ouais, j'ai jamais été aussi zen. Ouais, je sais ça. Équipe Spencer. Par contre, il y a deux. Ah non, non, c'est un système. Ouais. Oh là là, la police. Ah, la police en deux jours. Hein. La police. Deux minutes, parce que j'ai un con là, la vie de ma mère, il me pète les couilles. Donc là, on est le grand pont rouge. On est en train de se diriger vers. Côté Mara. Ok, bombarde pas de comme un ouf, je vais essayer d'aller au niveau des bus. Vraiment, on est bientôt arrivé. Au pire, on fera un demi-tour. Eh ben non, continue tout droit comme si t'allais chez les Maras. Tu prends toujours tout droit, tu prends l'autoroute. Ok, vas-y. Tout le temps tout droit. Tu vas pas sur la freeway. Hein. J'ai deux bagnoles hein, derrière moi. Non, ouais, mais tu vas tout le temps tout droit comme si t'allais. T'es à peu près vers où là? Comme si t'allais vers. Casino. Ok. Pour qu'on essaye de vous faire les pneus tous en même temps. Continue. Je sais pas où ils sont, ils sont côté Mara, nous on est côté centre-ville, hein, ça va être compliqué. Bah au pire vous mettez là-bas et quand on descend, vous les fumez. Hein. Ouais, vas-y, on va faire ça. Toujours tout droit, Spencer, comme si tu faisais le tour de la ville par l'autoroute. C'est bon, on est sur l'autoroute, là on est en train d'arriver, on passe la supérette Mara, tu vois, juste à côté, on est toujours sur l'autoroute. Ok, nickel, bah, reste comme ça. Il y a du monde sur vous. Et on continue, est-ce qu'on prend la bretelle pour aller vers le casino ou pas? Non, toujours ok, on continue. Continue toujours sur l'autoroute. Vous voulez rebouger comme vous voulez, hein. Oh putain, vous êtes à mon avis, s'en battent les couilles, hein. Attends, on s'est fait pisse. Putain. Non, c'est bon. J'en ai une. Il y en a eu une, ouais, c'est bon, carré. Il y a toujours la deuxième, mais. Faites les deux derrière. Parce que là, ils vont perdre patience, ils vont commencer à faire. Vas-y, faut que tu. On va le faire là, Bobalas. Je vais on va faire Bobalas. Eh, vous allez dans les canaux, hein, c'est ça.
Parce que nous on passe et on va dans les canaux en fait, on passe le mur cassé. Y'a moyen de venir me récup ou c'est chaud pour vous? En gros Jace, tu vas à la Bobalas, tu prends l'entrée normale, tu vois, comme si t'allais au la Bobalas, ouais, et tu vois le mur cassé pour passer dans les canaux. Bah tu prends celui-là. C'est comment pour dehors vous la semaine sœur? Juste à prendre la freeway, c'est gratuit. On est encore en train de semer là, on est bientôt semé. Tech9 okay. Et tout, on arrive dans genre 2 minutes même pas. C'est pas bon, on est préviens-nous quoi, t'es pas loin. Je te dis quand on rentre dans la rue là-bas. Vas-y. Que vous avez une voiture derrière vous. Je m'appelle pas, je suis occupé. Du coup, il y a 4 flics derrière nous au total. Enfin, il y a 2 voitures. La moto là derrière ton cul là. Eh hey, Russ, attends, juste 2 secondes. Russ, pour le balas, tu le gardes, il ferme sa gueule, tu lui mets un zip et tu t'attends qu'on arrive, tranquille, y'a rien. Par contre, quand tu prends le mur, fais doucement parce que tu connais. Pour nous, ça va peut-être être safe, donc c'est carré. Va te concentrer pour les autres. Le truc, c'est que faut aller fumer. Hein. C'est-à-dire que dès que tu passes le truc, tu t'arrêtes et. Ah, tu veux qu'on tourne aussi? Okay. Ouais. Vas-y, là, on rentre dans la ruelle labo. Vas-y, nous on est prêts. On va passer le muret. Dès qu'on passe le muret, nous on descend, on les fume. On passe le muret là. Ralentir un peu. Ralentir. On a plus qu'à faire ça. Roule. Ouais, ça va, t'as dit on descend. Ouais, ça va. Ok, on remonte, vas-y, go. On bouge. On remonte, skip. Putain, je peux pas monter sa mère. Ah, je peux pas monter, fils de pute. Ah, c'est bon. Derrière, ils sont descendus. On tire dessus, banal. Non, mais bah, normal, on les aura tirés dessus. Aïe. Normal, on leur a tiré dessus. Aïe. Pas de notre percée. Vous, Spencer, là, vous avez encore une voiture ou pas? Non, pas de notre percée. Pour nous, on a plus rien. Je suis pas le champ. C'est bon, Spencer, LG et tout? Ouais, c'est carré pour nous. Ok, c'est bon. Ça revient derrière nous. Est-ce que là il reste une voiture que les cops derrière eux ou c'est bon? Non, c'est bon pour nous aussi. Ouais, j'ai pris une. Nous, on va juste aller côté barrage et. Sa mère, j'ai un éclat de vide dans la joue, sa mère. C'est fils. Elle nous a pas vu. Rentre, Jamal, on sort. Ouais. C'est bon, y'a plus personne qui a des queues au cul. C'est pour ça. Ah, ils ont dit qu'ils étaient en haut, là. Ah ouais? Radio? On s'est pas entendu. Pour la team DS, on est safe. Et pour le moment, donc c'est carré. Pour nous, c'est carré. On est au côté Fuente. On fait juste un détour et on revient plus tard. Eh hey, Jamal, toi c'est bon aussi? Avant la frontière. Tu veux passer dans l'eau là ou pas? Ouais. Non, je veux dire, la voiture elle part pas. Non. C'est... Y'a pas beaucoup d'eau. Je veux dire. T'as même pas... Je vais pousser un peu plus loin comme ça. 30 cm. Quel plaisir la police. Y'a quoi là-dedans là? J'adore dire ce qu'il fait, ils sont sérieux de tirer dessus. Bah, en fait, moi j'ai pas tiré donc quand je tire pas, j'ai pas vu de me faire tirer dessus, tu connais. Surtout par des flics en fait, ça me paraît bizarre. Ouais, c'est qu'on a des sans-pères. Autour des coffres. Des coffres. Ouais, du coup, on a récupéré. En un, on les turn, on les braque. Hein. On a récupéré une patrouille de coffres sur nous dans les canaux. En vrai, faut les turn. Hein. Bon, mais un, ouais. T'as déjà mal. Il y a encore une voiture de coffres sur nous dans les canaux, genre. Elle nous a récup. Essaye de te mettre dans un endroit où tu peux te cacher derrière un mur et. Passe à droite là-dedans. Canot, c'est pas... Vous arrivez sur l'autoroute du Nord là? Après, on les met là, on les met ici. Hein. T'inquiète. Juste là, on au pire, on ici, on les fait là. Tu montes dans les trucs de Hollywood là, tu la braques. Arrête-toi ou tu vas prendre une tête. Sors, on a arrêté une caisse. Sors ta grande tête là, tu veux pas lâcher la tête. On fait descendre en l'air. Pas de radio, pas de téléphone. Vous avez tout déjà mal qu'on vienne backup. C'est bon, on l'a braqué, il est tout seul. Ouais, mais quand vous backup, là, sûrement dû passer un call. On est, je vous envoie une pause. Donc ce qu'on va faire, fais juste vite en fait, moi aussi, ton numéro. Faites vraiment vite. 16. Faites vraiment vite parce que dans le sens où il a peut-être déjà donné les calls. J'ai donné tes notes et je vais te mettre tes propres notes, ok? T'as un zip ou t'as quelque chose ou pas? Y'a beaucoup de sirènes autour. Ouais, j'ai un zip en plastique aussi. Allez, donne-le-moi, dépêche-toi. On partait, hein. Vraiment, si vous l'avez pété, c'est bon, vous l'assommez, je sais pas, et vous partez direct. Vas-y, on va faire ça. Donne. Je mets le zip et mais lui, il en a un vrai. Oh, tu le fais tout jeter, tu te barres, c'est bon. Ouais, c'est ça, tu le jettes sa radio. Vas-y, couvre. Il y a une moto juste au-dessus de nous, ADS. Moto de quoi? Je sais pas. Et il y a une voiture au-dessus de vous aussi, là. Sur les rails. Au-dessus de nous, il y a une vas-y, on vous attend au niveau du terrain de foot, là, où on avait croisé les vagos, là. Quoi? On vous attend au niveau du terrain de foot. Pourquoi? Chaque fois, tu te mets à la place, on avait fait le rendez-vous avec les vagos, là. Fermirror Park. Quoi? Le terrain de Street Joot, skip. Ah, y'a une voiture qui gâte les canaux là. C'est au niveau des Lost, des. Oh putain, y'a une autre voiture. Et... On a récupéré une voiture. Je suis obligé d'en passer par là parce qu'ils avaient sûrement fait la course. Okay. Ouais. Faites un demi-tour. Ouais. Là, je me dis. Essaye de faire demi-tour et tu prends l'autre rive là, et tu reviens. En fait, on peut pas, mais. Tu peux pas? Ah ouais, là non, c'est mort. Allez, redescends. On va redescendre, mais du même côté. Ok, j'essaie de me placer. Ils sont un peu chiants eux, j'en connais. Ouais.
Redescend du même côté, mais. Putain. Après, on peut traverser là, mais. On traverse, on passe sur l'autre rive là. Ok. Il a fait un drift à la façade sur le mec. Encore ? Vas-y, c'est bon, j'aurais fait un pneu. Vas-y, bien vu. Vas-y, on se casse du coup. Vas-y. Tu nous dis, Ginette, si t'as besoin d'aide. C'est bon, ils sont barrés. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais Ginette, mine de rien, les pneus, il est tout le temps. Ah ouais ? Vous avez personne dans Underwood. On a rien d'aider. Ok, bien vu. Non, mais je parle pour moi. En fait, les gars, vous me connaissez pas depuis le temps ? Que je parle pour moi-même ? On est en monde dans le nord, hein, ce sera plus simple. Je parle tout seul en fait. Merde. Ah, il est mort le pneu là. Non, y'a pas de problème. Non, vraiment, si votre voiture elle est vraiment wanted, vous la lâchez. Ah, mais prends bien. Prends les lents. Une autre voiture qui vient de nous récupérer. Ah là, nickel. Merde, bien joué, Jet. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Si, on va aller chercher Moon. C'est des bâtards avec moi, je connais. Un retour quartier vite fait pour Moon. C'est bon, du coup, tout le monde est safe. Ah, vous savez, le flic, j'ai fait le tuer. Non, non, c'est bon. Ouais, je sais. La balle, t'as vu la balle à la. Ah, c'était un tir de sommation, t'inquiète. Ouais, ouais, c'était juste à côté de son oreille. C'était pour qu'ils comprennent que c'était. Ah, je suis mort. Et putain. Ah, j'ai cru qu'il allait partir aussi. En vrai, le tir il était parfait, ça l'a stoppé net au moins. Là, il s'est dit, ah, peut-être qu'en fait. Ah, qu'est-ce qui me casse les couilles, les clubs. C'est en dessous. Eh, mais le truc, c'est que dès qu'on a pêché les ballasts, il y avait déjà 4 voitures sur place. Hein. Je sais pas comment ils par ont contre, ouais, ma faute que j'ai reculé. Faut que j'arrête de reculer quand je veux bloquer. Faut que je fasse un demi. En fait, faut que j'avance en fait. Tranquille, tranquille. On a rien, c'est bon. Il y a la porte qui est partie quoi, ça coûte cher. Le mec un peu con qui s'occupe de sa porte. Quel bail. Mais ceux qui tentaient là-dessus, ils étaient deck parce que je leur ai fait les pneus. Ouais gros, c'est trop. Mais qui panique pour rien aussi. En vrai, non, la radio par contre, c'était pas horrible pour une fois. Non, ça va. Je tiens à le dire. Ouais, fois, non, ça des fois, ça gueule, mais là, pour le coup, ça restait pas horrible. Non. Ouais. Dans notre voiture, c'est... Il y a plein de balles. Ouais. Bah, tant que c'est pas les pneus, ça va, mais... Ça va, heureusement ils ont pas des balles perfo hein. Ouais. Sinon tu serais mort, dis ça. J'avoue parce que t'as parti hier mon gars, quand je suis sorti là. Il y avait de l'impact. Pendant quel bail le copse qui est tout seul dans sa voiture. Je sais pas, ouais, ça pareil, ils sont fous hein. Ça c'est des... Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas mais... Dans le doute. Ah les bâtards. Tu te poursuis au quartier ou pas parce que j'ai vu une voiture. On a voulu rentrer au quartier mais il y a une voiture de cops sous un pont qui attend la sortie de la maison. C'est grave, c'est très grave. Après, ouais. Il y a une voiture que... de cops qui nous a poursuivi au dernier moment et elle est rentrée dans le quartier sirène hurlante. Les ballasts ils sont où là? Les deux ballasts qu'on avait. Moi j'ai un ballast avec moi, on est à la piscine. Ok, ouais. Et Russ ton deuxième tu l'as là? Vu. Comment? Donc on a les deux balles là. Il est piscine le mec. Ouais, on a les deux balles là, c'est bon. Ok, okay, okay. Bah on arrive, on est en train de tamponner. Venez tous piscine, juste ranger piscine. Vos véhicules dans je le garage. Je crois qu'il a oublié que... Vas-y, nique sa mère. Ouais, mais j'ai pas envie de re-rentrer alors qu'il y a un flic, tu vois, c'est tout. Ah, mais là, y'a personne. Ah, à gauche, flic. Et pas tout droit, va tout droit. Putain, t'es louche, toi. Là, tu parais vraiment louche. Ah, en même temps, le problème c'est que je t'écoute. Se poursuit toujours. Tu sais, c'est quoi le problème ou pas? C'est que je t'écoute à chaque fois. À la fin, ouais. Je t'écoute à chaque fois et du coup, bah, je sais pas ce qu'on me dit. Bah, je fais. Ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus louche qu'un mec qui va d'un coup à droite et d'un coup fait oh, si j'allais à gauche plutôt, c'est genre. Ah, attention, je ressors une voiture du garage. Ça, c'est écrit sur son fond que le mec il a eu une com, genre. Non, bah non, il nous a pas arrêté. Ouais, mais ta gueule, vas-y. Je t'écoute trop, c'est tout. Donc Jamal, on t'attend au quartier là. Ouais, ouais, le truc c'est qu'à chaque fois qu'on veut rentrer, il y a une voiture de cops. C'est bizarre que ça soit ma voiture à chaque fois. Oh, puis attends, je vais prendre une climo. Non, t'inquiète, on va réussir. Ouais, une voiture de cops qui s'arrêtait juste devant la rue. Juste ouais, tranquille. De convoi. Vas-y, on va rentrer à la bien. S'il y a pas toutes voitures. Il y a une voiture de cops qui va arriver, tu vois, côté Metz Bank. Non, mais c'est bon, je voulais aller là-bas. Vraiment, ça tourne autour du quartier. Quoi. C'est là que je voulais aller. On va trouver une route, t'inquiète. Ça a jamais été compliqué de rentrer au quartier. C'est grave, laissez-moi rentrer chez moi. Nous on a rien à voir là-dedans. Hein, ah non, c'est pas des balles, on a fait un paintball. À part Jamal qui a un guetteur, Spencer. Ouais. Viens, on va se placer, on va faire ça. Ah, j'allais tirer. On va mettre plein de voitures et des burritos et tout autour du. Du bloc à côté du stade de baseball. Ouais, il a raison, préparer un truc au cas où les mecs veulent. La voiture de flic, elle rentre en plein milieu. Elle rentre dans le Chamberlain. Là, je la fais stress ou. Ah, on fait pas un remake, j'ai pas envie. Vas-y, dis-toi, c'est chez nous, tu lui demandes c'est quoi. Après, c'est chez nous, ouais, je sais. Ouais, c'est allô. Ça. Mais après, faut pas et que toi, Jamal, t'es où? Ouais, là, ouais. On est derrière la Metz Bank, là, on va arriver. Ok, bah, je vais prendre une primo, j'ai venu te chercher. Non, on est bien, on est en voiture. On est derrière la Metz Bank. Vraiment autour du quartier, vraiment.
Bon, bon, je te promets, la voiture de cops qui tourne à la vie de ma mère, elle veut. Je crois qu'elle veut. Leur faites rien, mais faites-leur comprendre qu'ils sont pas chez eux, juste. Restez pas 20 000 à la piscine. Là, et prenez des toits au cas où, parce que, à mon avis, là, ils vont arriver à 18. Il y a une deuxième voiture, donc faites gaffe à la descente. Vas-y, trace. Il y a une deuxième voiture qui vient de rentrer, allez, suivez blanc. Il y en a trois qui restent piscine, y'a pas besoin de piscine. C'est compliqué la vie, hein. À la vie de quartier. Putain. Wouhou. Et là, c'est bon, c'est pas le cas malheureusement. Elle est rentrée comme la panthère Renault. On est chez nous, je me suis fait tirer plus de fois dans mon quartier. Préparez-vous, je vous le dis, ça tire, ça tire. Je vais prendre les toits, Chandal. Ouais, prenez les toits, prenez des véhicules qu'il faut. Avec Moon, on est déjà sur le toit, la grande piscine. Ça bouge plus là. Continuez à guetter aux deux alentours. Là, les deux voitures, elles sont garées à côté du. Tech 9 a dit rejoignez-moi le bloc derrière, là, en face du terrain de base de basket. Vas-y. Terrain de basket, vas-y, j'arrive. Ah, aïe. C'est grave. Les mains tout autour, placez-vous. Placez-vous sur les toits. Et pas que sur les toits, placez-vous sur les toits. À chaque fois que je vais leur parler, il bouge. Il bouge direct. C'est tranquille les gars, moi je pense qu'ils essaient de me provoquer, c'est tout. C'est pas la première connerie. De toute façon c'est simple, si je dis qu'on tire pas, vous tirez pas. Le premier qui tire, alors j'ai demandé, je vais vous baiser. Et sortez pas d'armes, hein, sur les toits, faites rien. Si vous êtes sur les toits, cachez-vous. Et tranquille. Aussi du monde côté four et tout, hein. Je crois qu'on vous attrape. Tu vois, on est tous au même toit à peu près. Mais respecte-toi un minimum. Ça rentre. Là, oui, juste crie pas. La weed. Crie pas, sinon je m'entends pas, c'est bon. Ouais, fils. Ignorez-le. Ah ouais, il cherche l'erreur. Il cherche juste un merde. Les balas, on va. Bah, en fait, Jamal, tu voulais choper pourquoi exactement? Parce que j'ai le téléphone de son. Parce que tout à l'heure, on a dû les choper. Si vous leur faites un truc, j'espère vous êtes prêts à cibler la guerre. Je sais pas quoi, je lui dis, mais dans tous les cas, il a dit soit ils les attrapent. Ouais, en plus, ils vont choper juste pour les questionner. Vous voulez pas se rendre? Dans tous les cas, si tu veux faire la guerre, il m'appelle, moi je suis là. Il va commencer à bégayer son grand. Dinote, toi, tourne autour du quartier, mets pression. Bref, les gars, s'il vous plaît, la radio, je sais que vous avez besoin de faire la com, mais répétez pas 46 000 fois les mêmes choses. On a compris. Carré. Mettez-vous carré, sur carré, vos carré, carré, c'est bon, carré. J'entends plus, frère. Sur le toit et tu vas prendre le dernier toit. Donc, il dit quoi leur, c'est le Roger qui t'a appelé ça? Non, c'est le Terry là. Je sais pas c'est qui, c'est le gros. Je crois. Bref, il m'a dit si on les touche, j'espère que vous êtes prêts à assumer, même si on est en moins effectif de vous. Donc lui, attends, lui, quand j'ai ces gars, parce que... Attends, c'était qui, c'est quoi ton blaze, attends? Ouais, c'est Kid. Kid, ok, je crois que je t'ai jamais vu dans la piscine, toi, bref. Tu sais pourquoi vous a attrapé ou pas? Bah franchement, j'en sais rien, moi. Ouais, parce que c'est... vraiment pour poser des questions tranquilles. Même pas, en plus, tu vois, c'est juste qu'en fait, on était en train de vouloir choper un mec en moto qui vendait, il y avait trois motos, tu vois, on voulait l'attraper. On l'a pas attrapé, ça nous a énervé. On a eu de l'orgueil, on a vu vous baiser vos races parce que ça nous a énervé. Simplement, c'est même pas plus compliqué que ça. Ah, juste parce que vous avez pas réussi à choper une deuxième. Comment ça, juste? Bah, c'est pas suffisant pour toi? Tu veux d'autres? Comment ça, juste? C'est juste pour ça? Ouais, mais toi, non, moi j'ai le droit de le dire parce que c'est moi qui décide de ce que je dis. Mais pourquoi comment ça, juste? Ça te convient pas? T'as une réclamation? Non, tu trouves que c'est pas normal? Ouais. Ok, d'accord. Donc, Kid. Ouais. Demande le numéro de l'autre gros là qui a l'air de mettre des coups de presse. Lui, tiens, moi j'ai le téléphone de l'autre balas là, il est en train de menacer son pote en message. Tous les mêmes, des familles. Donne-moi son numéro. Allez. Attends, lui, gros, donne-moi son numéro, j'en ai marre des mecs qui s'appellent. C'est 72 506. Alors que c'est même pas un gradé hein, chez eux, c'est un petit con, là il fait le rambo avec moi. Là il est en noir. Tranquille, j'espère il est prêt à assumer parce que s'il me dit qu'il part en guerre, j'ai hâte de voir ce que va leur dire ses gradés. J'ai hâte, j'espère qu'il va faire une erreur lui. Il a déjà, je vais te menacer, tu vois. Moi j'ai une petite question. T'as une petite merde. Voilà, c'est des merdes, mais c'est dire qu'il va me la donner. Par hasard. C'est dommage. Ouais, MVP c'est 72 506, c'est ça? Du coup, je l'avais bien. Attends, mais ça, tu connais, hein, la vraie. Ah non, ça, je connais pas. C'est 72 506. Ouais, 500. Ouais, bah, pareil, des objets de valeur sur ça, tu connais. C'est quoi le délire? En plus, je te dis, on va te braquer. Hein. Je te dis, on va te tirer dessus. Ah, toujours les cops dans les coins. J'ai vraiment pas peur. Ah, gros, je suis en train de braquer. Ouais, clairement, j'ai pas niqué. C'est lui, là, le mec en vélo? Ah, c'est lui, le mec en vélo. Oh, c'est parfait. Ils ont rien.
Ils attendent juste. Mais c'est une petite merde. C'est un sac à merde, c'est la fin de ménage. Il y en a une qui paraît de ce qu'il dit. Côté bénis. C'est une petite merde, il est en dessous d'une recrue apparemment. Quoi, c'est une... quoi, c'est un ballast, t'es un ballast maintenant. Ouais, bien sûr, je suis un ballast. Voilà, donc un ballast, c'est un ballast, pas en bas. Oh, bah bougez, reculez. Ouais, je m'écarte. Il a fait le signe. T'as fait le signe. Man, j'avais mal, j'avais une petite crampe là. Quel côté bénis, Jinat? Là, elle revient, là, quand on elle revient qu'on voit là. Bah, d'où? Vous étudiez, c'est grave. S'il vous plaît, ne vous faites pas voir. Chez nous, il fait son signe, c'est ouf. Ok, c'est pas voir là. C'est bon, on frappe pas ça. La team gratteur, la team gratteur de goût. Toujours debout. Tay Trunk, c'est qui ça? Elle ressent quoi son blaze à lui? J'ai juste levé mes bras, man. C'est quoi ton blaze? MVP, dis-lui, je l'appelle le gros là qui répond, sinon ça va partir. Attends, c'est qui Tay Trunk? C'est Shopee, lui. C'est qui Tay Trunk? C'est Chucky. C'est un grabé chez vous ou c'est un petit con? Sache-lui, lui, il a dit quoi? Il y a le gros là, il m'appelle. Eh vas-y, dis-lui que moi je vais l'appeler là. Réponds et vas-y, réponds et moi je vais l'appeler. Tu vois le gros là? Attends, tu quoi, viens, c'est Wanny. Réponds là, il y a Moji, il veut te parler, réponds. On va voir s'il va porter ses couilles. Le gros là, on l'a chassé avec Jamal. Ouais. On était à deux doigts de l'attraper, il a fait quoi? Il est parti direct à la raquette, hein. Ouais, tranquille, ça c'est la base. Ouais, bah c'est la base des balasses, hein, ça casse les couilles. Hein. Ouais, du coup, je parle avec qui là? Je parle avec Ous. Quoi? Ok, Ous, ok. Bon, on m'a dit que je devais appeler un Terry là, si j'ai vraiment. Ouais, c'est ça, c'est Terry. Ok, j'ai une question simple là, parce qu'il y a un truc que je comprends pas très bien. Toi, t'es un grand, toi, de ton quartier? Non. Ok, donc toi, t'es pas un grand de ton quartier? Alors, en tout, il y en a quatre qui me le disent, okay. Ouais, je suis parlé là. Ouais. Et toi, tu vas menacer un des gars de partir en couille si on touche à tes collègues, c'est ça? J'ai menacé un des gars de partir en couille. Autres. Je te pose la question. Nous, on en a deux. Menacé personne de partir en couille. Un deux à droite, un gauche. Juste leur faire un truc, ce sera juste inutile. Là, et dans tous les cas, leur poser une blanche c'est des petits. Eh, y a pas d'infos. Et vous le savez très bien. J'ai la bonne personne dans ma piscine. T'inquiète pas, non, justement, j'ai la personne que j'avais dans la piscine. Il y a un petit, parce qu'il a visiblement un petit ici. Il y a un mec qui méritait. Mais vas-y, je vais vérifier, parce que toi, tu me dis que visiblement, t'as juste dit machin. Ok, je vais vérifier, parce que c'est pas ce que me dit mon ami. Prends les notes. Parce que je te préviens. Pas de soucis, hein, si jamais, si jamais il me dit que toi, t'es là du haut de ton grade de rien du tout, t'es là, tu veux partir en couille avec nous, bah écoute, tu vas l'assumer et tu iras expliquer à ton OG que toi, Terry, t'as pris les devants. J'ai hâte de voir ce qu'il va te dire. Si jamais ça arrive. Je vais confirmer ça. Vas-y. Dès qu'on lève les mains, c'est bon. Ouais, viens voir deux secondes. C'est bon. De toute façon, on va pas te comme ça. Celui qui a le gun, c'est celui qui parle. Et toi, tu réponds. Eh, du coup. Ouais. Le bail c'est quoi là? Le bail c'est j'ai appelé, il me dit non, j'ai jamais. Il commence à m'endormir, je sais que t'aimes pas les balasses, mais dis-moi juste si t'as dit quoi exactement. Il m'a dit quoi? Il au téléphone dit... ou par message? Téléphone, il m'a dit touche-les. Ouais. Touche-les, même si on est en sous effectif, on va faire la guerre, vous savez très bien ça partir en couille. Je lui dis, tu menaces à la compote, on l'a juste attrapé pour le questionner. On commence à revenir sur le fait qu'on lui crève des plans. Rien. Soit tu t'arrêtes, soit je te nique ta mère. C'est con. Eh, rangez les véhicules là. Et après, il a vu que j'avais raison, ouais, que j'ai fait chill. Rangez les voitures en balle. C'est s'il y a des dealers de plaques là qui viennent pas dans les battes à cause de ça. Là, il y a son pote, il commence à faire l'ancien avec moi. Essaye de regarder à travers l'entrée du bâtiment pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que vous dites la rela vraie. Je dis gros, les balles, vous avez tous l'un des bouchés. La deuxième aussi, va se faire. Je l'appelle, il répond pas. Bref, ok, c'est des types qui font les fous. C'est des petits, la vue de ma mère, c'est des petits. Il y a une voiture qui te regarde là. Intéressant. Tu veux que je te gifle? C'est bon, c'est bon. Tu me réponds pas, je te gifle. Je te parle, man. Ouais, non, tu m'as pas répondu. C'est bon. Je t'ai proposé une solution. Non. Je voulais mettre les rayons dans les oreilles de ton vélo. Ouais, et va mettre. J'ai pas écouté, man. Tu disais quoi? Ah, voilà. Écoute. Attends, je vais sortir un quad. Je crois qu'il y a un quad là. C'est pareil. Tu sais très bien c'est quoi le délire. C'est très bien. Au pire, mon Bin, je viens de faire juste le temps de ça. C'est pas réussi, du coup. C'est bon. Mais évite de faire. J'ai pas entendu. C'est bon, pas vrai. Mais c'est pas t'as pas entendu. Ouais, les deux sont encore autour. Ouais, résumé du truc, on a le bon mec, hein, celui qui était en vélo, qui a fait le fou. Enfin, il a fait le fou, tu connais. Pas rien à en tirer, y'a rien à en tirer, je vais les laisser partir. Je vais juste vérifier. On va le fracasser, puis on va laisser partir. Oui, ouais, ils sont déjà fracassés pendant 10 minutes, c'est pas la question. Juste, je vais laisser partir. Par contre, je vais juste vérifier parce qu'en fait, les autres, ils ont pas compris. Là, y'a des types d'en face, ils appellent, quand ils sont téléphonés qu'avec MP2, ils font les fous. Donc, je vais juste vérifier un truc. S'ils font pas les fous et que tu connais, banal, ils disent ouais, vous les avez, faites ce que vous avez à faire, ça va. Par contre, s'ils commencent à menacer de quoi que ce soit, déjà, je leur casse la gueule fort. Et après, je pars en couille avec eux, ça part en guerre, je le dis. Parce que moi, un type qui me dit à moi, OG, là, que blablabla, ça partira en couille, j'espère qu'il est prêt à porter les couilles de tout son quartier. Hein.
Vas-y, vas-y, bah carré, écoute, vas-y, on va lâcher et... Je fais juste un coup de fil avant et bah c'est... Vas-y, vas-y, bah il faut vite lâcher. Ouais, ouais, tranquille. Hey, y a MVP, il a plein de balles, il a insulté sa mère, je sais pas quoi, il s'en bat les couilles de son pote. Vas-y, bah, MVP, viens voir deux secondes là. MVP. Ça serait va vous expliquer. Ouais, MVP, viens là, viens là, en balle là, parce que ces deux petits là, je vais pas les garder 20 ans, par contre l'autre derrière. Vas-y. Donne le nom de l'autre, donne ton numéro à l'autre. Je voulais du poppers pour que ça passe mieux après. Je voulais cacher les balles, mais t'es à l'intérieur limite. Ouais, après, il m'a dit, Terry m'appelle. Oh, allô. Eh, donne-moi le numéro de l'autre. Oh, toujours, toujours, je vais le rendre son tel là. Eh, MVP, MVP. MVP, je vais te niquer, je te parle. Ouais, MVP, tu veux que je te tue maintenant ou... MVP, la donne, ouais, le. Oh, je m'en bats les couilles. C'est pas moi, mais non. Je m'en bats les couilles de Terry, raccroche, je m'en bats les couilles de sa vie. Vas-y, vas-y, mais là, mon OG veut t'appeler depuis tard, mais je l'avoue pas. Eh, je m'en bats les couilles de lui, je veux parler à l'autre là. L'autre qui fait le ouais, fou, celui qui a parlé mal. Si, c'est 72-506. C'est lui qui t'a parlé mal. Vas-y, c'est quoi ton nom, Jace? Ils sont stylés, mes joueurs. Vas-y, bah attends, c'est 92. Non, ouais, 92-477. C'est qui celui qui t'a parlé comme un fou là? Vas-y, vas-y. Non, là c'est le gros porc. L'autre il s'est excusé en message. Il m'a dit rendons les négros et on s'arrête là. Vous a pas marqué en fait. Il m'a dit s'il te plaît. C'est bon, ils ont compris. Ils ont dit, il a dit s'il te plaît. Ouais. Vas-y, c'est bon, 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 sors-les, sors-les, c'est bon, abusé. Ouais, ouais, c'est bon, on va te les rendre tes petits peu, c'est bon, vous avez. Non, c'est pas ça, c'est juste, les négros là qui a fait le fou, hôtel, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Il semble qu'il y a un hélico pas loin. Et je vais dire honnêtement, on a juste au-dessus. Mais il est très haut. Je m'en bats les couilles, mais... Ok. Et fais leur rien, s'il faut, vas-y, vas-y, tu chopes moi, tu chopes les gros, on vient, tu nous fais un truc à nous, mais bon, eux fais leur bon, rien. J'ai entendu ce que j'avais entendu. Pourquoi on les relâche là, y a on eu les ce qu'il fallait de votre côté, ça a pas bombé le torse, c'est bon, je te les rends, faut que je te les ramène à la frontière. Du quartier de même, on va les raccompagner. Ils vont se barrer, basta. C'est bon, vas-y, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais des ballasses, les gars, vous me les sortez à coup de pied au cul, ils rentrent en courant en face, c'est bon. Mettez-les sur la rue de Chamberlain, en face de leur quartier là. Et ils courent, ils cavalent leur vie et ils font leur vie. Mettez-les à poil aussi. J'ai envie de les voir courir tout nu. Sors le bas, prends le jus, garde-le dans ta poche. S'il vous plaît. Juste, dites-moi, les gars, on va les faire sortir de l'autre côté, on va les faire sortir côté Chamberlain. J'ai fait un call, faites-le rapidement, j'ai pas envie d'attendre. Les gars, juste dites-moi, la voiture blanche, elle est où, plus ou moins? Là, oui, ce côté-là, justement, là, s'il vous plaît. Sors, sors. Et côté Maison, mais je veux dire, elle est sur le pont, elle est sur le pont devant Chamberlain. C'est par l'autre côté, faites des balas à la reine qui arrive. Là, il est de l'autre côté du pont. De crâne, on allait faire une frontière. Côté croisement, ce vas-y, Manzo, on va aller faire une frontière. Ah, bah, on va faire une frontière avec 4 voitures de flics à gauche. Ça n'existe pas, les gars. Non, merci. Eh, y'a pas de frontière. Spencer, c'est même pas la peine, on les balance. Ouais, okay. Eh, balance la poêle, avec ils méritent même pas, c'est bon, vas-y. Jure, c'est bon. Poêle. Oh, bah, alors, là, et on met un pied dehors, les gars. Eh, là, tu gardes juste tes claquettes chaussettes, toi, c'est bon, vas-y. Garde juste tes claquettes chaussettes. Dépêche-toi, pose-en par terre. Et toi, je t'autorise à garder ton truc sur la tête. Quoi, mes claquettes là? Tout! Tu gardes tout, frère. Tu enlèves tout, sauf tes claquettes. Vite, vite, vite. Dépêche-toi, enlevez. Côté street motor, pardon. Ils sont dans la voiture, il y a la canaille qui passe devant. Voilà, vas-y, go. Tu relâches la sortie du bloc derrière. Sorti là. Cours. On est en train de passer dans la. Enlève ton temps. On est en train de passer dans la ruelle qu'on voit et ils vont courir en face, vous allez nous voir. Allez, vas-y, vas-y. Eh, je te jure, il y a Spencer. T'as 2 secondes, je crois que c'est un Spencer. Ça va, Spencer. Vas-y, vite. Spencer, je peux t'interviewer s'il te plaît. Moi, faut que je pisse un coup en balle. Oh, Spencer, je peux t'interviewer. Allez, go, on y va. Jamal, c'est encore les deux ou pas? C'est parti. À peu près. Ramène le là. Je vais ramasser, voilà. Ah oui, d'accord. Ta casquette aussi là, oh. T'as cru que on était où? L'hélico se fait courser par une montgolfière. Il a dit quoi, ce fils de pute? Il y a l'hélico qui est juste au-dessus du bas de four là. Et il est très très haut. J'ai mal à la jambe. Il est au-dessus du bas de piscine maintenant. Eh, c'est comme ça, on fait ce qu'on veut. T'as juste des bourrelets. Pourquoi vous les habillez? Bon, parce que c'est comme ça, ils sont dans la vue, ils ont. C'est la rue. Je l'ai renommé, c'est Condal. Le bail. Eh, vas-y, courez, courez, bande d'enfants. C'est bon, ouais, c'est les gars, c'est du RP, hein, y'a rien de grave, hein. Moi, demain, je suis en slip, je m'en bats les couilles, hein. Vous êtes sérieux à faire les choquer, là, mais vous êtes grave. J'espère que vous rigolez, hein. C'est rien, c'est du RP, y'a rien, y'a pas de NHRPD, je m'en bats les couilles. Y'a rien, frère. Y'a rien du tout, genre vous êtes sérieux? Y'a un mec en caleçon, dans un jeu vidéo c'est des pixels. Oh les mecs! Moi ouais, j'attends mon négro, hein, j'ai pas le léger tout seul. À quel moment, genre les vêtements ils ont encore, c'est bon arrêtez! Et demain ils attraperont 2 verres, ils feront la même chose, et c'est le jeu frère! Vas-y, pas mal. C'est tout, faut arrêter d'être. C'est déchoqué de la vie, hein! Ah, c'est pas, on s'en bat d'acquis. Allez, allez, vous faites un tout droit là, vous savez où c'est chez vous, hein, de toute façon. Regarde, mais tu vas tiquer. Manu, vraiment, tu tiquais pour ça et tu joues plus à GTA?
Y'a quoi de... J'ai fait quoi? Enfin, allez, je suis sympa, les mecs, hein, je suis compréhensif. Vous commencez à me connaître, je suis pas le genre de mec à casser les couilles et à faire. Je suis compréhensif. Je peux écouter les reproches, les trucs. Enfin, frère, j'ai rien fait là. Y'a rien. Ils sont en casson. Waouh! Genre, enfin, c'est bon. C'est pas une humiliation, genre en mode. On l'a pas demandé de lécher des pieds ou. Et c'est bon, arrêtez. Y'a rien du tout. Faut arrêter, les mecs. Oui. C'est de l'excès. C'est... Ou alors, on joue plus. On fait des gangsters, on joue plus. Eh hey, radio, appelez-moi Black là, j'ai un truc à lui dire dans la piscine. Qui ça? Black, j'ai un truc à lui dire, appelle-le moi ce fils de pute. Vas-y, je te l'appelle, vas-y. Vas-y, qu'on va pouvoir foquer au-dessus. Eh, hey, je le répète, gardez les toits pour ceux qui l'ont, et les flics ne feront rien tant qu'il n'y aura pas de raison qu'ils le fassent. Donc ramenez-moi juste Black dans la piscine, j'ai un truc à faire avec lui. On 5 j'entends rien. Et les flics, Black, ils rentrent Giro normal. Hein. Je sais pas ce qu'ils font. Hein. Ça rentre dans le quartier, hein. Giro, flic qui rentre dans le quartier. T'entends. Ouais, descend, je crois. Bah, et voilà, parce que. Les ordres, c'est normal, c'est normal. Ils rentrent côté Maisbank. Hein. Bah, on se barre en courant ou on les affronte. Ils rentrent dans la ruelle. Ils sont trop. Dis-moi, je tire. Jack et moi, ils ont combien là? Ils sont combien de voitures? Beaucoup de gens derrière. Pas, on rafale de... ou pas? Dites-moi maintenant ou jamais. Vas-y, go rafale. On rafale? Non, attends. Tu me dis, j'ai juste besoin d'une info. Arrêtez de paniquer. Vas-y. Il y a combien de voitures de flics qui font quoi? Il y en a au moins 6 derrière à côté. Derrière toi. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en face d'eux qui peut leur dire, qui est mentor à deux, de leur dire que si ils partent pas, ça va tirer. Préviens l'air, une bonne fois pour toutes. Il y a Young qui va se faire embarquer. Ouais, ils ont chopé un mec, ouais. Ah Young, dealer, si tu nous entends en radio encore là. Y'a qui d'autre qui s'est fait choper? La weed? Là, c'est là. Moi et MVP, là, on est à l'extérieur du quartier, là, on a un cross. Moi. Juste bonne savoir là, ils sont encore en intérieur en train d'embarquer. Ouais, ils sont tous au même endroit, ruelle convoi côté maison. Ah, on sortit, hein, ça braque. Hein. Ça nous braque. Et... Hey, on peut leur tirer dessus facilement. On peut les fumer en vrai, mais c'est comme tu veux. On va réfléchir. C'est toi. Au pire, Diez, va contact à eux. Faut pas qu'on perde d'armes et tout. Hein. Mais il va me kebra direct si je vais à côté. Bah, bien sûr qu'il va te kebra. Ils sont tous en train de se placer. C'est quoi le plan? Je viens de revenir là. Ça va tirer ruelle convoi côté maison qui a au moins 20 minutes. Est-ce que vous avez vu? Eh, hey, gueulez-leur que ça va partir en couille, hein. Ouais, mais le truc, c'est que moi, ils m'entendent pas. Oh là là, ils rentrent fou. Eh, hey, y'en a un qui est au-dessus d'eux, là. C'est toi, Jamal, au-dessus d'eux? Ouais, non. Cool, hein. Y'en a un au-dessus d'eux, là. Un toit blanc au-dessus d'eux, là, qui parle. Moon, parle avec Moon, eux. Moon parle avec eux et dis-leur que si jamais ils font pas ce que... Ils se barrent pas, ça va partir en couille. Eh, hey, l'hélico, en deux, trois mouvements, c'est fini, hein. De toute façon, non, ça va être le premier truc qu'on va focus. Là, c'est sûr, dépêchez-vous, avec UZI et tout, on les a de dos là. Ouais, j'attends juste la cam de Moon. Ils s'en battent les couilles, hein. Bah vas-y, go les allumer. Attendez. Tant que moi et Diez, on a rien dit, on attend. Si ils s'en battent les couilles, vous les couchez. Moon, tu m'entends? Il t'a dit qu'il s'en bat les couilles. Vas-y, ils vont bouger là. Moon, réponds s'il te plaît. Je vais répéter. Répète-le bien. Barrez-vous, sinon ça va tirer. Libérez notre gars, sinon on les couche. On les a libérés, bah tirer la tête. Ça tire, mais ça tire. Ouais, mais... Quadrillez. Arrêtez les tirs. Mais vous avez déjà tiré, ça sert à rien. On compte engager le truc. Tirez. Maintenant c'est bon. C'est bon, continue. Ça a tiré, je sais pas qui a tiré. Maintenant ils sont dans les blocs, vous les couchez. C'est tout. Ils sont là, ils font des trucs comme ça. On leur dit, je sais pas pourquoi ils viennent déjà. Ils sont dans les blocs piscine à gauche. Tous, je suis dans la caisse, fume les tous, c'est bon. Il y a au moins 4 flics qui sont dans des blocs là. Non, on les a eu dans le bas. Y'a des keufs sur les toits, y'a des keufs sur les toits. 5-6 tombés. Y'en a sur des toits. À gauche. Roll convoi, ça rush. Oh, ça. Attends, je crois que vous l'avez fumé ou pas? Ils sont sur les toits, écoutez, ils sont sur les toits en face. Ils sont sur les toits en face. Les toits, Megamall. En face, Megamall. Un down. Prenez les toits. Toit de droit blanc. Oh putain, j'ai plus. Je sais pas s'il est toujours être. Merde. T'as quoi? T'as un Glock? Elle est toujours là. Viens sur moi, là oui, j'arrive sur toi. Allez, Lico, il va tranquille. Oh là Sensor, reviens derrière nous. Viens là, oui. Ouais, ils sont toujours sur le toit.
Laissez, l'hélico, restez pas sur l'hélico. Je sais pas si j'ai la portée en fait. Gardez vos balles pour les mecs qui sont viens, 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 la weed, la weed. Elle porte 10, il me semble avoir vu un mec qui descend en bas, descend en bas pour me donner. Eh les gars, écoutez-moi, vous voyez la piscine où on a mis les ballasses, ils sont sur le toit de la piscine d'en face, il y en a au moins 3 encore. Et j'essaie de leur tirer dessus, mais je crois que j'ai pas la range. J'ai info sur eux. Ils sont sur toi, porte 10 ou sinon? Non, toi, porte 10, c'est moi. Ok. Il reste encore au moins 3 à 4 flics. Vers le toit, Megamoul. Sur le en toit. Bas. Que j'y colle. Ah, côté, derrière, terrain de basket. Ok. Un basket, il y a une unité qui va s'arrêter là, c'est garé. Les gars, dernier bloc en face des ballasses, je suis avec deux agents. Ils veulent rien faire, ils vont se barrer, ils vont me lâcher. Ok, écoute, stop, arrêtez de tirer. Écoutez-moi, arrêtez de tirer. Young, dis-leur qu'on va arrêter de tirer s'ils te relâchent. Dis-leur. Monsieur, arrêtez de tirer, cessez le feu. Ils vont arrêter de tirer, ils vont vous laisser partir si vous me laissez partir. J'ai pris des balles là. Young, dis-leur. Stop. Ils vont m'emmener, mais là. Mais ils sont en train de me tirer dessus. Arrête, fils de pute. Mais ils se font tirer dessus. Bah, s'ils tirent, tu te défends. Tu me sors quoi? Si tu te fais tirer dessus, tu te défends. Mais Young, dis-leur vite. Young, dis-leur qu'ils vont pouvoir récupérer là. Dis-leur qu'on arrête et qu'eux ils arrêtent. Ils sont dans notre bloc. Ils ont pris le bac. Des gars sur les toits. Arrêtez de dire ça, ils ont notre bloc. Mais sauf on a entendu, c'est bon, stop. La vie de ma mère. Et vous. Je sais, il a été couché, tranquille, tu fermes ta gueule. Non, il y en a un autre qui me tire dessus, Spencer. Il y a encore les flics sur le toit. Ils vont m'emmener à l'hôpital, les deux. Écoute, tu leur dis. Il y a l'écho, sur moi, au-dessus. Écoute, tire dessus, pompe. Juste. Ah, qui traverse la route, tu dis. Vers porte 10. Ok, bon, bah continue à tirer, c'est bon. Ok, un don. Et prenez à votre droite là. Vous à votre droite au niveau skatepark. Skatepark en bas. Ils sont deux. J'en ai donné deux là. Il y en a plus qu'un. Je peux pas niquer. J'ai mal. Ah, au bout de la rue, porte 10. J'ai pris une balle de je sais pas où. Recule la route. Ils peuvent pas avancer sur toi, t'inquiète. Là... Ah, sa merde. Chut, taisez-vous. Maintenant, reste. La Young, s'il te plaît, continue à parler avec les flics, dis-leur qu'ils partent. Je continue à parler, ils veulent rester, ils ont des agents blessés. Ils me lâchent. Mais dis-leur. Je suis démenotté, je peux tirer dans leur bac là, c'est bon. Écoutez, il y en a au moins une dizaine tombées de chez eux. Ils sont trois au bout de la rue. Trois au bout de la rue derrière des voitures. Fort, au niveau du skate, s'il vous plaît, niquez-le, il y en a plus que deux, s'il vous plaît. C'est bon, t'inquiète. Park, s'il vous plaît. J'ai plus de balles. Derrière nous. Ouais, four, y'en a un. Côté four. Les man, s'il vous plaît, niquez-le. Côté four, je l'ai eu. Pire, wesh. À toi, je prends tes balles. Y'a un mec côté basket, on arrive pas à l'avoir, il est vraiment dans notre cul. Prends ses balles, c'est pour toi. À votre droite, tu winkies, y'en a un, je crois, là-dedans. Ah, Uzi, t'es où là? Je suis dans le premier toit où t'étais. Écoutez, y'en a trois ruelles qu'on voit. Ah, sur moi. Aïe! Il était où? Il est dans le bloc. Moi je vais essayer de récupérer comme je veux avec une primo. Moi j'ai posé mon gun en vitesse. Bon, les deux sont down. Bien vu. Écoute, les gars. Ramassez Spencer. Moonbeam, il y en a deux. Moonbeam, go Moonbeam. C'est quoi Moonbeam? Garage Moonbeam, derrière leur convoi de voiture, il n'y en a plus que deux là, je les vois bouger. Jenna, il y a un mec qui m'a tiré dessus derrière, côté four. Oubliez pas un truc, les gars, il y a encore du monde. Ah, derrière les voitures de base là, il y a du monde. Il y a du monde niveau four là. La première voiture qu'on a tirée. Ouais, et y'a encore du monde sur le toit, les gars. Oublie pas le toit que je vous ai collé tout à l'heure. Y'a quelqu'un de chez nous aux voitures de flics où ils ont descendu la première fois? Ouais, y'en a encore deux là-bas. Y'en a trois. Là où ils ont fait la descente, y'en a trois encore. Ok. Derrière les voitures? Derrière les voitures. Mais moi je peux leur tirer, je suis blessé. Allume. Je suis blessé, ils m'ont lâché. Ils sont... Si t'es blessé, t'es où? Envoie-moi une push, je récupère un gun? T'es sorti. Ouais, j'ai un gun. Tire balas, Oji. Moi, je tiens, je suis en train y'en de tirer. Il y en a qui est tombé, vous en avez tombé un, il y en a encore deux, les man, continuez. Envoie ta pause, une. Oui, t'es où là, oui. Je t'envoie ma pause. Je pose où t'es, j'ai tiré. Un down. Les gars, je vous dis. Il y en a encore un vote. Ok, on les tire. À la droite du Moonbeam. À la droite du Moonbeam, il y en a un. Non, frérot, non. Deux en face ruelle du four. Ça arrive derrière nous, dans notre bac, le premier bloc. Le premier bloc, les gars, revenez vers moi, reviens vers moi, ils sont trois. J'arrive. Eh, MJ et Tech9, regardez le mec. Essaye de monter, je crois. Je vais, les gars, si vous pouvez tempo, je vais essayer de récupérer ceux qui sont blessés comme je peux là. On a Spencer dans notre bloc aussi. J'en ai deux dans le bloc. On a encore une auto qui tourne, la moto, essayez d'aller aider ceux qui sont sur les toits encore, comme vous pouvez. C'est qui les deux sur la moto là?
MVP et Tunky là. Essayez d'aller clean avec, avec Tech9, Uzi et Guinette qui sont encore sur les toits. Essayez de vous regrouper et de récupérer. Moi j'essaie de récupérer, j'ai pas d'armes, de toute façon je peux pas me faire. Ils sont niveau maison OG, ils rush niveau maison OG. Maison OG côté toi, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Ok, ok. Ça va être chaud au niveau des balles, les potes. Hein? Ah, tirez pas, tirez pas dessus. Mets-toi derrière. Ouais, je suis au bloc. Dans ce cas. Un D5, ça rend fou. Économisez vos munitions là. Les gars, attention, il y en a un qui fait tour, garage. Garage au fond, en face Moonbeam. C'est comment de votre côté? C'est un carnage, c'est trop. Il y en a un dans ton bloc, Uzi. Un dessous toi dans ton bloc. Ah, sa merde. C'est un carnage, ça pue sa merde. Deux garages Moonbeam, les gars, deux garages Moonbeam. Un qui vient d'arriver. Ça, j'étais à live. Trois ruelles four, ça tourne. Ouais, trois ruelles four. Ruelles four. C'est donc ça. Ah, sa merde. Vieille, si tu t'envoies une pause. Ouais, je peux pas passer, c'est mort, laisse tomber. Je vais reprendre. C'est impossible. Laisse passer. Et je bouge, c'est bon, je bouge. Bon, écoutez-moi, j'ai fait le tour en vitesse. Alors, regardez, pour, j'ai la com de 3 personnes. J'ai 3 mecs au four, ok. Là, tu l'as eu. Ruelle four. Derrière toi. Et un man. En dessous. Aïe. Ah, ça merde. C'est argent de mec. Toi ou pas là, s'il vous plaît, là. Ouais. Regardez direction Moonbeam, regardez Moonbeam. Là-bas, il y a du mouvement, s'il vous plaît. Il y avait. Dernière com que j'ai, les gars, c'est 3 au four et 3 au garage Moonbeam. Derrière. Moonbeam, ça rush là, côté Moonbeam, ça rush là. Allez, allez-y. Moonbeam, on a pas de vue de Moonbeam. Hein. Les gars, je vais avancer, je vais essayer d'avancer, mais ils vont me tirer sur. Moonbeam, y'a tout qui s'est fait laver là, je suis tout seul là. Vas-y, c'est moi, je vais essayer de te récupérer en moto. Y'a deux man, porte 10 les gars dans la ruelle, porte 10 y'a deux man. Ouais, j'ai bougé moi, j'étais porté mais j'ai boué. En gros, là, ils sont en train de. Y'en a un ruelle four, pas ruelle de base là. Y'en a un qui a rush ruelle convoi. Qui est dans la ruelle convoi. Russ, va dans l'autre bloc. Va dans l'autre bloc. On en a trois qui courent parking, qui courent tennis. Ah, j'ai plus de balles. On te fout là. Y'a des gars à nous sur les toits ou pas? C'est vous sur les toits? Écoutez les gars, y'a du monde qui. Je vais essayer de choper une conversion avec un cops là pour lui dire de se casser là. Parce que ça part trop en couille, on va devoir récupérer nos blessés sinon ils vont canner là. Y'a deux cops qui là. Se barrent, Moonbeam. Y'a trois, y'en a un qui est down, il ramène le 3, à 3. Il se barre à 3. Ah, mais là on les a lavés, hein, je vous jure. Tranquille, là, je vous donne les coups. Non, je prends pas d'armes, ça sert à rien. Ça a déjà assez tiré. Ils sont en train de tirer. Moi, j'ai tiré mes balles. Moi, c'est pas comme ça que je vois l'intérêt. Là, le but, c'est pas de coucher tous les flics. Le but, c'est d'arriver à une fin de scène qui vaut quelque chose. Ça sert à quoi de prendre une arme et aller tirer pour tirer, frère? Oh, le putain d'hélico. Ça m'intéresse pas, moi, ça. Ça m'intéresse absolument pas, genre. Aller tirer sur des flics qui sont en train de. Non, moi, je veux avoir une scène où je discute, frère. Moi, je veux juste discuter. Les cops qui prennent la voiture de direction au garage. Ils s'en battent les couilles. Bah, vous en battez les couilles, ça tire. C'est ça le problème aussi avec vous. Moi c'est discuter. Mort, je suis caché dans la casse là. Tu sais où là? T'as dit quoi? Moi je suis en moto autour, hein. Je vais essayer de voir, de choper un contact avec eux. Vas-y, je vais tenter un truc, vas-y. Je vais tenter un truc. Qui sa mère. Arrêtez de tirer, s'il vous plaît les gars, arrêtez de tirer, s'il vous plaît. J'en ai un qui me tire dessus. Couvrez-vous, s'il vous plaît. Écoutez ce call-là, juste couvrez-vous, je vais tenter un truc. Ok. Donc juste couvrez-vous, je vais tenter un bail. Je peux pas mieux faire que ce que je vais tenter de faire. Donc couvrez-vous, pensez vos blessures. C'est un de chez nous qui a rushé la piscine ou pas là? C'est moi qui avance dans la ruelle convoi en levant les bras. Je vais essayer d'aller parler avec un de leurs flics. S'il vous plaît, faites en sorte de soigner vos blessés qui sont à côté de vous et faire en sorte. Je vais essayer de parler avec eux parce que là c'est bon aussi. Mon quartier c'est pas un champ de bataille. C'est bon, j'ai un flic devant moi qui me quebra, je vais parler avec lui. Arrête, dis-leur d'arrêter de tirer. Stop fire, tu vois bien, mais vous êtes débile ou quoi? Ça fait combien de fois qu'on. Écoute, c'est quoi ton blaze? Arrête de me braquer, j'ai même pas d'armes, je viens discuter, j'ai pris une balle dans le bras. Ok, écoute, t'as pas l'impression là, c'est le bordel. T'as pas l'impression là, t'as tes hommes ils sont en train de crever, j'ai des gars de chez moi, c'est la galère là. Tu veux pas récupérer tes gars? Les amener à l'hôpital et je m'occupe de mes cas qui sont blessés et on arrête là? Ou tu veux qu'on continue à tirer et tu vas perdre ta famille, moi je vais perdre la mienne? C'est quoi que tu préfères faire? On est des cons ou on est des mecs intelligents? Intelligents. Ok, parce que là à la base vous êtes venus chez nous, on vous a dit qu'on voulait pas d'emmerde et à chaque fois ça part en couille. On vous voit rien nous, on vous voit pas, on est contents.
Tout ce qu'on veut, c'est être tranquille dans notre vie et faire notre vie. Et à chaque fois que vous venez foutre le bordel, vous venez tuer des gens. Il y a des familles ici, putain. Il y a des enfants, il y a des mères de famille. Il y a des tantines. Mais c'est pour ça, faut pas mettre en danger les gens qui sont ici. Mais c'est vous des activités qui la merde. Eh, écoute, la rue, ça, on est pas là. Écoute, on prendra, si on ira boire un verre pour discuter de comment ça fonctionne dans la rue. Je pense que c'est pas le moment. Il y a des mecs qui sont en train de se vider leur sang chez toi. Et je pense qu'il y en a plus que chez moi, même à mon avis. Donc ce que je te propose, t'as ma parole d'OG, ok? T'as ma parole de chef de quartier que à partir de maintenant, si tes flics rangent leurs armes, ils pourront récupérer leurs collègues et s'en aller tranquillement. En échange, ce que je te demande. Je veux ta parole d'agent de police, que tous mes gars qui sont blessés et qui sont en train, qui sont sur les toits, qui sont encore là, ils rangeront leurs armes et je veux la même chose de ton côté. Je vais voir ça. 13 pour toutes les unités, tout le monde. Je baisse mes bras mais je vais rien faire. Vas-y, baissez vos bras, je regarde. Écoutez, là je viens d'avoir une discussion avec le OG des Families. C'est grave. On s'est échangé des mots, comme quoi il y a énormément de personnes chez eux qui perdent du sang, chez nous également. On sait où, on prend la décision de continuer le ça normalement on le fait avant de tirer les frères, je fais pas à la fin. Je me tirer dessus en terrain de basket. Je suis toujours dessus, moi j'étais en train de lever les mains. Écoutez-moi s'il vous plaît, j'ai un flic devant moi, ça va s'arranger, juste faites en sorte de rester en vie et de faire en sorte que ceux qui sont à côté de vous qui sont touchés restent en vie aussi, c'est tout ce que je vous demande. Et restez sur les flics. Les flics aussi. Les flics aussi, ils vont pas vous tirer dessus. Attendez, restez en stand-by, arrêtez de me contrecom. Je suis obligé de dire que c'était l'OG, mais je suis masqué, je m'en fous. Et ils le savent déjà, de toute façon. Et tout, je m'en bats les couilles, j'ai tapé. J'arrive skip. C'est bon là, le but c'est pas de faire du. J'en ai marre du call of, frère. 10-23. C'est bon, je vais pas te faire essayer, hein, mais je pense que c'est pas un truc qui demande du temps de réflexion. Y'a des mecs qui sont en train de crever, t'as demandé ça à qui? Et ton chef il est con quoi. Oh, moi je pense à ma famille avant de penser à autre chose, hein. Je m'en bats les couilles de des flics là. Moi je pense à mes mecs qui sont en train de mourir. C'est ça qui m'intéresse là de suite. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir s'il y a des flics qui sont au sol? Clairement. Il y a des mecs. Y'a quoi à négocier là? Récupère tes gars pour pas qu'ils meurent. Y'a quoi à discuter? Ouais, vers terrain de tennis, etc. Je comprends pas là. Le problème c'est que j'ai beaucoup d'hommes qui arrivent là. Mais t'as beaucoup d'hommes qui arrivent. Mais écoute, mets-moi les pinces et tout le temps que t'auras perdu, alors je te propose une solution simple pour récupérer. Tu vois, le même mec là-bas, il est en train de crever, la bouche ouverte. C'est ça que tu veux? Que tu veux avoir la mort sur tous les mecs que t'es là, tu veux les avoir dans ta conscience? Tout ça parce que t'as voulu abuser du bail et arriver avec encore plus d'unité pour arrêter les trois autres mecs sur le toit? Mais mets-moi les pinces, mets-moi tout ce que tu veux pour mon quartier. Mets-moi tout ce que tu veux me mettre, mais laisse mes gars se faire soigner. J'en ai rien à foutre de ces histoires. Y'a des mecs, y'a ma famille qui est en train de crever. Je comprends. C'est grave. Par contre, il y a full cops au niveau terrain de tennis. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué de quoi? Vous voulez quoi là? Vous voulez qu'on parte, c'est ça? Je veux juste que ce bain de sang s'arrête, que je puisse mettre ma famille à l'abri et que toi tu puisses récupérer tes gars. Le problème c'est que nous on est là pour quoi? Nous on est là parce que vous avez fait une connerie avec un balas et nous on est là pour que justice soit rendue. Donc tu crois que les balas ils ont besoin que tu viennes J'ai même pas les mots, je comprends pas. Donc là t'es en train de me dire que tout ce bordel là. Nous on est venu là parce qu'il y avait eu un balas pris en otage, c'est juste ça. Il est pris en otage de quoi? On l'a embarqué, on a discuté avec lui, il est reparti, il a eu un coup ou deux sur la tête, c'est tout. Y'a rien du tout. Y'a rien. Vous êtes là, t'es en train de me dire que tout ce bain de sang, c'est parce qu'il y a un violet dans un quartier Families. Vous êtes des malades. Un balas qui s'embrouille avec un Families, ça mérite tout ça là? Ça mérite d'avoir autant de bordel? Ça mérite que toi tu puisses faire ta famille et moi la mienne? Mais vous êtes des ravagés les mecs hein. Faut remettre... Que non, ça mérite pas ça. On en est où là? Donc t'attends les renforts. Il se passe quoi là? Parce que là on est en train de se faire encercler hein. De toute manière les gars, je suis en train de négocier, je suis en train de faire mon maximum, ok? Donc mettez-vous à l'abri, essayez de vous mettre à l'abri et de faire ce que vous avez à faire, ok? Parce que de toute manière il y a les renforts qui arrivent et ils sont massifs. Donc je suis en train de négocier comme je peux avec ce que j'ai. Pour pas Je viens de voir les renforts, ils sont tous niveau basket là. Ouais. Basket. Bah faites, voilà. Essayez de faire au mieux, ok? Ok. Essayez de vous cacher, de sauver vos armes et de récupérer les armes des gens, de faire les premiers soins, de faire tout ce qui est nécessaire. Je vais essayer de négocier, je vais faire de mon mieux. Ouais, mais s'il fait ça, c'est fou nul, tu vois. Bon, moi, ça prouve que moi j'ai joué ma scène et que ça a été naze. Du coup, en fait, c'est quoi le bail là? Tu les laisses se vider de leur sang, tu vois, pour pouvoir rappeler tes renforts. Et comme ça, derrière, c'est quoi le bail? Explique-moi, je comprends pas très bien là.
Je... C'est pas facile là, c'est pas facile à prendre des décisions là. C'est pas facile de pas laisser des gens mourir. Moi décision elle est toute prise hein. Et je te parle en tant que gradé de chez moi hein. Moi ma décision j'en ai rien à foutre. Je pense pas à savoir si je vais gagner, perdre des gens ou quoi. C'est là, ce qui est important c'est la vie de mes gars. La police à l'arrière, je vais pas te mentir, je m'en fous un peu. Mais ça reste des êtres humains et c'est ta famille. C'est ça qu'il devrait prévoir sur ça. T'as un mec là-bas, je le vois, il est en train de se faire les premiers soins. J'ai eu la radio. Tu le sais autant que moi, tes pertes que t'as. Ok. Proportionnellement, t'as eu plus de pertes que moi. T'as plus de mecs qui sont en train de crever. Le temps que tu perds à appeler tes renforts et à encercler les 5 autres mecs qui restent, ok, ou 6, 20, 40, c'est ce que tu veux, on s'en fout. C'est le temps que tu perds et que tes gars vont mourir. Alors, une fois dans ta vie, Milano... 13 pour dispatch. Tout le monde écoute, s'il vous plaît. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Merci, le carnage a assez duré. Merci, vous allez prendre tous les agents. Merci. Vous les mettez dans des véhicules. On amène tout le monde à l'hôpital. Il y a tout le monde qui baisse ses armes. Merci. De l'autre côté, ça baisse ses armes. S'il y en a qui trahit sa parole, ça part en fusillade. Merci pour ça. Là, je vous demande juste que tout le monde prenne les agents. On prend tous nos véhicules. On les ramène tous à l'hôpital. Là, c'est fini pour ce soir. C'est bon pour tous. C'est bon, il y a le gradé, il a fait son taf, là, ils vont pas tirer. Je veux aucun de chez moi qui sort un gun ou quoi que ce soit. On va une seule fois dans notre vie leur faire confiance pour pouvoir sauver les gars de chez nous qui sont en train de se vider de leur sang. Donc ils vont s'occuper tout de leur blessés. Tout le monde vous courez sur les agents, vous les ramenez au véhicule et on rentre à l'hôpital. C'est normal, c'est ça, c'est énervé, voilà. Pointé sur la gueule, là. Je vais lui dire. Ça pue, hein. Il y en a qui sont encore en train de se faire braquer à la M4, si jamais 13 ans. Les agents qui pointent à la M4 des familles, ils sont en train de rentrer en visant dans le bloc. Bizarre. C'est ça, c'est bon. C'est bon, c'est baissé normalement. Bizarre pour des mecs qui veulent juste la paix. S'il vous plaît, la weed, refais-moi un commentaire comme ça, je vais m'assurer que tu te vides de ton sang, ok? J'essaie de régler le problème, j'ai pas besoin d'avoir ça. Est-ce qu'ils ont arrêté de vous pointer? Normalement, oui. Est-ce que je peux avoir une réponse pour ça, s'il vous plaît, les gars radio là? Je les vois plus, moi. Ok, normalement, c'est bon. Écoute, je vais te laisser t'occuper en premier de tes gars parce que c'est chez nous, donc c'est pratique. Je te laisse faire ça. Tu t'occupes. Après, voilà. Moi, j'ai donné ma parole et je t'assure que le premier qui tirera de chez moi alors qu'il y a un mec, c'est moi qui lui mettrai une balle dans la tête. Donc, moi je peux pas mettre une balle dans la tête mais attendez. Tu feras ce que t'as à faire de ton côté. Putain, heureusement il est là parce que je te jure. Ce qu'on va faire, faites un 10-35 66, tout le monde ramène les corps là, on ramène tous dans des véhicules, on ramène tous les véhicules là-bas et on rentre à l'hôpital les soigner là, c'est bon? Oh là heureusement. Voilà, je veux toutes les unités, tous les véhicules là-bas, on ramène tous les agents dans les véhicules et on va vite à l'hôpital. Silence. Tous mes agents vont arriver là, avec les véhicules, on va charger tout le monde et on rentre à l'hôpital, c'est bon? Oh putain, voilà, la discussion était cool, il y avait de la pression, côté, c'est une vraie pression. Notre côté. Ah non, ça tirera pas, ouais, mes petits faux tireront pas. Ginette, tu sais que t'as ta radio allumée là, essaye ceux qui sont... T'as dit quoi? Y'a pas de pas comprendre, vous faites ce que je vous ai dit, on parlera après. Je t'écoute radio, dis-moi. Ouais, on peut sortir des voitures ou pas pour emmener les mecs à l'hôpital? Là, j'ai juste ma parole, j'ai fait ce que je pouvais faire, faut que ça soit tenu de votre côté. Hein. Là, ça j'ai dit à tout le monde de baisser des armes. T'as ma parole de dire, y'a aucun de chez moi. Eh les gars, vous savez quoi, même radio, y'a un flic qui vous tire dessus, vous levez les mains. J'ai juré, vous levez les mains. Ils tireront pas. C'est la famille qui est en priorité, on va sauver notre famille en priorité. Vous levez les mains, vous occupez des blessés. Ok, Diace. C'est celui-là qui vient de m'envoyer une pause, c'est chaud. Ils tireront pas. Parce que j'ai les agents qui se commencent à se ramener au niveau du 10-35 de 66 là. Écoute, je vais commencer Viana. À... Ouais, faut nous aider à... Heureusement Milano c'est un bon. Vas-y, je vais t'envoyer. Heureusement il a pris la bonne décision. Parce que la pire décision au niveau RP ça aurait été de dire on les baise. Heureusement, là il a juste prouvé que la LSPD il sait faire un champ, voilà, merci. Rien que ça, merci. Aïe aïe aïe. Ça paraît bizarre mais t'as pas un truc à boire en hein, balle. Allez, on en est là quoi. Putain. Non, merci. Eh, j'en profite que je t'ai sous la main et que visiblement t'es l'air de penser plus à la vie de tes hommes qu'autre chose, contrairement à certains. Eh, les balles là c'est nous, ça date pas d'aujourd'hui. Ok. Ça date je sais que c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est des choses qui... On a conscience que ça peut poser problème, tu vois, pour la ville et pour ce genre de choses. Mais on essaie toujours de faire en sorte que ça inclut pas des civils dedans ou le moins possible. Notre but à nous, c'est pas d'avoir les flics contre nous. Nous, on veut juste faire ce qu'on a à faire. Ne vous inquiétez pas, ils vont juste venir là-bas, c'est pas pour vous. T'as bien compris que j'étais pas venu pour autre chose que pour parler, moi. Moi, j'en ai marre de tirer. Je suis un gangster, mais tirer pour tirer, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est que... Viens, on me donne des infos, parce que toi, t'as rien fait. Moi, je veux pas faire des infos ce soir, toi, c'est pareil.
je pense que... Ok, je viens de voir là, une, ce qu'on va faire, c'est deux... qu'on vous embête juste deux un peu là, on récupère nos hommes, se barrer à l'hôpital et on quartier. Quartier. C'est normal les gars, ils sont appelés les renforts pour récupérer les gars de chez eux, c'est normal, faites la même chose. Non, non, c'est juste qu'ils viennent se barrer du quartier. C'est normal, c'est... ils ont des ordres et c'est Milano qui leur a dit de faire ce qu'ils avaient à faire. Donc là on prend nos hommes et on rentre chez nous. J'espère, ouais, bah de toute manière nous on va faire pareil, on va les récupérer, on va les envoyer vite à l'hosto et j'espère qu'ils seront pas... Ils seront pas trop... Ça marche. Nous on veut juste que... Je comprends que vous ayez des différends, je comprends que y a des... la rue c'est pas facile, etc. Tu l'as bien dit, je veux pas que ça mette en danger la vie de citoyens qu'on va demander, comme tu l'as si bien dit. Ici il y a des familles, il y a on des gens qui ont demandé, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des grands-pères, il y a des grands-mères. Et je pense pas qu'ils ont envie de vivre dans un lieu où... J'ai une question à te poser, t'es un gradé toi, je le sais, j'ai déjà vu, je sais que t'es un gradé. Ouais, ouais. Pourquoi vous arrivez dans une... Tu vas pas te casser les couilles, je suis déjà en voiture, tu me donnes ta paix. Pourquoi tu viens pas avec tes véhicules, tu te gares, et tu viens me parler, et tu me dis on sait que vous avez quelqu'un, relâchez-le, on le relâche. Par contre, fais gaffe, il y a toujours l'hélico. Non, on aurait pu... C'est une meuf, je suis en banane. C'est pas la première fois. Je suis d'accord. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, on est là, on a rien... Je dis pas qu'on est pas blanc, ok. Il y a des trucs. Tu vois, on fait des conneries et on les assumera quand on devra les assumer. Je les ai toujours assumés, moi, y'a pas d'histoire. Mais. Même voiture de cops, 5ème voiture de cops qui se barre du quartier. On est plus en train de se défendre que d'attaquer, et surtout les cops. Hein. Moi je cherche pas à. J'ai 5 voitures au moins. Je conflit avec vous parce que je sais qu'au final, si vous claquez les doigts, c'est vous qui aurez le dernier mot. Et qui c'est vous qui allez raser mon quartier. Sauf qu'au bout d'un moment, je l'ai demandé, hein, avant que ça parte en couille. Vous aviez un de mes gars sur la radio, je lui ai dit à un de tes policiers, arrêtez, laissez-moi tranquille parce que là ça va s'agiter. Le fait qu'il a répondu qu'il s'en battait les couilles. Vous pouvez pas vous en battre les couilles. Faut pas les écouter ces gens-là. Mais on peut pas les écouter, mais c'est le mec qui s'occupe de mon négro. Je vais pas laisser mon négro se faire embarquer. Clairement. C'est tout. Je suis d'accord. Et il faut que je fasse quoi? Faut que je cours en plein milieu des gens qui tirent dessus pour dire hey, Milano viens on parle parce que les autres sont cons. Non. Moi mes types, on va dire pas ça comme ça, ils sont dressés. Jamais ils vont tirer si on leur dit pas de tirer. Sauf qu'ils en sont obligés, je suis obligé de donner cet ordre là. Pourquoi? Parce que les mecs ils savent pas s'arrêter. Pourquoi? Le balai il est parti. Encore le balai serait là, on serait en train de le torturer. J'avoue, vas-y, viens faire ce que t'as à faire. Le mec, on l'a laissé partir. Clairement. Donc là, on a mis la. Ah, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Donc on maintenant. On a mis la vie des gens en danger pour rien. Parce qu'on voulait interpeller les personnes qui ont fait ça. Les flics, ils ont perdu. Là, pour moi, il a fait une masterclass, le flic. Vous inquiétez pas, il a fait une masterclass. Minutes comme ça, je suis en discussion avec. Tête de ma mère, si lui, il mérite pas une promo. C'est ça, un flic. Un flic, c'est un mec qui pense à la ville, en fait. C'est pas un mec qui. Lui, il a masterclass. C'est tout. Je le connais pas, je sais pas qui c'est, je m'en fous. Masterclass. Ça marche. On est conscient qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs des deux côtés. Vous auriez pas dû faire ce que vous avez à faire, même si vous dites que c'est la rue, etc. On n'aurait pas dû intervenir comme ça pour mettre la vie en danger de certaines personnes. On est d'accord. Là du coup comme tu l'as très bien dit c'est très simple, on prend nos hommes, on va à l'hôpital, tu prends tes hommes, tu vas à l'hôpital, qu'ils se fassent soigner, désolé, qu'ils aillent mieux, taf, et voilà. C'est même s'il a la haine, je vous dis qu'il a la haine, j'en sais rien, je le connais pas donc dites pas des trucs. Et en espérant que ça recommence pas d'ici tôt. Non mais tôt. On va se détendre, je pense que là ce qui s'est passé on va se détendre. Là on va se détendre et je vais dire, on va vraiment essayer d'arriver à parler avant de tirer avec vous parce que... Je le répète, même moi, je me suis déjà fait tirer dessus par la police, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de terminer en grillière. Hein. Non mais clairement, moi non plus. J'ai pas envie de mourir non plus. Notre travail, on le fait pas pour prendre des balles ou non, je ne sais quoi. Il a mon gun. Et vous le savez très bien. Spencer, il est dans le bloc, premier bloc à l'entrée là. Donc là, t'as encore envie toi, enfoiré. Bien sûr, que je vais ramasser tout le monde. Ça fait plaisir. Et juste pour dispatch, ça en est où au niveau des agents? Je vais venir chercher, je vais venir chercher Spence. Ouais, il faut le récup lui. Je sais plus qui dans le. MJ. MJ, j'ai ramassé MJ. MJ, j'ai ramassé. Ouais, il y en a un dans le QG, dans le rue, dans bloc QG. Dans la piste. Ok, je vais aller voir. Là, je vais prendre mon il est ça bon, lui, il est dépouillé. Je l'ai. C'est bon, le micro normal. Spence, il est où, t'as dit? Premier bloc, deuxième bloc, Chamberlain à droite. Je vais essayer de m'en occuper, voir s'il est encore là. Un chercheur à toi il était sur les toits ou dedans? Tranquille. Ce qu'il y a à faire, ils le font, tranquille. Le but, c'est qu'il soit sauvé. Moi, je veux juste pas qu'il y ait mes agents dans des ruelles de ton quartier. Écoute, si je vois, dans ma parole, si je vois un agent de chez toi qui est au sol chez moi, je me ferai en sorte qu'il aille à l'hôpital de la meilleure des manières, t'inquiète. Il y aura rien, il y aura pas d'histoire de autre chose. Ouais, si jamais t'as un à oublier. Il y a d'autres personnes. Non, il y a que dalle. Ah, ça marche. Il y a une motocross, c'est toi. Attendez. Ok, viens me voir. Où je te trouve déjà?
Ok, bah nous on va y aller. Faites, ouais, un peu moi Death, parce que Baker ça me rappelle le coup de cœur, ça m'énerve. Pas de soucis, pas de soucis. Allez. Eh ben, bonne soirée. Ouais, bon, on va se revoir à l'hosto de toute façon, à mon avis. Je pense. Allez, bonne soirée. Ouais. Ils remballent les flics, donc. Ah, et une dernière chose, si vous voyez un flic dans les ruelles, vous l'envoyez chez les internes. Je lui ai dit parce que il était pas récupéré tout le monde, mais voilà. Il se barre et il sent bain de sang. Pour une fois, on fait ce qu'on a à faire. Vous avez pu récupérer ce qu'il fallait récupérer ou pas? Moi j'attends Uzi, je te vois pas là. Vas-y, côté maison, on dit. Ok. Côté four. Est-ce qu'on a récupéré Jamal aussi? J'ai récupéré. Ils sont sur les toits, il y a un hélicoptère qui est allé chercher là. J'ai récupéré sur Spencer, okay. C'est bon. C'est moi, je vais prendre une primo pour. J'ai tout récup, hein, j'ai tout récup sur les deux, sur le toit. Non, mais je m'en fous de si t'as récup, juste voir s'ils vont bien en fait. Je m'en bats les couilles des armes là, vous foncez trop aux armes. Hein. J'ai fait les premiers secours. Ok, bon, ça va alors. Récup de Spencer pour l'emmener à l'hôpital. Voilà, c'est nos négo, ça a été cool, ça fait plaisir d'avoir l'hôpital ça. Du sud, c'est ça que moi j'aime dans l'RP, c'est pas tirer, hein. Bah, bien sûr qu'il y en a qui étaient pas d'accord, il y en a qui voulaient tirer, mais c'est pas ça le RP. Là j'ouvre une porte de sortie à tout. Je l'ai pas trouvé. Mais peu importe si on perd des guns, voilà, au moins les flics ils ont prouvé qu'ils étaient pas. C'est qui je m'en bats les couilles des guns moi. Bien sûr, tu m'as dit les. Vous êtes là, vous pensez aux guns, qui je m'en bats la race. Deuxième bloc à droite, Chamberlain, quand t'arrives de maison OG. Le deuxième bloc il est devant la porte. Ok. Quel est l'intérêt de tirer là? C'était quoi la suite? Il rappelait des renforts et il continuait. Et j'avais encore 5 gars sur les toits et c'est des tireurs. Ils auraient encore perdu du monde, on aurait encore perdu du monde. Il y a à un moment donné, ça pue sa mère en fait. Parce qu'à partir du moment où, genre, on refait un gunfight, ça veut dire quoi? Mais niveau RP, les mecs qui se sont fait tirer dessus à 10 minutes, ouais, ils sont morts. On fait du RP, on fait pas du Call of Duty, vite ma mère, c'est trop. On est où là? Quel bail? Heureusement je suis tombé sur Milano, hein, parce que je serais tombé sur un flic un peu con, et il m'aurait dit nique ta mère quoi. Et heureusement Milano c'était lui, je lui ai jamais parlé à HRP, mais je l'avais déjà fait quelques années avec lui, à chaque fois que j'ai fait il était carré et voilà, lui au moins vas-y. Il y a encore des mecs conscients pour envoyer un message de leur position s'ils peuvent là. Il y a des mecs qui ont pas été ramassés, essayer d'envoyer une position ou quoi. Sinon, ouais. En fait vraiment, je pense qu'il y en a plein qui ont été, de ce que m'a dit le flic, il y en a aussi qui ont été envoyés en hélico. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on les voit plus. Aïe. Faut que je fasse mon pain moi aussi parce que j'ai pris des balles là. Ça va, heureusement. Enfin en vrai j'ai pas pris le tarif donc je pourrais y aller après. Le problème c'est que le RP hôpital là ça va être... Je sais même pas combien il y a de personnes. Je crois que j'ai couché personne. Par contre j'ai frère vraiment que je règle ma sensi, je tire comme une merde. Je viens de me rendre compte là avec le Glock, je tire comme une merde en fait. J'ai aucune sensi, j'ai rien de réglé. Ma souris elle part en couille. Frère, j'ai trop la pute des anciens. Bref, vraiment que je vais aller régler mes settings aussi parce que c'est plus possible. Parce que vu que ça tire, bah faut que je tire aussi. Mais vas-y, moi de base, là. Bon. Je crois que tout le monde a été ramassé sa mère. Non, mais. Alors déjà, le M n'a rien à voir avec le fait que je gère pas le recul en fait. Vous voyez bien quand je tire que ma souris elle part en couille. Mais je sais viser à la base, c'est juste que là vraiment je fais de la merde avec le recul. Je vais régler la sensi et ça ira déjà un peu mieux. Je serai pas un crack hein, parce que je m'entraîne pas trop sur Gang Game et que je passe mon temps à tirer. Mais voilà, je sais tirer sur un mec devant moi quand j'ai une sensi correcte, frère, ma sensi. Ouais, bah ouais, après ça. Je sais pas combien de filles qui a été couché mais ils ont eu des pertes. Hein. Prends des thunes, Lovin. 09, ouais, bon, 09 sont. Je joue à Valorant, moi, non, flemme. Je viens de désinstaller le truc de Vanguard de mon cul, là. Après, nous, on a tenu les blocs, on a géré le truc, hein. Sur moi, Nego. Putain, le RP de. Ah, si, faut que j'y aille au sto, moi. Attends. Vous avez bien posé vos guns, les mecs, hein. Là, oui, si t'es blessé, va à l'hosto, hein. J'y vais. Mais je vais t'amener, ramène la voiture, je vais t'amener. Parce que là, après, la voiture elle est là-bas. Ramène, reviens vite fait. Je suis devant le bloc que t'es passé là, le four.
Laisse conduire si t'es blessé hardcore, moi j'ai pris qu'une balle. j'en ai pris deux, c'est chaud. Il y a des trucs dans la voiture, en gros. Il y a quoi? L'arme, il y a mon arme. Mais attends, mais pourquoi tu les... Vas-y, go. Go déposer ça. Non mais go les déposer en vitesse et je t'amène après. Ah ouais, vas-y. Pourquoi tu veux avoir un gun sur toi maintenant? Oh, je sais pas, je sais pas. Ton problème, c'est que tu sais que tirer, en fait. Arrête de dire ça. C'est vrai, là, oui. Tu m'as quand même dit arrêter de tirer et le mec il me tirait dessus. C'est... Ouais, peu importe, je peux pas. Non, mais non, tu cries tout le temps. Tu devrais t'écouter et écoute-toi, tu verras. Ouais, je sais. Ah, merde. Mais je répète qu'on n'a pas battu la LSPD. Hein. Pour moi, la LSPD, là, ils ont fait une masterclass à la fin. À la fin, le début était un peu compliqué. Mais Milano, il a carry, frère. Milano la carie. Tous ceux qui disent que la police s'est pas s'arrêtée, bah c'est pas vrai. Je suis sur leur barrage de merde. Hein. Là, je sais pas, c'est bon. J'espère que les mannes de chez nous vont faire le taf. Il a carie, frère. Ils l'ont clairement fait. C'est tout. Heureusement d'ailleurs qu'il a carie, parce que sinon ça sert pas. Ouais, Audi, hein, bien vu. C'est... Ouais, t'inquiète. Je tenais vraiment, je te respecte encore plus. Vraiment, ce que t'as fait là, incroyable. Oh, attends, j'ai quand même autre chose sur moi là. Vraiment, je vous jure, j'en peux plus de la weed. Drogue, hop. C'est qui derrière qui est blessé là? C'est qui derrière qui est blessé? The Moon. Vas-y. Un Boon, il a pris tarif lui par contre. Je vous dépose là, allez les gars. Viens, Moon. Je suis porté. Bonjour, vous pouvez éviter de se garer ici s'il vous plaît. C'est, ils sont blessés par balle, j'en ai 2 secondes, Doc. Vraiment. Je fais vite. Soit j'appelle la fourrière pour emmener votre. Tu m'entends ou pas, Doc? Tu m'entends? Oui, enfin à dire le ferme ta gueule, vous pouvez éviter. Qui t'a dit ferme ta gueule? Qui t'a dit ferme ta gueule? Je sais pas, mais c'est un de vos collègues en tout cas. Je vais lui niquer sa mère, t'inquiète. Il est blessé par balle, il est t'inquiète. Oui, allez-y. Excuse, je le ramène et je m'en vais, t'inquiète, Doc. C'est merci. Juste, il est stressé, il vient de voir son gars, il fait moitié mourir, c'est pour ça, t'inquiète. Y'a rien. Ah oui, pas de soucis, allez-y. Non, il y en a incroyable votre coupe de cheveux. Oh, mais vaut mieux faire soigner avant d'en parler, non? Ouais. Vous êtes vendette pour marcher sur. Tiens, Moon, on va s'occuper de toi, t'inquiète. Je repasserai après, moi, parce que. Testé positif ou négatif? Je vais voir la queue là. Oui, d'ailleurs, on m'a un peu percuté donc. Ah. Et il y a des mecs qui comprennent pas, ouais. C'est pas grave. Moi je retiens le positif, sinon on va pas y arriver, frère. Ça va, en tout cas. Le positif, oui, c'est que il y a un flic, le gradé, il a fait son taf de gradé. Putain, j'ai travaillé, puis là je descends un peu, j'essaie de réguler la circulation, mais s'il faut pas bloquer les ambulances qui vont arriver. Bon, ça avait mal commencé. Et ça a été sur la fin, c'était pas. Ouais, Milano, bah après j'ai poussé, hein. Milano, j'ai poussé pour qu'il accepte quand même, hein. Mais il l'a fait, c'est le plus important et c'est ça qu'il faut retenir. Donc force à lui, merci à lui d'ailleurs. Je sais pas s'il stream ce mec là, mais en tout cas, force à lui. Tiens, Tech9 monte. Aïe. Vas-y, t'es où Uzi, on va te récupérer. Et là, attends, Uzi. Attends. Ouais. Attends. Ah, il a mal. Ah, il a mal, sa mère. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Tiens, viens, on va t'amener à l'hôpital, viens, frère. T'as plus ton gueule, t'as tout déposé, Tech9? Ouais. Ah, j'ai une balle, j'ai pris une balle. Tout à l'heure, déjà, j'ai pris un éclat de verre dans la joue, mon frère. Hein. J'ai une balle dans le bras, j'ai trop mal, sa mère. J'ai mis un garrot, mais c'est pas ouf. Mais vas-y, à l'hôpital, c'est une galère. Y'a trop de monde. Ah, c'était chaud, hein. Ouais. C'est quoi lui? Bon, t'as demandé, j'ai failli écraser MVP, je crois que je l'ai écrasé. Une dinguerie encore. Mais en fait, vous étiez passé où? Vous étiez sur. Sur le premier bloc de Chamberlain. Enfin, le deuxième bloc de Chamberlain. Piscine, en fait, c'est ça? En face, piscine. Racine, ouais, ok, vous étiez bien placé. En fait, on avait leur dos, quoi. Franchement, on a couché pas mal. Ouais, pas après, frère, heureusement, le gars, le flic, il a. C'est qu'ils arrivaient avec du renfort. Hein. Il y avait encore une seconde vague qui arrivait, mauvais bail, hein. Ça aurait été de la merde. Ouais, moi j'avais plus de balles, de toute façon. Ouais, non, mais c'était. Et puis même pour nos mecs, elle était au sol, ils allaient mourir. Hein. C'est quel bail. Ouais. Oh, frère, j'ai changé un flic contre Ginette.
Un flic mort contre Ginot mort. Enfin mort. Vas-y dépose-le, faut pas rester longtemps parce que le doc il va me taper sur les doigts sinon. Vas-y je vais t'aider, vas-y sors. Allez viens là gros sac. Pardon, pardon, pardon. Je suis presque sûr que j'ai des 5 hein, clip-le. Je suis presque certain que j'ai des 5 hein. Après peut-être que je suis une merde mais... Moi, une pause Guinness. Là, il a du crash. Okay. Tech9, tu t'en sors ou pas là? Tech9, tu restes à l'hosto ou c'est comment? Tech9, tu m'entends? Attendez, je vous donne ma carte d'identité. Ah, ok. Ouais, j'écoute. Ouais, Jay, c'est Clayton. Il y a Ginette qui me dit de te dire qu'on le ramène à l'hôpital là. Il est vraiment pas bien si jamais. Okay je peux pas, je t'ai bloqué à l'hosto. Mais vas-y, t'inquiète, vu, on le ramène. Vas-y, t'inquiète. Vérifie vas-y. Par contre qu'il est clean. Je m'en occupe, t'inquiète. Vas-y, je m'en occupe. Vas-y, va au quartier, Jay. Tu voulais, j'ai où de toute façon. Ah, mais je crois qu'il y a encore du monde au sol. Je sais pas. Il y a Ginette, mais il vient de se faire récupérer par un petit peu, donc c'est bon. Ok, c'est bon. Et il vient de m'envoyer un message. Bon, bah je crois que pour ce soir là, c'est bon. Hein. Skip et Jamal, c'est bon. Je sais pas, je les ai pas vus. Moi, je me suis occupé de tout ceux qui étaient de mon côté là. MD, Moon. Ouais, j'ai bougé directement. J'avais une super pause, mais comme je suis pas visé, bah. Bon, bah et par contre, je te jure que je vais aller régler le poids de mon Glock et tout là. Hein, c'est trop. Hein. Par contre, je tire. Bizarre. MD ça. Je sais pas, c'est qui. Moon ou MD. Non, c'est MVP ça. C'est qui c'est MVP? T'as besoin d'aller à l'hosto? Non, j'ai été. Ok, bah vas-y, va te reposer, c'était mal. Hein. Même mal, faut que j'y aille, mais il y a trop la queue donc j'ai fait un garrot, mais vas-y, mon bras, je crois il va tomber, frère. Ouais. C'est bon, moi ils sont occupés de moi, mais putain, ça fait mal encore. Attends, vas-y, viens, passe devant et resserre en balle là. Ça me fait mal en. Vas-y. Vas-y, je t'ai la série là. Eh bien, on tire chacun à côté, on serre là. Pas trop, bande de bâtards. Aïe, pas trop, aïe. C'est bon, mon gosse. Bon, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Ouais. Tu peux me déposer vite fait là, je vais prendre une dose de THC là parce que. Hein? Ramène-moi-en aussi là. Ouais. Tu vas faire quoi? Mais je t'attends, je fais quoi? Vas-y, tourne, je te rappelle là. Ok. Je vais fumer un petit peu là. Ouais. Aïe. Ah, c'était la guerre. Au moins j'ai vengé Spencer. Attends, j'arrête de rouler, j'ai mal au bras de son.
Aïe. À côté flic, il devait être dans le colt. Hein. Vas-y, moi je vais essayer de me faire sonner le bras, mais j'ai trop mal. Hein, là, aïe, le garrot. Ouais, vas-y. Si je te dépose, c'est peut-être à la photo de saut, attends. Non, oh là là, j'arrive pas à conduire, j'ai mal au bras. Aïe. Oh, l'excuse du bras, incroyable, je peux faire des accidents et oh, l'excuse du bras, elle est incroyable. Aïe, aïe. Oh, j'ai mal au bras, je sais pas conduire. Oh, c'est incroyable. Oh, je vais faire un RP blessé, comme ça, je pourrais faire des accidents et dire c'est la faute du bras. Vous en pensez quoi? Merveille, non? Quelle vaille. Aïe aïe aïe. Ça vraiment faut que j'arrête aussi, ça faut que je le note. Il y a 2-3 trucs que j'ai noté, moi faut que j'arrête. Régler mon aim là parce que c'est plus possible de tirer aussi mal. Et arrêter de reculer, je recule trop. Est-ce que t'as manqué quelque chose, sergent? On lui dit les gars ou pas? Je pense que t'as raté quelque chose, frérot. Après. Non, t'inquiète, non. T'inquiète, en gros, on a fait une soirée tournée, on a tourné pendant 2 heures et on s'est fait chier. Par contre, je comprends pas. C'est quel flic qui fait le call de faire une descente pour un ballast? Ça, je comprends pas. C'est quelque chose, mais je comprends pas. Ah mais lui faut qu'il arrête hein. Lui faut vraiment qu'il arrête hein. Si c'est vraiment 0-9 faut qu'il arrête hein. Vite ma mère hein. C'est trop par contre hein. Si c'est lui qui fait le call c'est vraiment n'importe. J'espère que tu connais. Si c'est lui vraiment c'est de l'abus qu'il fait hein. C'est quoi le bail? Tu veux pas nous niquer nos mères parce qu'on est... C'est quoi la suite? Quel bail genre. Vas-y rend fou mais... Jurez lui hein. J'ai juré lui. Vas-y bref je vais rien dire. Je suis en stream, mon but c'est pas de foutre du sel, que sa mère, je vais rien dire. C'est grave, ouais, c'est grave. C'est très très grave. Ouais, il a la haine, mais tu niques pas les joueurs, tu niques pas des joueurs qui t'ont rien fait, tu vois. Je fais ça tout de suite. C'est grave, on en est là. Putain, t'as une coupe, mon pote, je pense qu'on te le dit souvent, mais. Oui, effectivement. Elle est incroyable ta coupe, hein. Je sais pas comment tu fais, mais. Force à toi. Allez, allez là, merci rentre. 09. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il est foncé. Vous avez été voir les internes aussi? Non, j'ai. On a assez bonne santé, j'ai juste encore une balle dans le bras, je crois. Et j'aimerais voir un docteur et tiens mes papiers, comme ça tu les as. Vas-y, je vais voir en speed, mais. Je reviens. Des Baker. Baker, ouais. Enfin, Baker. Il est 09, je l'entends, je le vois pas. Il est là-bas, mais il est sous morphine. Et Pikman. Ouais. Il est blessé, il doit se faire soigner. Attends, regarde. On va effectuer une palpation, monsieur. Face au mur. Ouais. Yes. Vas-y. T'as quelque chose à faire? Je lève pas les bras trop parce que j'ai mal au bras. Non, j'ai rien. J'ai vraiment rien. Si j'ai un cran d'arrêt et j'ai mes bagues. Très bien. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Demandez au docteur. Ouais. Yo. Voilà. Vous êtes en état d'arrestation, test, ok, d'accord, donc faites pas de conneries, il y a plein d'agents partout, sur les toits, dans la rue, partout. T'as l'air bien toi, t'as l'air bien toi, t'as l'air comme les mecs à qui... T'as l'air comme les clients quoi. J'ai pris la morphine. Parfait, mettez-vous face au panier de fruits, s'il vous plaît. Y'a pas un docteur, putain je les rate à cause de toi là, tu fais chier. Vous avez quelque chose à déclarer sur vous? Tiens, ça. Eh ouais. C'est tout? Bien fait. Je sais qu'il est 0-9, les gars, y'a pas de problème, hein, vous inquiétez pas. Très bien. Bah, encore une fois, le but c'est. J'ai pas de se m'échapper contre les clans, je le connais pas, j'ai. Non. Je fonctionne pas comme ça, Léo. C'est ça que tu comprends pas. Je m'en bats les couilles en fait, j'ai rien contre ce mec là, j'ai pas le démon contre lui. J'aurais jamais le démon contre un mec HRP pour un jeu, je m'en fous. C'est bizarre. June, si vous commencez à me connaître, c'est tout ce que j'ai testé le plus. Bah,
quand je vois un son. Hein. C'est légit le genre de choses que je fais jamais. Ouais, c'est ouf. Non, mais en vrai, elle fait beaucoup d'heures, mais elle est jamais au bon moment. Ouais, ça c'est. C'est le problème. Elle prend souvent des cafés, je suis sûr. Quoique, non, Coca aussi. Donuts aussi, non? Ouais, aussi, ouais, Donuts Coca. Elle aime bien manger. Elle a des petites joues. Coupez-le en deux, si vous. Non, des grosses joues. Oh, ouais, non, mais c'était. Oh, je voulais le dire de manière mignonne. Ouais, je. Gardez-le, c'est de la merde. C'est de la... Vous êtes toujours pas rentré voir le médecin? Ah, ça va, tu m'en. Ah, oh, ouais, putain, ouais, Jace. Ça va bien. Ouais, bah ouais, mieux que toi, hein, je t'ai sauvé les miches. Ah, moi, mais t'es fou, toi. Moi, descendu en miettes. Bah, je t'ai quand même sauvé les miches, hein, sache-le. Ah, t'es un bon. Je te fais la bise, les quatre. Ouais, vas-y. Vas-y, Cody, petite bise. Ouais. C'est qui, lui? Ouais, c'est ça, hein. Je sais pas, y'a les cowboys. Pourquoi y'a un shérif, là? Eh, parle pas mal du shérif. T'es blessé par balle. Mais la ref, je sais que tout ça vient, mais je l'ai pas exactement, la ref. Je me tourne, faites ce que vous voulez, shérif. Je ne regarde pas, je ne suis pas témoin. Ah, ok. Dis-moi que t'es dispo, Doc, s'il te plaît. Tout de suite. Monsieur Carter, là-bas avec l'un de vos collègues, son test de poudre est négatif. Quelque chose sur vous ? Monsieur Carter, c'est l'équipe de l'exit sur 23. Avec le collègue du LSPD là-bas. Là-bas ? Ok, je vais. T'es dispo, Doc, ou pas ? Merci. Suis-moi. C'est pourquoi ? J'ai pris une balle dans le bras. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai fait un garrot, j'ai serré. Ouais, parce que j'ai pas pu aller tout seul à l'hôpital, il y avait du monde devant moi qui était plus grave. Et je te cache pas que mon bras, il me lance de fou là. Ça fait combien de temps là que tu l'as le garrot? Je sais pas, une petite demi-heure je dirais. Non, une demi-heure, on est dans les temps, c'est bon. C'est quoi les temps, Doc? 2 heures. Oh, ah ouais, ça veut dire, il se passe quoi si au bout de 2 heures j'ai... Ton bras est mort. Jure? Genre il tombe? Non, en fait ça coupe la circulation, du coup il va commencer à nécroser. Et on pourra rien faire, on est obligé d'amputer. Jure, ça veut dire là ça fait 2 heures, mon bras il est mort. Ya si ça faisait 2 heures, ton bras était mort. Ouais, heureusement, bah non, ça fait pas 2 heures, mais waouh, dur. J'ai. Ouais. C'était le bras gauche? Ouais. Allez, zouf. On va retirer ça. Mais après, c'est bien, hein, bon réflexe. Ouais, bah à force, c'est on. Qu'il faut faire. À force, hein, tu connais, on sait comment faire. Hein. Ah bah, ça, c'est grâce à vous. Hein. À chaque fois, il m'explique, il me dit bon, la prochaine. Il me parle d'avant, il me parle des trucs de perronné. Je sais pas c'est qui perronné, mais si je le croise, t'inquiète. Le péroné, c'est à côté du tibia. C'est deux os au niveau du tibia. Jure. Il y a le tibia et derrière, t'as le péroné. Oh. C'est comme dans ton bras, c'est exactement le même principe avec cubitus radius. Hein? Pourquoi tu parles allemand? Non, c'est des os. C'est des noms d'os. Dur. Ça va, t'as pas eu trop de travail là parce que la galère. On vient à peine de commencer. Entre guillemets. Les EMS, moi je supporte pas quand on leur parle mal, gros. Ça me trigger à charper. C'est rare que ça me trigger à charper, mais ça me trigger de fou quand on parle mal aux EMS, gros. Vous êtes pris une descente, c'est ça? Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Fuyez la prochaine fois. En vrai, je sais pas si t'as fait les comptes, mais je pense qu'il y a eu plus de problèmes chez les polices que chez nous. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, j'ai bien l'impression. Et pourtant, je t'assure qu'ils sont plus et qu'ils ont les Kevlar, mais disons qu'ils ont que. À part quelques-uns, ils sont un peu cons, quoi. Ouais. Mais faut couper la salade à la source. Ok. La vie de ma mère, ils étaient. Bon, ça devrait aller. Ils sont trop engagés. Ça devrait aller. Ok. C'est la violence. Le meilleur policier, c'est 10. Ah, c'est bien. Sinon, à part ça, ça va bien dans vos vies? À part que on a des problèmes pour rien, ouais ça va. On est persécuté, man, je te jure. On peut pas être tranquille. Hein. Tu sais pourquoi on a pris une descente ou quoi? Je peux te le dire à toi, t'as un doc de toute façon. Mais on a pris parce qu'on est en train de s'embrouiller avec un ballast, tu vois. Donc on l'a embarqué, on l'a ramené au quartier et on a pris une descente pour ça. Donc en fait, il y a des filles qui sont venues au quartier parce qu'on est en train de s'embrouiller avec un ballast, en gros. Ouais, tu connais peut-être pas comment ça fonctionne dans la rue, mais les ballasts, c'est nous, tu vois, c'est une longue histoire, tu vois. Je m'en doute. Ça fait un bout de temps qu'on se tape sur la gueule, ils avaient pris notre quartier à l'ancienne, enfin bref, ça fait longtemps, tu vois.
Et là, on vient de se prendre. Oui, ça, c'est. Ça date, hein. C'est depuis les années 90. Ah. À peu ouais, près. C'est ça, ouais, ça fait. C'est la guerre depuis un long, long moment. Et là, d'un coup, je sais pas. Là, de... C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mourir avec un balas, maintenant, il faut que je fasse attention parce qu'il y a une quarantaine de flics qui vont débarquer dans mes blocs, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai. Bref. Non, mais après, en théorie, tu te mets à leur place. On est sur, quand même, théoriquement, potentiellement prise d'otage et séquestration. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est un gangster le balas, tu vois, on a nos codes, ils le savent. Ouais, mais... C'est pas la même chose, tu vois. Je dis pas si je te pète à toi, ouais, toi t'es un doc, tu sauves des vies, t'es un mec, t'as rien demandé, je veux bien. Normal, ils viennent faire le ménage pour toi. Mais un gangster, il est. Ok, je dis pas, c'est normal, je dis juste. Même si dans la loi c'est pas autorisé, c'est pas la même chose, tu vois. Les gars. C'est pas la même chose, man, je te jure. Votre vie n'a pas plus de valeur que la mienne et la mienne n'a pas plus. Ouais, mais pour les flexis, bien sûr que si. Non, mais. Man, bien sûr que si. Mais toi, oui, toi, tu sauveras. Toi, ça serait si tu fonctionnais pas comme ça, tu sauverais pas tout le monde. Donc, ça, ouais. Toi, tu fonctionnes comme ça, tant mieux d'ailleurs, sinon je serais mort. Mais c'est pas le cas des gens, crois pas. Hein. Si tu penses ça, c'est que tu te voiles la face, man. C'est que t'as des œillères. Peut-être que t'es un trop bon gars, je sais pas, mais en tout cas, sache-le, hein, c'est pas comme ça. Hein. Dans ma vie à moi, c'est pas comme ça, sache-le. Hein. Peut-être certains. Mais là, tu vois, justement, là, on voit que, entre guillemets, l'état-major, il pense plus comme moi. Je sais pas, je sais même pas c'est qui l'état-major, je sais pas c'est quoi. C'est les hauts gradés, quoi, si tu préfères. C'est. Par exemple, vous, chez les familles, vous avez une hiérarchie. Ouais. Et comment vous appelez les hauts, le haut du panier, les mecs à la tête de tout? C'est l'OG, mais je l'aime pas, c'est un con. Et bah voilà, et bah l'état-major, c'est le OG. Ok, ça marche. C'est exactement pareil. Ok. Et du coup, tu vois, eux, ils pensent plus comme moi. Ouais, il fait plaisir, lui. Peu importe que ce soit un gangster, un médecin, un policier, une personne, c'est une personne. Ok. Non, mais ok. Bon, après, c'est ce que tu vois, peut-être, mais je te le dis, moi, je... C'est bien, tu vois, t'as des. Toi, vas-y, je veux bien te croire parce que t'es un bon gars et tout, mais je te dis, tous ceux qui me disent ça, c'est bien les paroles, hein, les paroles s'envolent, les actes restent, comme on dit, hein, c'est bien beau, mais. C'est vrai. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que là, j'ai des flics qui sont arrivés, qui ont tiré sur mes négros, qui avaient des familles, il y avait des civils, et que c'est parti en couille parce qu'ils sont pas capables de comprendre qu'on leur dit quelque chose, c'est tout. C'est vrai. Mais. Aussi, vous. Vous, à chaque fois, de toute façon, dans les conflits, c'est toujours pareil. Chacun campe sur ses positions, vous n'essayez pas de trouver un accord. Forcément, il y a un moment où vous en venez aux armes, c'est la seule solution. J'ai eu une discussion avec un de leurs lieutenants, j'ai pris le temps de faire une manifestation pour parler avec lui, on a parlé avec lui pour plein de trucs et ça n'a pas été écouté, donc tranquille. Ah. J'ai dit, on est dans des quartiers défavorisés et... Ouais, voilà, c'est comme ça, de toute façon, faut pas en parler pendant 3 ans, ça va changer quoi. Ouais, bon. Là, je vais pas te mentir. J'arrive à court d'arguments, du coup. Bien sûr. Mais... Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde n'est pas tout noir, tout le monde n'est pas tout blanc, tout le monde est gris. Ah, mais il n'y a pas d'histoire. Hein. Je suis pas en train de me victimiser, à dire, ouais, je suis une pauvre victime. Hein. Je sais qu'on fait des dingueries et que des fois, vas-y, on doit payer l'addition. Mmh. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mmh. Mais je vois pas, là, l'addition. Là, j'avais commandé une bouteille d'eau, des chiottes, et j'ai eu droit à une limonade de je sais pas quoi, j'ai pris le tarif. Enfin bref, là, c'est tranquille. C'est bon pour moi, Doc, ou pas? Là, je peux me lever? C'est tout bon pour toi. Vas-y, super, merci. Alors, Dice Baker, je me trompe pas. Ouais, attends, faut que je paye. Attends, mais j'ai pas d'argent, je suis un clodo. Attends, je vais voir. Du coup, bon, c'était au niveau du bras, l'os a pas été touché, c'est principalement du dégât musculaire. Du coup, un ATA et 24 heures de suivi. Ça marche. Ça devrait suffire. Ok. Je te fais le test de poudre. Positif, j'ai tiré. Okay. Pas besoin de faire le test. C'est la procédure. Même si... Oh, mais Je sais que t'es bonne foi, mais moi derrière j'ai des obligations, tu sais. T'inquiète. Allez, zouf. Du coup, 550, tu peux pas? Fais, je te dirais, mais au pire, je repasse dans 30 secondes, c'est pas un problème. Je suis pas. Oula, je vais pas te mentir, ils vont essayer de t'attraper. Quoi donc, qui ça? La police. Pourquoi? Je doute qu'ils vont te laisser sortir comme ça, même si c'est pas eux qui t'ont emmené. C'est toujours comme ça. Jure? Ouais. Mmh. Ouais. Vu que là on est en plein, ils sont en pleine procédure, ils te laisseront pas passer comme ça. Je t'ai oublié d'aller à l'hosto de toute façon. Normalement, oui. Ouais, on verra. Hein. J'assumerai ce que j'ai à assumer de toute façon.
heureusement, je vais manger mes otas avec Eddie. Puis de toute façon, en théorie, potentiellement, ils ont rien sur toi. Ils savent juste que t'as tiré. Oui, c'est un peu plus compliqué ça, malheureusement. C'est un peu plus compliqué. Il t'attend. Monsieur Baker, son test de poudre est positif. Ouais, sauf que Milano il m'a vu et tout, donc c'est compliqué. Bonne soirée avec moi, monsieur. Bonne soirée. C'est le dernier, docteur ? Non, il en reste encore. Ouais, mais je parlais avec Milano et tout, enfin, ils peuvent me baiser s'ils veulent. Tout le dernier. Ah, bon, ok, merci, docteur. Du coup, monsieur Baker, comment Baker ? C'est, je vous ai fouillé déjà tout à l'heure, non ? Ah, bah ouais, tu m'as palpé, j'avais rien. Palpé, excusez-moi. Rappelle-moi Dace, parce que Dace, Baker, ça rend ça, fou. Ouais, Dace. Vous pouvez vous retourner, je vais effectuer une dernière palpation, du coup. Ouais. Je lève pas très haut les bras, j'ai mal, comme je t'ai dit. Ouais, pas de soucis, ok. Toujours pas d'armes, parfait. Très bien, donc test positif. Ouais, mec. C'est top. Ok, bah, faut quand même y aller, monsieur. Ok, ça marche. Ok, merci, Doc. Ah, bah non, merci, le faux. Tops. Là, il y a peut-être un superviseur. Non, évidemment non. Bonjour. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un superviseur des opérations ici dans le tas ? Ah bah oui, il y a deux lieutenants. Il y a tout le monde alors, bon. Ah Mais du coup... Je vous laisse les Kennedy Shop occupés, ouais. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Ouais, pas de soucis. Je vais rentrer, je vais chercher ma chargeur. Il est là, votre Kennedy. Parce que du coup, on n'a pas vraiment reçu. Putain, mais il y avait les lieutenants, alors pourquoi c'est le sergent 2 qui a pris le call ? Les lieutenants, ils étaient couchés ? Parce que normalement c'est les lieutenants qui tranchent. Viens, je te tue pas alors que tu es de l'hosto. Non, tu peux oublier moi. Ah, les lieutenants viennent de l'hosto, ok. Parce que normalement les lieutenants ils auraient tranché banal. Je sais pas s'ils auraient fait, je pense qu'ils auraient fait la même lieutenant à mon avis. Ils sont pas cons. Ah, au sol, faudrait savoir les mecs hein. J'étais sur la radio ou pas ? Ouais, j'étais juste à l'osso là, je viens de revenir, y'a quoi ? Y'a quoi ? Ouais, vas-y. Ouais. Y'a un O'Neill qui m'a appelé, il m'a dit si on était encore intéressé par leur O'Neill. Dis-lui, dis-lui, je l'appelle, fais-moi son numéro. Ouais, vas-y, je te donne ça. Ouais, tranquille, mais je fais gaffe maintenant. Parce qu'avant je me battais les couilles, maintenant là j'essaie de rester debout justement pour ça en fait, comme j'ai voulu faire là. Pour pouvoir négocier, pour pouvoir carry derrière, parce que sinon. J'ai vraiment, c'est pas normal que ça tire 15-49. Sur quoi MVP ? Je sais pas qui a tiré au premier, je crois que c'est nous. Donc on est fautif sur le tir, y'a pas de problème. De toute manière, je suis pas délusionnel. Hein. Je suis 8-9. Hein. 8-9, il a dit. Bon, ça pite. Mais la vie de ma mère. Eh gros, moi je cherche pas les portes de sortie qu'on me donne, je les trouve moi-même. Hein. Je l'ai dit, hein, je vais tenter un truc. Je serais tombé sur un ravagé de la galerie, je me serais pris une tête banale. Mais là j'aurais ragé. Mais vas-y, je suis tombé sur un mec. Je me suis fait rafale aussi. Ouais, Raven. Oula. Ouais, salut, ça va ? Ça va, ça va. J'attendais que tu m'appelles. Non, je rigole, c'est juste que tu es sur mon téléphone. Ok. Ouais, tu sais, il y a quelques jours, enfin, je vais un petit peu aux nouvelles, on vous a proposé un peu de thunes en échange d'une petite mission. Mais en fait, on a eu un truc hier, tu vois. Hier, on pouvait faire le truc que tu m'as demandé, j'en parle pas trop explicitement, ouais, mais voilà. Ouais. Mais le fait est que c'est vous qui n'étiez pas disponible, tu vois. Ouais, enfin, vous étiez, en fait, vous étiez à l'hôpital, en gros.
Ouais, bah là, donc, on vient d'en sortir de nouveau, mais c'est compliqué. C'est l'enfer, là. Mais c'est vraiment l'enfer. Hein. T'inquiète, on est dessus, mais en fait, ouais. Nous, on fonctionne par timing, donc on peut pas juste là, comme ça, d'un moment. Mais dans quelques jours, t'auras ce que t'as demandé, je pense. Faut juste que vous soyez patient, mais vous inquiétez pas, on vous a pas oublié, on vous a pas mis de côté, c'est juste que bah. Et puis on a nos emmerdes plus, hein. Là je viens de prendre 40 feet dans mes blocs, je te cache pas, c'était compliqué. Ah ouais, ok, ouais, je comprends. Bon, okay, mais bah, on vous a pas oublié, c'est pas un boycott, t'inquiète pas. Vas-y. Bah vas-y, tu me force à vous point, et bah, soignez-vous bien. Vas-y, à plus. Ciao. Ouais, c'est l'os. Ouais. Je sais pas pourquoi ça a tiré, mais je sais qu'on leur a demandé si je leur ai dit que ça fallait pas que ça tire et ils ont dit bah les couilles, donc au bout d'un moment. Bonsoir. Ouais, c'est Léonil. Ouais, c'est Léonil, qu'est-ce ouais, qui se passe? Ouais, c'est de BG Families là. Oui. Là actuellement, c'est quoi? C'est pour votre coke? Vous en avez quoi, 500? Ouais, on peut te les avoir, hein. Ouais, là de suite, garde, tu peux me les garder pour demain ou plus tard dans la soirée parce qu'en fait là il y a eu beaucoup de mal à l'hosto. Ouais, vas-y, ton collègue. Et les types, ils peuvent pas trop conduire, même moi là c'est compliqué, même pour porter les cargaisons ça va pas être ouf. Donc ce que je te propose c'est soit plus tard dans la soirée si vous êtes des couches tard, soit demain, ouais. Demain dans l'après-midi ou demain soir tu me mets ça de côté et... Eh ben, tu sais quoi, je vais enregistrer ton numéro, on reste en contact toi et moi, j'en parle au forger et je t'envoie un message, ok? 92-477 mon numéro. 92-477, ok, c'est noté. Voilà, vas-y, c'est quoi ton blaze? Moi c'est Daddy Odile. Daddy Odile, ok, bon. Moi c'est Diez, vas-y. Allez, Diez, ciao. Ciao. Ok, c'est fait. Non, mais les balais ils sont pour rien là. Le problème c'est que les ATA, tu peux rien foutre. Est-ce qu'avec des ATH je peux vendre au quartier? Je sais même pas. Hein. Peut-être pas abusé là, il y en a une des. Non, j'ai pas abusé, ça, un peu abusif. Ok, ça c'est bon. Ça va faire quoi? Bah, j'ai des ATA, vous savez comment ça fonctionne les ATA. Hein. C'est compliqué. Hein. Les ATA là, je me vois mal faire autre chose que cut. Hein. Merci pour les bits, pour les 100 bits, Aizen. Merci le frérot. Merci beaucoup. Comme d'hab, chez les Bellas, t'as dit que vous avez chopé sans raison. Écoute, vous savez, un jour, je vais craquer. Un jour, je vais vraiment craquer, en fait. Je vais être de mauvaise humeur et je vais pas contenir parce que je contiens beaucoup. Je garde beaucoup pour moi, tu vois. Pour éviter les dramas et les ouin-ouin et puis, tu sais, les clips abusifs et tout le tralère. Mais un jour, je vais craquer et je vais sortir toute ma Valda. Ça va être très, très rapide. Et à mon avis, voilà. Ça va en détendre quelques-uns là. Non mais je suis pas. Les gens radio. Je suis pas salé tu vois. Attention. Ah ouais, on t'écoute là. Oui, t'as besoin d'aller chercher l'hôpital. J'arrive en balle. Ouais, vous voulez quoi? Vous voulez? Non mais je suis pas parti encore. Je suis pas parti encore tranquillement. Je vais vous os quelqu'un. Et je vais rechercher la. Le médecin il a dit que j'avais eu de la chance. Vous voulez quoi? Vous voulez Medja? Je vous envoie chez Warhammer. Medja il a 1600 viewers les mecs. Est-ce que vraiment Medja a besoin d'avoir Tu connais hein. Je vous envoie chez Medja. Je m'en fous moi. Je vous envoie chez lui si c'est ce que vous voulez, pas de problème. Je sais pas ce qu'ils foutent les marins d'ailleurs, mais on les a pas vus. En même temps, on les a pas vus, on était un peu occupés, mais. T'es en bas ou en haut? En haut, comment ça, je suis en bas? Je suis pas de la morgue, moi, oh! Ta gueule! Pas te débarrasser de moi! Arrête de gueuler, même là, tu me donnes mal au crâne. Mais si vous voulez, je vous envoie chez l'Hérital. Hein. Mettez-vous d'accord, les mecs, ceux qui veulent. Moi, bon, l'intérêt que j'ai à quelqu'un, c'est que vous ayez envie de rester avec lui et que vous puissiez regarder ce qu'il fait, que ça vous plaise, tu vois. Ça sert à rien que je vous ose juste pour os, tu connais. Si tu savais ce qu'ils font les marins, bah je sais pas. Donc voilà. Ouais, merci. Je vous envoie chez Messina si vous voulez. Voilà, bien, hein. M'en fous. Eh, bah je vous envoie chez Messina. Vas-y, je vous envoie chez lui, y'a pas de problème. Je finis ça et je vous envoie chez lui. Ouais, les négros, y'a quelqu'un qui peut venir me récupérer, aller au quartier. À l'hôpital. Vas-y, on arrive avec quelqu'un. C'est pas la peine, je suis dessus. C'est pas la peine. Ok. Ça va ou quoi, DJ? Ça va. Ouais, tranquillement.
toi tu vas arrêter de me gueuler dans les oreilles quand je fais des calls, mais sinon ça va. Ouais, excuse-moi. Il y en a 2-3 qui vont, il y en a 3, je vais vous baiser vos mères, hein, je vous le dis. Ouais, mais quand j'écris. Hey, en fait, moi, tu crois que je me fais pas tirer dessus? Je suis en train de penser à 40 000 trucs et je suis content de hurler. Ouais, mais moi je suis comme ça. Hey, gardez, ouais, mais je m'en bats les couilles de commenter. Rectifie ça ou crie, mais crie pas sur la radio, c'est tout. Pas fait exprès de crier. Je sais que tu fais pas exprès, mais contrôle-toi, je sais pas. T'es dégénéré, t'as des cellules. Mais non, mais on. Dieu, c'est quelqu'un qui t'a posé une question à la radio. Hein? Ouais, il me dit, excuse-moi, je t'ai next. T'inquiète, je m'en charge, je t'occupe pas. T'inquiète, c'est good. En gros, concrètement, soit plus tard, soit demain. Parce que là, on est pas en état de conduire, c'est la galère. Si, c'est ça. T'inquiète. Non, hey, t'as eu quoi, Spencer, toi? Si, si, c'est bon. Il a accepté le F. Je le fais. Ils m'ont tiré aux pompes. Et je le fais passer. Pompe. Et je serais sûrement. Oh, si, 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 je l'ai eu. Je l'ai eu. Il y a Léo qui m'a répondu. Ouais. Léo, il m'a accepté. Léo, il m'a répondu. Quartier, donc c'est good. C'est good. Juste, il est pas cool là, il est en soirée. Wow. Good vibe, ça c'est good vibe. Là, c'est ça. Bon, ça. Et je le passerai sûrement off stream, les gars. Mais comme je le passe. Allez, sortez là. Année off, ouais. Année off. Ah bah ouais, c'est quoi? C'est quoi? Vous voulez savoir qui c'est? Comme je serai off stream, je peux vous le dire maintenant si vous voulez. Si ça vous tente. Vous verrez demain la surprise comme vous voulez. Même si bon, ouais, pas trop de surprise. Hein. Alors, Diego, tu peux pas répondre. Est-ce qu'il y a du monde qui peut venir au l'hôpital? Bah, c'est. Vas-y, je suis encore en voiture, je fais le taxi, c'est bon. Ok. Il s'appelle Murphy, vous le connaissez hein, depuis le temps, c'est Black. Hein. Murphy chez les Families. Ça passe. Ça passe en balle. Avec sa grosse voix là. La famille s'agrandit. Il va y avoir du beau monde. Hein. Donc voilà, en balle. Lui, c'est une valeur sûre. De hein. toute façon, tirer, conduire, parlotte. Il a les 3 points. Donc, clairement, un bon bail en vrai. En vrai, bon bail, Murphy. Et puis voilà. Après, il y en a encore 2-3 qui sont un peu inactifs chez nous. Mais bon, pour moi, ils sont là. Et si jamais, on les dégagera en temps voulu. Et voilà. Oh Young, tu crois que je suis quoi? Excuse moi gosse. Excuse moi Audi. Je le referai plus. Allemagne, y'a pas quelqu'un qui peut venir chercher l'hôpital là. Dis-lui Un deux, un deux. Ouais, on arrive, ouais, Ginette. Ginette, je suis à la pharmacie Audi. Vite fait, on va passer après. On le récup. Ok, ok, ça va. C'est bon, je me tacle. Oh, Eddie Ace, je vais pouvoir cracher du lait de mes mamelles. Quoi? Je vais pouvoir cracher du lait de mes mamelles. Plus sérieux là, plus sérieux OG. Plus sérieux que des mamelles de lait. Hein. J'ai entendu là dans l'hôpital. Ouais. J'entendais. C'est quoi, c'est Milano le mec à qui t'as parlé? Ouais. Eh ben en gros, limite il se faisait engueuler par les autres. Comme quoi il avait dit de cesser le feu. C'est qui les autres? Je sais pas, d'autres cops, je sais pas qui c'est. Les autres cops, ouais. Et en gros, grave, ça a parlé de descente en mode peut-être même, il y en a même, il a dit dans 40 minutes, il y a un cop qui a dit dans 40 minutes, c'est bon, quoi en mode t'as capté, tu vois. En mode descente, une fois que leurs états sont terminés. Bah, ma bite, hein, moi je vais me poser au quartier, j'ai mal au bras. Ah, ils vont descendre sur personne, frère. ils vont descendre, Milano, il leur a sauvé la vie, frère, et ils font ça, c'est grave. Ah, mais en gros. Il leur a sauvé les miches, hein. Attends, va dans le bloc à droite là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il fait le serpent? Pourquoi eux? Hey, dépose. Vas-y, attends, j'ai 15 de mètres sur WAM. Hey, enfin, je sais pas. Bon, ça. Hey, en vrai. Attends, viens, on y va ensemble. Comme ça, je me parle. Le bloc tout droit là. Le premier bloc à droite. Pas celui-là, celui d'après là, dans le chambre. Ouais. Et en mode. Ouais, en mode. Prochainement descente, quoi. Clairement. Donc va falloir faire quoi. Oui, ça c'est évident, mais tu sais ce qui me joue le plus, c'est qu'ils embrouillent leurs collègues, frère, il leur a sauvé à la vie, frère. Ah, non, mais en mode c'était une mauvaise décision qu'il a pris. Ah, en mode il a pris une mauvaise décision. Ouais. C'est trop. J'ai pas les mots. Si, j'espère que c'est une blague. Je comprends pas. Non, c'est pas une blague, clairement pas. Je comprends pas. Il leur sauve la vie, frère. Et un fils de. Attends, si. Un fils de pute, il a de la canaille là, tout son temps que j'entendais, il parlait, il disait que. Tiens, heureusement, j'ai pas sorti mon chien. On a une gueule à tirer sur un chien, ou c'est comment? Je sais pas, il est bizarre. Ah, c'est tombé, c'est bizarre, mec. Un manque de gain, je sais pas. Milano, je sais pas s'il stream, les gars.
Je verrai pas la voiture, on discute un peu. Ah, j'espère, c'est. Franchement, si les flics qui pensent qu'il fallait continuer à tirer, vous êtes bizarre. Hein. C'est bon. Déjà, la scène elle est très mal engagée parce qu'il y a des torts des deux côtés. Premier tort de la part des flics, c'est d'arriver pour un ballast. Ça n'a aucun sens. C'est débile. C'est. Non, il a pas marre, je suis sûr qu'il y en a qui pensent ça. Il a pas. C'est débile de 1. Et le deuxième truc qui est encore plus débile, c'est. Il y a eu un tir, je crois que c'est chez nous. Je sais pas parce que vous avez vu moi ma POV, je sais pas. Mais si c'est chez nous, bah my notre bad, si c'est chez les flics leur bad. Mais voilà, ça a tiré, c'était une descente, ça pouvait tirer, c'est des trucs. On leur a dit, j'ai demandé. Il y a eu un call de tiré, j'ai coupé le call, j'ai dit à Young de dire aux flics qui étaient dans la voiture. Et voilà gros. Mais en fait. Je l'ai dit, pourquoi la logique c'est de faire une descente? Genre, c'est ton but c'est de sauver l'otage. Tu le sauves comment l'otage? Si tu fais une descente? Mais enfin. Les gars, s'il vous plaît, je le répète pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait du RP flic. J'en ai fait pendant. J'ai fait plus de RP flic que du RP gangster. J'en ai fait du RP flic, ok? C'était pas sur du gros serveur. C'était toujours sur 120 slots, du 200 slots, ok. Mais j'ai fait commandant de police pendant un long moment. Donc je suis d'accord que les flics doivent faire leur travail. Et que c'est chiant pour les flics et qu'il y a plein de trucs chiants. Mais à aucun moment, tu sauves un otage en faisant une descente. Salut radio, on est libérable. Salut radio, on est libérable. Attends, hey, regarde, je sors ma petite enceinte Bluetooth. Elle a bien. Les gars, ceux qui viennent au quartier, on est juste à côté de la maison, on dit pour venir discuter hein, tranquille. Ils ont fait ça les balasses. Ouais, vas-y, mais les balasses, vas-y. Bref, je vais rien dire. Arrêtez de me dire ça, s'il vous plaît. Arrêtez de me donner des infos comme ça parce que ça me rend fou. Et j'ai pas envie de répondre à chaud, donc dites-moi rien, c'est grave. Coupe ta musique, stop. Ouais, merci beaucoup. Ça va les gars, vous avez pris quoi vous? Rien, moi, 500 j'ai, balles d'amende. 200 balles. Balles et carré dans j'ai que 200 dollars moi. C'est trop cool. Mec, la police. Attends, t'as mis 500 toi? Moi 500 ouais. Et pourquoi moi j'ai que 200? J'avais sûrement une balle de plus que toi. Ouais, la balle est pas chère. Hein. Ouais. En vrai, vous pouvez remercier un des flics, je vous le dis. Hein. Ah bah oui. Hein. Il y en a au moins un dans le lot qui a voulu sauver ses gars. Ah non, mais nous, celui qui nous a sauvé, c'est 92. Hein. C'est un trou du cul. Ah, il est trop nul. On est arrivé à l'hôpital, il nous a juste palpé. Il a dit, ouais, vous pouvez y aller, nous emmener au commissariat direct. Je te jure. Et ils étaient perdus, ils ont dit, ouais, il n'y a pas de dossier de fait pour Elijah et pour Jamal. Ils étaient en panique. Ouais. Ils étaient perdus pendant 10 minutes là. Ouais. Après, l'autre 09, là, l'autre fils de chien, il arrive, il dit, ils ont pas d'armes sur eux. Ah bah non, mon gars. Sale connard. Baisse-toi bien, 09. Ah, je l'ai vu arriver, j'ai voulu me battre, mais. T'as vu, il a fait une blague. Personne n'arrive. Il a dit quoi? Il a dit Jamal ou un truc comme ça. Jamal au bras, il a des fils de pute. Oh non. En vrai, ça me fait rigoler, désolé, mais. Ouais, mais c'était pas drôle. Et je te jure, même ses collègues, ils ont pas rigolé. Ouais, mais même si c'est drôle, c'est 09. Et ils ont ouais, mais moi, quand Skippy Blue, ça me fait rire, mais bon. Ouais, Jamal au bras, j'avoue, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Il est fatigué, ça se voit. Il est fatigué. Je te jure, ça me fait rire. Il nous donnait du crack. Non, c'est marrant. T'as eu quoi toi du coup? Bah, j'ai rien eu, je vous ai sauvé la vie. Moi j'ai rien eu moi. Comment ça, ça a sauvé la vie? Bah, 500 dollars d'amende. Tu vas pas sauver la vie, hein, moi je suis. Tu vas pas sauver la vie non plus. Hein. Ok, bah écoutez. Mec, j'arrive, hop, je tire, hop, il y a 40 keufs derrière nous, ils nous fument. Genre. Moi j'ai crié, fait déjà mal! Derrière toi! Et là je suis. Et puis là. Vous êtes des types et vous pensez que sauver la vie c'est juste tirer sur ceux qui vous tirent dessus? Bah ouais, c'est la rue, hein. Ouais, d'accord. T'as cru c'était quoi, Sister Act? Déjà, c'est qui a tiré déjà? Je sais pas. Faut savoir ça parce que. Mais déjà, si vous écoutiez simplement la com, il y aurait pas de problème. Je pense qu'ils jouent. Moi aussi, je vais chill avec eux. Allez, on chill, les gars. Les gars, on chill. Ah, 500 balles d'amende. Ils étaient 9 autour de WAM, ils m'ont tous tassé en même temps, c'est bon. Bon, les gars. Je vous envoie chez Messina, c'est ça que vous vouliez du coup. Je comptais live plus longtemps, mais vas-y, le RP, vous savez comment c'est. Je vous envoie chez Messina. Et tout, il va y avoir du débrief sur ça. Hein. Encore une fois, il va y avoir full. C'est quoi le tag de Messina, s'il vous plaît, vous pouvez me dire? C'est bon, j'ai trouvé. Je vous tiens au courant tout ça. À mon avis, je pense que ça va trop râler, mais vas-y. Il y a des trucs qui doivent vraiment être changés sur le serveur. C'est pas normal qu'on arrive à faire des scènes comme ça. C'est anormal que ça se passe comme ça. Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens que ça se passe comme ça. Je comprends pas. Et encore, et je le dis stream et je le dis haut et fort. Heureusement, il y avait il y avait 13 qui a fait le taf et il a fait le bon choix. Il a fait un choix. Il a fait un choix RP, un choix cohérent, un choix qui devrait être soutenu par ses collègues et non pas machin. Je comprends pas comment c'est possible. C'est ridicule et c'est peut-être à cause de ça qu'on a des petits problèmes sur le serveur aussi. On va peut-être se remettre en question 30 secondes et arrêter de penser qu'on est parfait ou que machin. Le but c'est pas de down les gens. Hein. Enfin bref. Et ça vaut pour mon groupe aussi, hein. Ce que je dis, ça vaut aussi pour moi. Allez, je vous envoie chez lui. Bisous.